dial and you have all the company you want one through a party in the county jail. now that's not exactly what i had in mind but you get the idea Time, I'll be punished with you. I, I find your accent quite funny. Que de, que de bons souvenirs. On s'en souvient tous depuis le début. Bienvenue à tous. On est très très heureux d'être là ce matin et très honoré d'accueillir Charles Rifkin, mais aussi très très heureux de l'accueillir dans ce lieu et dans cette institution. Et pour vous accueillir tous ici, je vais passer la parole au président du CNC, Dominique Boutonna. Bonjour à tous. Maintenant, bien. bonjour et, et, et bienvenue. Hein, donc bienvenue au CNC, merci. on est heureux de vous accueillir ici pour ce colloque organisé par box office autour des défis d'avenir du cinéma. alors, cher julien marcel, vous avez réuni un, un beau panel. je vois et je veux particulièrement saluer la députée aurore berger, qui je crois n'est pas à bientôt arrivée. Oui, et évidemment, Charles Rifkin, le président de la Motion Pictures Association of America. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir, un honneur de vous accueillir ici. Le, le, le plus, peut-être le plus francophone et francophile des Américains et qui se bat pour le cinéma à travers le monde, merci. On est ravis de pouvoir bénéficier comme ça de votre regard et de la manière dont nos pays et nos industries euh, ont pu traverser cette pandémie. Et, euh, et, et sont en train de, de regarder l'avenir. Alors, Julien, vous allez revenir dans quelques instants sur l'impact de cette pandémie sur Hollywood et, et le cinéma nord-américain. Vous y avez consacré un livre, Hollywood année zéro. Bravo. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après cette longue convalescence, le monde reprend quand même des couleurs et le cinéma aussi, en France comme aux États-Unis. Les plans de relance en France et tout le travail que nous avons mené pour moderniser ce dispositif exceptionnel qu'on appelle l'exception justement culturelle française ces derniers mois vont aussi nous aider à faire face à ces, à ces quelques défis d'avenir. Alors il y en a plusieurs évidemment, mais j'en citerai principalement trois. D'abord, c'est le premier c'est celui de faire vivre la diversité du cinéma en salle, comme d'ailleurs aussi sur les plateformes. Alors, on le voit, la fréquentation repart, repart bien. James Bond a fait une excellente sortie avant-hier, ici en France, qui nous réjouit, parce qu'on est très, très attaché à la salle dans notre pays, comme vous le savez. Je crois voir Marc-Olivier, hein, quelque part. Euh, mais nous devons veiller à ce que euh, tous les films puissent trouver leur place sur les écrans. C'est notre travail aussi, ici au CNC. C'est ce qui fait la richesse du cinéma, euh, en France comme ailleurs. Alors vous le savez aussi, nous venons d'intégrer les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Disney ⁇ à notre modèle de financement et de diffusion, comme je disais, des œuvres françaises. Ainsi, le cinéma français, qui cette année, c'est vraiment exceptionnel dans l'histoire du cinéma, a remporté La Palme d'Or et le Lion d'Or, donc à Cannes comme à Venise. De cette manière, le cinéma français pourra toucher un plus large public à travers le monde. Deuxième point, c'est... Deuxième enjeu d'avenir, c'est continuer à nourrir la cinéphilie et l'amour de la diversité du cinéma pour nos jeunes générations, qui, c'est vrai, aujourd'hui, leur préfèrent souvent d'autres types de contenus, aussi des séries américaines et des contenus souvent plus courts qu'on trouve sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou autres. C'est un problème, c'est un, un c'est un événement générationnel et c'est un problème culturel prioritaire pour nous. Et nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'initiatives pour recréer cette cinéphilie. La France a toujours été considérée, et pas seulement par les Français, comme l'un des pays les plus ouverts à cette diversité de création mondiale, les plus curieux, nous voulons le rester, et surtout transmettre cette ouverture en Europe comme au monde, de toutes parts, euh, surtout à un moment où parfois le repli et la fermeture des horizons grandissent dans certains esprits. Troisième enjeu, qui lui n'est pas, pas que celui pas que pour le cinéma, qui est un enjeu beaucoup plus transversal, c'est celui de la transition écologique. Qu'il s'agisse de la production euh, verte, d'empreintes carbone des salles, on est dans un mouvement réellement massif de décarbonation de nos activités sur la planète. On n'y pense pas encore assez, mais le numérique représente aujourd'hui une part considérable de la pollution mondiale. Il est donc urgent d'agir. Je sais qu'on partage vraiment ce souci écologique avec euh, nos amis euh, nord-américains. Et nous avons mis en place ici un plan pour aider à la, la filière à réussir cette transition écologique et pour construire, entre autres, par exemple, des plateaux de tournage euh, qui allient numérique et écologie. C'est notre objectif dans les 3-4 années à venir. Voilà ce que je voulais dire rapidement euh, comme euh, message de bienvenue. Encore merci. Euh, L'avenir va être... Évidemment, meilleur et euh, avec de la détermination et de la cré créativité, on va y arriver. Merci, bonne euh, matinée à tous et je laisse la parole à cher merci. merci. Un, un grand merci, Dominique, et à travers et à travers toi, un grand merci aux équipes du CNC, qui, en particulier Evelyne, qui ont été remarquables de réactivité, de facilité. C'était un plaisir de travailler ensemble. Donc, un, un grand merci pour avoir accepté un peu déboté d'organiser cette, cette conférence avec nous. Et je voudrais aussi, en introduction, remercier nos deux sponsors sans lesquels cette conférence n'aurait pas été possible. Euh, D'une part, Ice Theaters, donc euh, Ice, un champion de la technologie. Euh, premium à la française qui s'est exporté à Hollywood puisqu'ils sont présents Regal et Live et qui a annoncé cette semaine leur premier pas en Espagne avec un contrat et après s'être installé déjà en Arabie Saoudite. Donc voilà un champion français de la technologie cinéma qu'on est très très content d'avoir avec nous. Et comme euh, en plus le CNC prend très sérieusement l'engagement écologique et qu'il n'y a pas un gobelet qui traîne dans cette maison, on, on témoigne, et bien, malgré tout il y a quelques thermos ice qui traînent. Donc euh, merci à vous pour, pour votre aide, pas seulement technologique mais logistique. Et puis comme cette journée est placée sous le signe de l'amitié franco-américaine, bah, c'était bien d'avoir un autre partenaire qui soit une société américaine avec un patron français, très français, Eric Marty. Et donc, on est très heureux que Comscore nous accompagne dans, dans cette journée. Et là aussi, merci. De, voilà. Du coup, je montre vos logos maintenant. C'était le reveal des, des sponsors. Euh, je ne vais pas du tout spoiler le, le discours de, de Charles Rifkin que je ne connais pas. Mais je voudrais quand même vous citer ce que dit le... Ce que dit le patron du, de la Motion Pictures Association of America, Eric Johnston, disait Do we face problems? Of course we do. We live in a changing world in which only change itself is predictable. Et il concluait, en français dans le texte, non pas en français dans le texte, concluait en disant Est-ce que les films seront aussi bons dans 50 ans? Je ne pense pas. Je pense qu'ils seront encore meilleurs. Et cette très bonne citation, on la trouve dans les colonnes de box-office en 1957, parce que déjà en 1957, la, la MPA avait cette relation amicale avec box-office qui nous honore. Et donc on est particulièrement honoré aujourd'hui d'accueillir Charles Rifkin, à qui je vais laisser la parole. Well, first of all, thank you for that. Kind introduction. C'est tellement amusant pour moi d'être de retour ici à Paris, et de retour ici pour la première fois avec Box Office. Et j'adore ce mot. Cher Monsieur boutena cher Monsieur Marcel qui nous recevez aujourd'hui, mes chers collègues et amis représentant le travail de nos membres ici en France, chère Madame Berger et chers membres du Parlement qui sont ici, mon très cher ami Dominique Delport, Mesdames, Messieurs, j'éprouve toujours un plaisir, un plaisir particulier en revenant en France et spécialement à Paris, une ville que j'ai eu le bonheur de visiter de nombreuses fois et où j'ai eu l'honneur de servir mon pays en tant qu'ambassadeur des États-Unis en France pendant presque quatre ans et demi. Je garde beaucoup de souvenirs précieux euh, liés à Paris, ce qui en fait un endroit où je me sens chez moi, tout en étant loin de chez moi. Et je tiens particulièrement à remercier Box Office et le CNC de m'inviter aujourd'hui prendre la parole ici, à Paris, devant vous. So greetings everybody. Uh, it, it's it's amazing, as I said, to be back here in France, and this is a country some of you know my my background that uh, embraces a lot of chapters in my life. As a child, I, I lived in francophone embassies throughout Europe uh, and in Africa when my father served as U.S. ambassador. As a high school student, I came to France to study the language and i even, i had a french uh, father, as i called him, that i lived with as a high school student in rennes, en bretagne, and i remember traveling from rennes de besançon, uh, à travers la france, la france profonde. Uh, and years later, I, I was proud to follow in my father's footsteps uh, and to serve as the u.s. ambassador to, to france, where i made paris my home for uh, more than four years, as i mentioned. so i'm honored and delighted to have the chance to speak with you today for, for so many reasons. Uh, a few minutes ago, I mentioned Aurore Berger, uh, a French member of parliament who I have recently learned uh, happens to be the daughter of Alain Dorval. Now, Alain, as many of you know, is known and loved uh, throughout France as a dubbing artist, and he is best known as the voice of Sylvester Stallone. So, to French ears, he was rocky, right? And the boxer who loves to train by by running all the way to the top of the steps of the Philadelphia Museum of Art. And there's a scene, I don't know if you remember in Rocky 5, when Rocky says and I quote, "You know, I've been running up and down these steps for 20 years and I never knew there was valuable pictures in this building." Well, our two countries, America and France have been running together for more than 200 years as friends. As allies, as partners, in peace and in war, in hard times and in prosperity. And as one very connected industry, we have made a lot of valuable pictures together, both together and apart. Our member studios, many of them represented here, uh, have been partners in Europe's continuing economic growth and cultural traditions over these many years. And we salute the resiliency of the European creative sector, including France, as it has weathered and continues to weather one of the toughest challenges we've ever faced in a generation. Under COVID, and I haven't been here since COVID began, but under COVID, with cinemas sitting dark, with productions closed down, jobs lost, with people who lost their lives. The pandemic left its indelible mark on the world, but also on our industry. And it never stopped our shared purpose, however, our determination to get back to work as soon as, as soon as we could and as safely as we could. And it's a testament to the resiliency and the initiative of European filmmakers and distributors that Europe actually suffered far less of a drop off in most nations around the world in terms of earnings admissions and productions it was critical that governments across across europe responded to the crisis and they did respond to the crisis taking direct and positive measures to mitigate the losses including emergency funding advancing support payments as well as relaxing uh, requirements and deadlines here in france the french cultural recovery plan was launched to the tune of 165 million euros to compensate for losses due to lower attendance and lockdowns. And there were similarly positive initiatives throughout Europe, including in Germany, in Spain, in Italy, and in the UK. We were honored to be part of the coalition of international producers, European cinema owners, and the entire European production sector that appealed to Europe's political leadership. We showed that when we stand together and we speak with one voice, we can all make a positive difference for our industry throughout the entire world. And ultimately, there was recognition that this industry is not only a powerful generator of jobs, including for young people, but also an important source, source of joy, of entertainment, and cultural value. Here in France, especially, cinema will always be le septième art. and in that spirit, let me take a moment to acknowledge the, the recent passing of someone special to france and to me personally in jean-paul belmondo. Uh, his performance in jean-luc godard's abou de souffle, or breathless, is for me one of the most iconic performances on the silver screen. and few were more dedicated to french cinema. I'm happy that he lived long enough to know that even, through the pen, even though the pandemic is, is far from over, unfortunately, we are nonetheless moving slowly but surely from dark and challenging times back into the light. Productions are back in business and have been for some time. Cinemas, too. In fact, just before COVID struck, European cinemas had recorded their best results in 15 years. With admissions reaching the 1 billion mark uh, for the first time since 2004. And here in France, from Paris to Perpignan, from Bayonne to Boulogne sur Mer, you can hear customers in the lobby again talking about the movie they just saw. And once again, you can, you can smell the popcorn, whether you like it salty or sweet. As the Motion Picture Association celebrates and prepares for its 100th anniversary next year, I want to offer my congratulations to Box Office, which just celebrated its centennial. And the reason that I mention these anniversaries is because it's, an oper it's a really good moment in time to remember the core elements that have brought us this far and are, are going to continue, I believe, even if we face an uncertain future. Now, while no one here can predict the future, I can tell you about some studies conducted in recent years. By the National Association of Theater Owners in the United States, and I saw John Fithian and Nato presented in, in the slide, or the movie. These studies found that consumers who go the most often to movies, these same consumers also consume streaming content just as frequently. In other words, consumers that love movies have an appetite for everything. And as another study finds, consumers consider a theatrical opening of a movie. To be the stamp of quality. If a film has been released in theaters, then consumers understand it has the pedigree that it deserves to be on the big screen. The box office success recently for Disney's Shang-Chi is proving that point right now. It enjoyed record opening weekends and has staying power. It has grossed, as of today, more than $390 million worldwide. Uh, and in the United States, it's become the first pandemic-era release to cross the $200 million mark and we've all seen you mention james bond and we, we, we've seen the success of fast and furious 9 uh, there are every day more and more box office successes showing that people are ready to go back to the theaters in america and around the world and, uh, and there are an amazing movies uh, that are lined up from warner brothers and disney and all our member companies that are, have yet to come and i think it's going to bode well for the final quarter of the year because the magic of the movies is as strong as it ever was now you mentioned uh, box office magazine's article from 1957 about my predecessor Eric Johnston who was on screen a second ago and uh, and even then as you, as you pointed out over 60 years ago he was talking about the crises and the setbacks that have endangered uh, that, that have endured and and, have, and yet this industry is always surmounted with vigor and with energy uh, and by the way, i'm thrilled that it's going to be part of, uh, of your book, of, of uh, Julian marcel's excellent book, hollywood années zéro, which you're going to be talking about, i think, soon, uh, because that way the world can ha be able to see this point. you mentioned part of johnston's quote about our challenges ahead, but just to read you some more of it, uh, he said, do we face problems? of course we do. we live in a changing world where only change itself is predictable, he said. but he said, the problems ahead, can scarcely be any more critical than the ones solved in the past and left behind that's the essence of our industry we will face these challenges we will overcome them and we have done so throughout our 100 year history we've solved every setback we've shown that we always come back just like our favorite stories on screen our our industry and by extension the entire creative sector is a lot like, in my mind, the character of uh, Amélie in the US French production released in 2001. Uh, and in that movie, Amélie is the very embodiment of self belief and guileless charm who enriches the lives of everybody that comes into contact with her. This is our industry at its best. And the elements of our future success are deceptively simple, they are the creativity, the economic vibrancy, and yes, the magic that we've always been known for. Ever since the silent era, our industry, our investors, producers, distributors alike have felt great solidarity with one another on both sides of the Atlantic. And our industry has always thrived thanks to the deeply held ties and the strength of our many collaborations. Our comeback story, if, if you will, is really only just beginning. And we find ourselves. In the still challenging process of returning to production with cinemas reopening. Uh, but though, I really believe we can see another hundred years of existence by continuing to incentivize this industry rather than dictating to it. It's a fundamental truth of human nature that we rise to expectations, and the same applies to business. Investors want to invest where there's opportunity, not red tape, and transparency rather than a lack of clarity. And in those environments, they're gonna to continue to support productions of all shapes and sizes, from the artistic to the commercial. We're gonna to continue to fight, by the way, against piracy, working globally through what we call the Alliance for Creativity and Entertainment, or ACE, which is, uh, uh, you know, operates locally through, um, uh, here in France, through ALPA. ALPA, by the way, of course, is led by my good friend, Nicolas Seydoux, who I had the pleasure of seeing yesterday here in Paris. And to prove how complementary these two efforts are, ACE recently managed to shut down some very stubborn and persistent pirate services based in North Africa that have been targeting French markets for years. But ACE shut them down. What an incredible relief it is, uh, uh, you know, to finally make progress in this area, and what a pleasure to be partnering with Maxime Sada and my, our good friends at Canal Plus. Among many others in both ALPA and ACE. Working together in the spirit of Rocky that I mentioned earlier, I feel that we're finally able to go the distance when it comes to battling piracy and even maybe enjoy some strategic knockout blows. Because working together, we are advocating at the European level for improvement to the Digital Services Act that will further strengthen the fight against piracy. I'm meeting with the culture minister later today and that includes asking business infrastructure providers to honor the concept of know your business customer. With that kind of cooperation and with the pirates increasingly on the ropes and with the support of a regulatory and legal environment that protects copyright but remains flexible and adaptable to encourage inward investment, with all of that the creative sector is going to be empowered more than ever to create great entertainment, astonish, delight, and move global audiences, bring extraordinary stories to life, and continue to make Europe, with France at its core, the powerful economic engine and bastion of culture and creativity that the world knows it for. Thank you for listening to me today. Et que longtemps cette merveilleuse amitié entre nos deux pays. Continue. Merci. Thank you so much for your kind words. Merci pour votre présence, qui nous honore tous aujourd'hui. On va rentrer dans le dans le, le vif du sujet. Euh, je ne vais pas vous faire une présentation sur mon livre. Je me suis dit que vous allez, je vous le mettez dans le sac, comme ça vous aurez l'occasion de vous faire une opinion vous-même. Mais je voudrais juste souligner que si j'ai réussi à faire ce travail, c'est grâce aux équipes de Box Office Pro qui ont beaucoup travaillé sur les archives, et c'est 100 ans ce petit film qui est un bon témoignage du travail fait sur les archives. Et c'est aussi grâce au travail formidable de deux jeunes étudiantes, dont une des deux dans la salle ici, Mathis de Rivière et Vassiliki Malouchou. Qui euh, m'ont aidé dans ce travail de documentation et de préparation, et donc qu'elles en, euh, qu en soient remerciées. Ce travail, il a pour but de réfléchir à ce qui vient juste de se passer, donc c'est un peu une gageure d'essayer de, de, de parler de ce qui vient juste de se, pa de se passer. Mais on a essayé d'éclairer ce travail par euh, ce qui s'est passé pendant 100 ans d'histoire du, du cinéma. Et donc euh, vous verrez que le petit clin d'œil au livre ce matin, ça sera quelques pages d'archives comme celles que vous venez de, de voir en introduction du, du discours de, de Charles. Pour commencer, donc, on va passer la, la parole à quelques, à quelques Américains. Euh, on va, on va se, se pencher sur la situation de... Alors, j'ai peut-être peut raté un truc dans mes slides. On va commencer par Eric Marty, qui, qui va nous faire une présentation donc, de ComScore sur le redémarrage comparé aux États-Unis et en France de l'industrie du cinéma. Mais ça mérite bien un petit générique. Bien, bonjour à toutes et tous. Euh, je vais faire donc un rapide panorama de la façon dont les deux territoires, les deux marchés. Ah, très bien, parfait. Ça marche comme voilà. ça la flèche du bas, d'accord. Donc, avec l'aide la de la flèche du bas, je vais vous, vous présenter un, un rapide panorama des deux marchés euh, américains et français dans leur réaction à la crise et surtout dans, leur, euh, dans la façon d'envisager la sortie de crise. Euh, qui espérons-le est pour euh, le plus dur derrière nous et donc euh, on va parler de résistance premier temps et de résilience ce qui est en train de se produire actuellement ces derniers mois. Alors tout d'abord quelque chose que vous avez rarement vu, c'est une image qui est pas très très jolie, pas très esthétique mais qui montre bien l'ampleur de la crise puisque ça c'est au niveau mondial, les cinémas qui étaient fermés puis ouverts progressivement, avec tout d'abord une première chute qui correspond à la, à la fermeture des cinémas en Chine et en Asie, puis une deuxième chute en mars euh, qui est une fermeture quasi totale du parc mondial de, de salles de cinéma, puis à partir de, de, euh, de la fin de, du printemps euh, euh, 2020, une réouverture très progressive en Asie, puis en Europe. Une, vers la fin de, de l'été, l'ouverture en Amérique du Nord et en Amérique latine, qui n'a jamais été complètement fermée, l'Amérique latine, mais c'est assez disparate comme, comme situation. Euh, à l'automne et surtout pendant l'hiver euh, 2020-2021, on voit à nouveau un phénomène de fermeture, euh, notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Océanie. Et puis... Tout au long du printemps 2000, 2021, une réouverture de, euh, progressive en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Et un chiffre pour euh, conclure nous en sommes aujourd'hui euh, au week-end dernier, 97% des cinémas euh, qui étaient ouverts en 2019 ont réouvert et sont actifs et euh, communiquent des données. Donc on peut espérer que nous sommes effectivement dans une vraie sortie de crise. Alors, pour les deux territoires qui nous intéressent. Bon, ça a été écrit un peu petit, mais je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Euh, vous avez à gauche euh, ce qui s'est passé aux États-Unis et à droite ce qui s'est passé en France. En France, vous le savez, ça a été du stop and go, mais on peut dire que tout le monde a fermé ensemble et a réouvert ensemble. A réouvert pratiquement au même niveau l'an dernier en 2020 que ce qu'on avait précédemment en 2019 et début 2020. Et puis l'ouverture a été encore plus massive en 2021. C'est intéressant de le signaler. On a eu dès le début un niveau d'ouverture qui était équivalent à un marché plein. Euh, alors qu'aux États-Unis, l'histoire a été un peu différente. On voit là aussi bien sûr la fermeture du mois de mars. <laughs> puis une réouverture progressive qui a été, j'ai mis les, les petits devant, les grands derrière, parce que ça a d'abord été des indépendants, des petits circuits, des petits cinémas qui ont réouvert progressivement euh, au printemps, au début du printemps 2000, 2020. Faut, je crois que... ah bon. Ça parle D'accord. Et puis ensuite, euh, les circuits. C'est pour ça qu'on voit d'un seul coup une réouverture plus massive au cours de l'été, en fin de l'été euh, 2020. Euh, les circuits ont réouvert phénomène de fermeture pendant l'hiver et puis une ouverture beaucoup plus, plus progressive du marché en 2021 avec les marchés un peu directeurs de New York qui est ouvert le 5 mars et le marché de LA qui est ouvert lui euh, euh, fin mai. Et on voit qu'on retrouve là aussi un niveau quasiment égal euh, aujourd'hui à ce qui était euh, le niveau d'avant-crise. Alors, euh, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé au niveau des box-offices des deux pays. Euh, là, je commence par le, le marché américain. Euh, vous avez en, la courbe grise, c'est le box-office hebdomadaire en 2019. La courbe rouge, c'est euh, le box-office hebdomadaire en 2020. Et en 2021, c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'en 2020, même s'il y a eu pas mal d'ouvertures, le box-office est quand même resté assez atone. Euh, euh, on n'a pas eu de très grand pic, il y a eu un pic. Donc à la fin de l'été, au moment où les circuits ont rouvert, au moment de la sortie de Tennet, et puis ça s'est un petit peu calmé. Et puis on a eu à nouveau un petit réveil à la fin de l'année avec les fêtes et notamment avec un film comme Wonder Woman. Mais 2020 est quand même resté très très plat, alors qu'on voit qu'en 2021, le profil est totalement différent. Le box office reprend des couleurs. Tout d'abord en mars euh, avec Godzilla, puis avec Mortal Kombat. Et il passe pour la première fois la barre des 100 millions de dollars euh, avec A Quiet Place, Place 2. Ensuite, on a F9, Black Widow, Shang-Chi. Et puis, euh, tout récemment, euh, le week-end dernier, Venom, qui est le premier film qui passe les 100 millions de dollars en un peu plus d'un week-end, puisqu'il a fait 90 millions de dollars sur le premier week-end. Et il a fait 100 millions de dollars euh, à mercredi. En France, l'histoire était assez différentes. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que quand même 2021 montre un vrai retour aux affaires, assez net. C'est ça, c'est ce qui est commun avec les États-Unis. Je n'ai pris que la période d'ouverture pour comparer des choses comparables en France, c'est-à-dire à partir du 19 mai jusqu'au jusqu 21 septembre. Donc les chiffres de 2020, naturellement, ben, sont amputés d'un mois, puisqu'on a ouvert les salles seulement le, le 22 juin. Mais vous voyez quand même que le box-office... Alors, en, en entrée, en France, sur les quatre mois concernés, c'est 44 millions d'entrées. Euh, on est beaucoup plus proche des chiffres de 2019 (54 millions) ou 2018 (51 millions) que du chiffre de 2020. Et on voit bien à droite que, en prenant le, 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 les, les entrées hebdomadaires sur le marché français, euh, on a démarré à un niveau comparable quand on a rouvert à 2018. On a été ensuite pendant plus de cinq semaines à un niveau qui était équivalent à, 2015 ou à, de, euh, pardon, à 2018 ou à 2019. 2018, c'est la petite ligne en pointillé grise 2019, la ligne pleine. Et vous voyez que la ligne bleue était vraiment au même niveau euh, à partir du 16 juin. Euh, et puis qu'il y a un gap qui se crée à partir du 21 juillet jusqu'au jusqu'au 18 août. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais on la connaît, on l'a analysée. Je vais vous montrer surtout. Hop voilà euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait le marché a commencé à vraiment se réveiller non pas à la fin des deux périodes de jauge, mais dès la fin de la première période, les mesures les plus restrictives à 35% de jauge et couvre-feu à 21h, quand on est passé à la jauge à 65% et couvre-feu à 23 heures, on a déjà vu le marché se réveiller, ce qui a permis ensuite d'atteindre les records que l'on a connus pour la semaine de la fête du cinéma, pour avoir un démarrage absolument remarquable de The Fast 9 le 14 juillet. Puis ensuite, deux très gros coups de frein absolument euh, indiscutables, avec la mise en place du pass sanitaire euh, le 21 juillet, moins 70% le 21 juillet par rapport au 14 juillet, mais surtout moins, et moins 45% sur la semaine par rapport à la, à, à la semaine précédente. Et puis euh, ensuite, euh, l'extension du pass sanitaire le 11, le 11 août, enfin le 9 août, à nouveau confusion et à nouveau un coup de frein, moins, 20, moins 18% pour la fréquentation. Ce qui est important, on peut se lamenter, on peut surtout s'enthousiasmer pour quelque chose, c'est qu'à chaque fois, on a vu le, le marché repartir extrêmement vite en une semaine à dix jours. Et euh, si tous les films ont été impactés, ça aussi il faut le signaler, tous les films ont été impactés, et le 21 euh, juillet et le, le 11 août, ça l'a démontré, ce qui est important, c'est de voir... Sur la gauche, que la barre épaisse, c'est les 100%, c'était le marché euh, 2015-2019. Donc, comme ça, ça permet d'éviter les effets de saisonnalité et les bonnes années et les mauvaises années. Et en orange, vous voyez la comparaison de la fréquentation 2021 avec le minimum de la fréquentation 2015-2019. Par semaine et en bleu, c'est la fréquentation par rapport à la médiane 2015-2019 et on voit qu'on est effectivement sur un marché qui a toujours surbondir pour retourner à des niveaux équivalents à, à la période pré-crise. Donc je pense qu'il y a là, là une, une, une capacité de rebond une, et, et, et les, les Petite flèche bleue, en quelque sorte, je, vous fais le, euh, je vais vous faire l'économie de la statistique, mais c'est du calcul vectoriel, mais on a cette constante, qui est une sorte de vague, qui veut dire qu'il y a une vague de fréquentation qui revient au cinéma, quoi qu'il arrive, puisque les seuls obstacles étaient des obstacles extérieurs. Alors, résultat des courses, il y a un résultat donc de deux histoires totalement différentes, comme vous l'avez vu, mais qui est assez, qui est assez intéressant. Euh, dans les deux cas, ligne grise, euh, 2019, L'année la, 2019 a été très bonne. On voit le cumul, semaine après semaine, de, du box-office et de la fréquentation. Box-office à gauche pour les États-Unis et fréquentation à droite pour la France. L'année 2020, bon, on sait ce qui s'est passé, pas très bien. On voit qu'en France, malgré tout, la période euh, entre les deux confinements a été plus dynamique qu'aux États-Unis, quand je vous dis que c'était resté assez atone. Et puis l'année 2021, où on démarre plus tard en France, mais on rattrape très vite. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même si on est à moins 20% par rapport à 2020, là on était au 21 septembre en France, donc la fréquentation est à moins 20% par rapport à, à, à 2021, elle est de moins 70% par rapport à 2019. C'est terrible. Mais ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, dans le même temps, elle est à moins 71% par rapport à 2019. Et si on actualise aujourd'hui, une semaine après, on est à moins 69,3% pour la France et moins 70% pour, euh, pour les États-Unis. Donc en fait, on est, les, les deux marchés ont tendance à rattraper à peu près au même rythme pour retrouver un rythme d'après-crise. C'est ce que j'expliquais. On sent vraiment qu'il y a une résurgence, un retour du public massif au cinéma dans ces deux pays, et quoi qu'il arrive, avec des histoires différentes et avec des configurations différentes. Alors, il y a quand même des questions qui se posent depuis euh, ce retour. Et une des questions qui a déjà été rapidement évoquée, c'est la question de la chronologie ou des fenêtres. Alors, juste avant ça, quand même un, petit, un petit peu d'espoir, on fait une projection sur euh, les années à venir. Et on pense que euh, si 2020 a été marqué par une chute de 70% du, euh, du box-office mondial, vous avez le box-office mondial avec euh, en orange la partie internationale et en, en bleu le, le marché nord-américain. On estime qu'en 2021, on devrait venir un peu au-dessus des 50% de ce qu'était le marché mondial en 2019. Qu'en 2022, on atteindra peut-être les 40 milliards, mais on ne reviendra pas encore aux 40 milliards. Et on pense qu'il y a une perspective de reprise sur 2023 et 2024 pour retrouver une, une croissance euh, du marché mondial euh, qui repose, bien sûr, en grande partie sur l'international, qui est devenue une, une composante essentielle du, du, du marché mondial du, du, du cinéma. Ceci dit, nous l'avons précisé, c'est sans, re, sans reprise de la pandémie, bien sûr, ce que nous souhaitons tous, ou en tout cas en sachant vivre avec et avec euh, les mesures, disons, dans, dans l'état où nous arrivons aujourd'hui à vivre avec euh, cette pandémie, et sans remise en cause fondamentale de la fenêtre cinématographique. Et c'est un des grands sujets de discussion actuellement. Alors, je vais faire un petit panorama là aussi, euh, France-États-Unis. Euh, ce n'est pas si clair que ça. Ce que je vous montre là est juste valable, est valable Elle a été fait la semaine dernière, donc c'est valable cette semaine. Ce n'est pas vrai, il y a encore un mois. Ce n'est pas ça, il y a un mois. Et ce sera peut-être autre chose dans un mois. Parce qu'aux États-Unis, c'est contractuel. Et donc, les opérateurs discutent et trouvent un équilibre qui leur va. Euh, il y a un mois, euh, il y a, enfin il y a un mois et demi, Disney était encore sur du day and date. Depuis, ils ont décidé que jusqu'à la fin 2021, le, il y aurait une fenêtre de 15 jours d'exclusivité dans les salles pour les films. Universal avait passé des accords très vite alors avec qui les accords ont été passés. Universal a passé un accord très tôt avec AMC, qui est le principal circuit de, de salles aux états unis avec une, une, une clause de fenêtre dynamique où le film peut aller sur une, une plateforme, en particulier Peacock. Où, au bout de 17 jours, si son premier week-end, son box-office est inférieur à 50 millions de dollars... Et au bout de 31 jours, si le box-office du premier week-end est super, euh, supérieur à 50 millions de dollars. Donc on voit bien en la mise en place d'une fête dynamique. Warner a travaillé avec une fête un peu de ce genre-là, mais ben, cette année, ils ont décidé que 2021, ce serait du day-and-date pour toute leur, euh, toute leur sortie. Et ils viennent de signer des accords avec, d'une part, AMC, premier circuit, et CineWorld, Cine donc c'est Regal, c'est le deuxième circuit américain, pour une fenêtre de 45 jours à partir de 2022 avant de passer les films sur HBO Max. On n'a pas tous les détails de ces accords, c'est le principe de l'accord qui nous a été donné. Il est possible qu'il y ait une partie de dynamique. Et euh, Paramount vient aussi d'annoncer un accord, on ne sait pas exactement avec quel circuit ils ont signé, mais ils ont annoncé qu'ils avaient un accord pour aussi mettre en place une fenêtre de 45 jours. Donc s'il y a, oui, peut-être une convergence vers cette fenêtre de 45 jours, tout, tout n'est pas encore complètement euh, réglé, ça peut être aussi bien une fenêtre de 31 jours, il faudra voir. En France, jusqu'à maintenant, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de scénarios. La plupart ont préservé la fenêtre de quatre mois avec dérogation à trois mois pour s'occuper des, des, des fenêtres suivantes. Je cite celui-ci parce qu'il a été notamment salué par l'Agence spatiale européenne comme une avancée majeure en vue de la, du premier envoi d'une mission habitée sur Mars. <laughs> voilà. Et, et donc, la chronologie va être un vrai, un, un, un vrai sujet. Euh, un des sujets majeurs qu'il y a dans cette chronologie, c'est quand on fait du day and date, et c'est une des choses que nous observons aux États-Unis. Il y a une tendance quand le film est disponible immédiatement euh, en numérique en même temps que dans les salles, le temps numérique est beaucoup plus rapide, et il semblerait qu'il y ait une obsolescence. Extrêmement accéléré pour le film en salle également. C'est-à-dire que l'impact n'est pas nécessairement sur la première semaine ou sur le premier week-end, mais beaucoup plus si on regarde les histoires de Black Widow et qu'on compare avec Shang-Chi, par exemple, euh, mais on l'a fait avec d'autres films, euh, on se rend compte que l'impact porte plus sur la, les, euh, sur la décroissance du film en deuxième et troisième, sur l'érosion du film en deuxième et troisième semaine, qui est plus, plus accentuée et plus accélérée pour un film qui est sorti en numérique en day-end date. Donc c'est peut-être une des réflexions qu'il faudrait mener. Pour cela, il faut pouvoir mesurer l'impact. Là, je vous montre quelque chose. Vous êtes les premiers au monde à le, euh, à le voir. Vous avez des amis américains, des amis français. C'est quelque chose que nous travaillons euh, aux États-Unis et dans le monde, qui est un, une, euh, un outil qui s'appelle Movies Everywhere, dont l'ambition sera de mesurer l'impact de la VOD Premium et du streaming sur le box-office des films dans le monde. Pour cela, on s'appuie sur une combinaison d'outils dont nous disposons, pour, qui mesurent le box-office, les consommations online sur mobile et sur terminaux portables, et l'audience TV afin donc bien sûr d'avoir un service tout à fait innovant qui permettra de voir par fenêtre, par pays, par euh, type de diffusion, l'impact et les remontées de recettes, mais aussi d'audience. Voilà. Et pour finir, nous sommes persuadés que les cinémas sont essentiels. Alors, un grand merci, un grand merci Eric. Merci à Comscore déjà de nous avoir accompagnés dans cette journée. Et puis merci, j'ai envie de dire surtout bravo, parce que venir faire de l'humour sur la chronologie des médias au CNC, c'est quand même. C'est pas mal, il fallait oser, et il l'a fait, c'est bien. Euh, en parlant d'humour, on va rester un petit peu dans, dans cette veine pour accueillir euh, notre prochaine, prochaine invité, qui, euh, qui est en train de sauver le, le, le cinéma français avec James Bond. C'est Xavier Albert qui va nous rejoindre pour parler euh, de l'impact des cinémas, du, de l'édition de, de films américains sur le marché français. Et avec ce petit clin d'œil, je voulais vous montrer que. Là, c'était dans, les... dans les pages de box-office, mais déjà il y, a, il y a très 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 longtemps, il y a 80 ans, on avait déjà peur de l'américanisation. Et donc les, nos, nos amis américains qu'on qu adore détester, mais probablement parce qu'on a peur de vraiment les aimer, vont venir nous, nous expliquer tout ce qu'ils apportent au marché français. Merci Xavier, et merci d'avoir pris le temps dans cette semaine particulièrement chargée pour Daniel Craig et toi. Merci Julien, merci beaucoup. Donc, effectivement, euh, présentation, tu disais, parlais tout à l'heure de présentation au débeautés, Donc, euh, j'arrive un petit peu comme ça, les, les mains dans les poches. Euh, puisque normalement, on a un, en fait, le but était surtout de vous présenter quelques euh, éclairages en fait, sur euh, la contribution du cinéma américain à l'écosystème français. Euh, donc, d'ailleurs, je, je tiens à saluer ici, c'est un travail qui a été réalisé au sein du SFAC. Donc, le SFAC, pour rappel, c'est le syndicat franco-américain de la cinématographie qui existe quand même depuis 1934. Donc Je salue mes, mes éminents confrères, donc Olivier Snanouch, qui est le président du SFAC, qui est là. Euh, mais nous avons également Stéphane Huard et Frédéric Moger, puisque le SFAC est composé, Donc euh, les membres ce sont les filiales des studios américains. Euh, nous avions également Disney 2014, et il est arrivé Très bien. Donc Disney jusqu'en 2014. Et donc voilà, on s'est dit euh, que c'était important de, avec toutes ces discussions, cette période d'après-crise, qui est le moment un petit peu de remettre les, on va dire les pendules à l'heure, comme on dit, euh, de euh, rappeler certains faits euh, concernant donc, euh, ce que peut apporter le cinéma américain en France. Donc merci d'ailleurs à l'équipe Box d'avoir fait une sorte de condensé de ce petit livret. Il y a donc un livret qui a été édité. Que vous allez donc retrouver, voilà qui est distribué. Merci beaucoup, Marion, euh, par, par, euh, par le SFAC. Alors, je vais pas refaire un, un, un cours d'histoire parce que déjà il y en avait dans le petit film qui a été présenté en tout début, euh, mais évidemment, euh, c'est une, une histoire d'amour qui dure déjà depuis euh, un moment, puisqu'elle a démarré dès les années 20 entre le cinéma américain et la France. Et on voit bien qu'il y a eu au fur et à mesure des années beaucoup de, de croisements et d'échanges entre. Euh, euh, ce cinéma donc qui était celui qui a été euh, un des cinémas les plus importants les américains évidemment et le cinéma français jusqu'à euh, la consécration euh, évidemment de, de The artistes euh, en, en Oscar euh, l'Oscar du, du meilleur film alors justement c'est l'un des, des, euh, des, des gros euh, paradoxes si vous voulez de notre marché c'est qu'à la fois il y a comme disait Julien cette défiance on est souvent euh, souvent critiqué pour euh, sur beaucoup de choses. Euh, mais en même temps, euh, et comme vous allez le voir, euh, le cinéma américain est l'un des tout premiers contributeurs euh, à, à l'écosystème français. Euh, C'est ce qu'on a, ce qu a voulu rappeler, et il faut rappeler aussi, et je crois qu'on peut s'en féliciter, que ce modèle qui est absolument unique dans le monde, euh, de, grâce à cette TSA, euh, qu'on euh, est euh, un marché où la part de marché française est très importante, mais cela est dû évidemment aussi à, à cette... Euh, à ce fond euh, qui est alimenté par les films américains. Et ça, voilà, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, euh, comme je disais, ceux américains, ça fait c'est une empreinte durable là, au, au sein du pays euh, de notre exception culturelle. Euh, vous verrez dans la plaquette, là aussi, je ne vais pas refaire euh, tous les, les chiffres, mais euh, euh, l'existence des studios. Alors, vous savez que depuis euh, 2019, voilà, la 20th Century Fox a été rachetée par la Walt Disney Company. Donc euh, aujourd'hui, euh, il n'existe plus que 5 studios euh, en, en France. On revient un petit peu euh, aussi sur euh, le, le box-office, enfin, le top, le top cinq des plus grands films, euh, enfin, des, des plus gros succès de box-office euh, en France. Donc vous aurez euh, tout à loisir de redécouvrir ces chiffres qui, sont, qui restent évidemment impressionnants pour la plupart. Donc ça c'est le cœur du sujet, euh, comme je vous le disais, euh, l'impact euh, sur le secteur cinématographique euh, français. Euh, pour rappel, alors on voit ce qui est intéressant aussi, parce qu'on entend beaucoup aussi euh, que euh, les films américains envahissent ces écrans, mais pour rappel, vous voyez là, ce petit diagramme sur la gauche, euh, qu'en termes de sortie de films américains, en réalité on est euh, assez stable au fur et à mesure des années, en tout cas sur les sur les dix dernières années. Puisque, comme vous voyez, voilà, on est, euh, on est même en, en 2019, on était même en dessous euh, du chiffre de 2010, puisqu'on était à 131 films américains sortis. Alors, sur les 131 films américains sortis, d'ailleurs, la 105 a voilà, été éditée par les, les six majeurs que j'ai cités. Euh, et évidemment, euh, on le sait, euh, ils ont généré la majorité des recettes guichets, puisqu'on parle de 58,5% des recettes guichets. Donc, ça, c'était en 2019, évidemment, qui est euh, l'année référence pour tout le monde. Donc je parlais de cette fameuse exception culturelle, euh, la TSA, euh, les 10,72% qui sont prélevés sur le ticket de cinéma. Euh, ce qui est intéressant, et c'est ce calcul qu'on a, qu a fait évidemment, euh, c'est que depuis, 2000, euh, depuis 2009, euh, le montant voilà, qui a été généré par les entrées euh, réalisées par les, les membres du Sfax s'élève quand même à 580 millions d'euros. Je pense que c'est bien de le rappeler. Euh, nous avons également la taxe sur les ventes de vidéos qui a aussi euh, ramené plusieurs millions d'euros. Et puis, bah, pour rappel, puisque ça s'arrête en fin d'année, euh, le fameux VPF euh, qui a euh, contribué, en tout cas les manques du, du SAC ont contribué à hauteur de 73 millions d'euros à la modernisation des, des salles et on s'en félicite. Alors, pardon. Non, ça plus. Pardon. Euh, les, membres, alors les membres du SFAC, c'est euh, aussi très important, l'engagement le, sur euh, le, le cinéma français. Euh, c'est aussi un chiffre intéressant sur les 20 dernières années. Euh, déjà, il y a eu quand même un investissement sur euh, voilà, presque 100, on y est presque, hein, on, on le sera l'année prochaine, puisqu'il y a des films français, notamment en fin d'année, puisque ces chiffres étaient, ont été travaillés avant l'été. Donc, je pense qu'on l'a dépassé on en réalité. Donc, on a dépassé les, les 100 films français euh, voilà, euh, travaillés ou en tout cas acquis par les, euh, par les membres du SFAC. Et il y a, euh, c'est quand même 200 millions d'euros qui ont été versés en 20 ans, donc euh, voilà à peu près 10 millions d'euros par an, ce qui reste un, un chiffre non négligeable, euh, voilà. Et si vous rajoutez les frais d'édition, donc euh, frais d'édition évidemment, euh, frais marketing en majorité, euh, on est à 78 millions d'euros en plus, donc vous rajoutez 4 millions, donc on est à peu près à 14 millions d'euros euh, euh, par an, voilà, donc ce qui est quand même une, une somme assez intéressante. Autre euh, montant intéressant, euh, les investissements justement au marketing, euh, ou en tout cas frais d'édition, ce n'est pas que marketing, pardon, parce qu'il y a aussi évidemment tout ce qui est frais de, de doublage, donc tout ce qui est dans les studios de doublage, de la, les laboratoires. 800 millions d'euros ont été investis euh, depuis voilà, maintenant une dizaine d'années euh, en France. Euh, donc là aussi, ça participe à faire vivre évidemment tout un écosystème que vous connaissez, euh, voilà, les agences, les médias français, les médias locaux, euh, mais également toute une batterie. Euh, de prestataires de notre, de notre industrie. Alors, évidemment, donc je ne pas aussi étayé les quatre points, vous les verrez aussi dans, dans le livret, mais l'idée était de vous dire qu'on euh, est là pour bâtir l'avenir ensemble, euh, de rappeler qu'on est là, euh, voilà, qu'il n'y a pas que des plateformes. Euh, on est là pour accompagner les salles, évidemment. Et accompagner les salles, ça veut dire, évidemment, privilégier la sortie salle euh, avec nos films. Nous l'avons déjà fait, nous le ferons encore. Euh, renforcer notre soutien grâce au CNC donc là je pense que c'est intéressant aussi on, enfin, on pense que c'est intéressant d'ouvrir certains débats et notamment euh, vous savez qu'aujourd'hui quand on acquiert un film français euh, les filiales de studios ont accès aux fonds de distribution donc ce qui est bien parce que c'est un moyen pour nous de convaincre les studios de minimiser le risque parce qu'à chaque fois il y a un risque financier qui est pris évidemment en amont euh, ce qu'on aimerait c'est peut-être discuter ça a été déjà discuté euh, notamment avec des producteurs français euh, discuter peut-être à ouvrir aux, aux, aux studios américains euh, le soutien de production, le soutien automatique, puisque ça permettrait encore plus de euh, rajouter un incentive euh, supplémentaire euh, pour attirer encore plus les Américains vers, vers les films français. Lutter contre le piratage audiovisuel, euh, on, on en a beaucoup parlé déjà ce matin. Charles Rifkin en a parlé. C'est évidemment un des axes absolument très importants avec lequel le SFAC, on est totalement mobilisé là-dessus, évidemment au sein de la, de la FNEF, puisque le SFAC. Et, euh, cotise euh, pour la FNEF et donc on est vraiment euh, là aussi euh, tout à fait aux côtés de la FNEF et de la FNCF de l'ensemble de la filière euh, pour lutter contre le piratage audiovisuel qui est on, pour nous évidemment euh, sans aucun doute euh, le, le, le mal absolu si on peut dire euh, et innover dans le secteur c'est aussi juste pour rappeler qu'on est évidemment là aussi pour euh, que ce soit euh, pour accompagner les salles dans la premiumisation, je crois qu'on va en parler, ce sera l'un des discussions au panel, dans la premiumisation, mais aussi dans tout ce qui est des outils technologiques, de marketing, dans tout ce qui est de nouvelles technologies de marketing, on en parle beaucoup, évidemment, autour de la data. On est là, à, à, aux côtés des salles, pour vraiment faire progresser la filière autant que possible. Voilà, c'était juste un petit, un petit point rapide, je vous invite à lire le, le petit livret qui, j'espère, vous intéressera. Merci beaucoup. Un grand grand merci euh, Xavier pour cette, cette présentation et un grand merci au Sfac euh, qui euh, nous a beaucoup accompagné dans la préparation de dans la préparation de cet événement depuis le depuis le début. Donc euh, on va maintenant euh, passer à la première euh, table ronde euh, qui sera qui va être animée par Adrien Chabal donc qui est directeur général adjoint de Webédia, en charge des activités de régie d'allociné et de tout le social donc les jeunes y connaissent, il connaît peut-être qu'il est encore relativement jeune et, et le sujet des, des jeunes au cinéma, c'est un sujet... Il euh... ne faut pas se tromper de bouton, c'est ça le truc en fait. Voilà. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai suis... oublié de m'auto-lancer. J'ai complètement oublié d'auto-lancer la partie où je parlais de mon livre. Donc non, non, je vais juste quand même introduire euh, en une seconde le déroulé de, de ce qui va suivre, qu'on a essayé de faire de manière un peu raccord hein, par rapport à la réflexion de, de, de ce livre « Hollywood à des que vous lirez... Euh et que vous trouverez, j'espère, très bientôt en ligne, si Amazon nous ouvre ses portes. Euh, le, le raisonnement, c'est sur chacun, chacune des thématiques, c'est d'aller trouver des coups de projecteur historiques qui éclairent comment euh, 100 ans d'histoire du cinéma ont préparé ce, euh, ce qui arrive aujourd'hui, qu'on décrit euh, comme un tremblement de terre, et qui a toutes les caractéristiques d'un séisme, c'est-à-dire d'être à la fois complètement imprévisible, et en même temps d'être le résultat de forces profondes à l'œuvre depuis, euh, depuis très longtemps. Donc euh, voilà l'ambition du travail de, de ce livre. Et, on, et comme euh, l'objectif de ce livre, c'est avant tout d'ouvrir la discussion et non pas de prétendre la résumer, euh, il m'a semblé que la forme de l'événement qui aurait le plus de sens, c'est euh, de vous écouter tous et de, et de, et de débattre et d'échanger plutôt que de prétendre avoir, euh, avoir trouvé des, toutes les réponses. Donc c'est un support à la discussion et non pas un résumé de la discussion. Et c'est un peu ce qu'on va essayer d'illustrer pendant toute cette matinée dans nos échanges, en commençant par un, un sujet sur les jeunes et, et, et le cinéma. Donc, cette table ronde, je vais appeler Adrien Chabal à me rejoindre sur scène. Et comme vous le voyez, c'est un sujet qui est relativement vieux, puisque en 1945, déjà, j'aime bien cette couverture à droite de box-office de 1945, euh, il se, les, nos amis américains se demandaient s'il serait judicieux d'utiliser le système scolaire pour développer euh, l'amour de la cinématographie. Euh, Peut-être que c'est un des domaines dans lesquels euh, le, le, la France a, a plus avancé, euh, mais ce sera un des nombreux sujets que Adrien Chabal et son panel vont discuter maintenant pendant 40 minutes. Merci. Bonjour à tous. Je vais inviter les participants au panel à me rejoindre sur scène. Alors, je suis vraiment ravi d'animer cette première table ronde de la journée. Une journée qui est marquée par euh, la polyvalence, puisqu'on y parle de cinéma euh, en live stream digital, également IRL au CNC, le tout à l'occasion de la sortie d'un livre. Donc, euh, voilà, on retrouve une forme d'agilité et d'ubiquité euh, propre aux populations des jeunes. Euh, Allez-y, installez-vous, je pense qu'on est très bien. Peut-être prenez des micros. Alors, pour cette table ronde consacrée au public jeune, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un casting impressionnant et représentatif des métiers du cinéma et également du divertissement au sens large. Donc, euh, il y a Béatrice Tourvieille, qui est directrice générale adjointe marketing et digital des cinémas Pathégomont Marie-Christine Desandré qui est directrice. Du groupement Cinéo et vice-présidente de la FNCF. On a également la chance d'avoir Richard Patry, qui est entre autres président de la FNCF, Christophe Courtois, qui est directeur de la distribution de SND, et également Mathieu Rampant, qui est team leader chez TikTok France. Merci à tous d'avoir accepté de participer à ce panel. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vous partage deux réflexions. La première, elle est chiffrée, c'est que les jeunes se rendent moins souvent dans les salles de cinéma puisque euh, sur l'année 2019 chez les 20-24 ans, c'est seulement 4,9 entrées sur l'ensemble de l'année. Là où pour les plus de 60 ans, c'est 6,4 entrées sur toute l'année. Et l'autre réflexion, elle est un peu plus subjective. Les propositions de films semblent moins délibérément cibler le jeune public. C'est ce qu'on peut constater dans les rassemblements professionnels, comme le congrès récemment à Deauville. Alors, ma première question, elle est liée au contexte du pass sanitaire, qui semble avoir impacté plus les populations jeunes que d'autres publics de cinéma. Population jeune qui était moins encline à être vaccinée à l'époque de l'application du pass sanitaire cet été. Alors, est-ce que selon vous, depuis la réouverture, le jeune public a retrouvé le chemin des salles On voit que d'un côté, des films comme Back North trouvent un écho sur le public jeune, mais qu'à l'inverse, des films comme Fast 9 ont peut-être été un peu coupés dans leur élan, notamment à cause de l'absence de public jeune dans les salles. Peut-être une question pour Richard pour commencer euh, Bonjour à tous il euh, y, y a plein de questions dans votre question. Euh, et puis surtout, euh, il faut, euh, faut essayer de cerner le problème. Euh, la pandémie a tout changé. Hein euh, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reconquête, de réouverture. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on, on y arrive. On, est, euh, on, on, on se bat, hein. les, 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 les 6 000 salles de France se battent au quotidien pour accueillir du public, avec effectivement des obstacles. Donc la, la difficulté pour, pour nous et dans ce débat, c'est de se dire, bah oui, effectivement, les chiffres de 2019 montraient un tassement sur euh, euh, le public jeune. La réouverture montre un peu autre chose, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, même si euh, on, on, on voit que là, nos amis de Comscore nous, nous, nous les monitorent en permanence, on voit qu'en fait, la, les, les, les segments de, 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 de reconquête du public sont sur le papier à peu près les mêmes. Et je passerai la parole très vite à Marie-Christine. Sur le terrain, on se rend compte, par exemple, que les jeunes ont été un moteur évident de la réouverture. C'est-à-dire qu'on sent bien que les jeunes étaient ceux qui voulaient très vite retrouver une vie normale. Donc, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper et qu'il n'y a, a pas de problème sur, sur le public. Hein. Mais en tous les cas, euh, nous, on a senti, hors statistique, hein, là, je vous parle juste de ressenti, et, et je pense que c'est pareil, hein, chez, chez Gaumont-Paté, vous pourrez peut-être en parler, on a senti un vrai, vrai retour des jeunes, en tout du moins une, une population qui voulait revenir au, au, au cinéma. Bon, donc ça c'est la première chose. Après effectivement dans ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nous sentons aujourd'hui que euh, il y a des choses qui bougent, il y a des mouvements, des mouvements de fond qui sont en train de se réaliser, qu'on est encore un petit peu euh, en difficulté d'analyser. Alors oui, vous le disiez, vous avez raison, le pass sanitaire a, été, a eu des effets, je ne vais pas dire dévastateurs, mais des effets très, très, très importants. Euh, et on le voit bien. Enfin, merci. Là, là le, les, les trois schémas que tu as montrés, Eric, sont, euh, sont évidents. La mise en place du pass sanitaire et, sincèrement, hein, la mise en place du pass sanitaire pour les moins de 12 ans, enfin, pour les plus de 12 ans, les 10-18 là, a, je pense freiner un tout petit peu le, le, le démarrage du James Bond. Hein. Il faut, faut, faut être clair, même si les chiffres sont, sont totalement satisfaisants, il est certain que la mise en place de la troisième vague de passe sanitaire pour nous euh, les moins de les, les 18-12 ans a, a refreiné quelque chose. Euh, et c'est pour ça. Alors il y a, il y a, il y a eu un, vous savez il y a eu un comité de, de, de défense là qui, euh, qui euh, sanitaire qui parlait de ce passe sanitaire. Bien évidemment nous nous sommes intervenus. Euh, auparavant, euh, pour dire que nous étions demandeurs d'un assouplissement du pass sanitaire, hein. nous sommes demandeurs les salles de cinéma d'un assouplissement du pass sanitaire. La bonne nouvelle, c'est que il euh, n'y a pas d'assouplissement avant le 15 novembre. C'est pas ça la bonne nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les salles de cinéma ont été, case, ont été mises dans les activités non à risque. Enfin, été comptées dans les activités qui n'étaient pas à risque. Et ça, c'est un, un vrai, une vraie victoire. Ça n'a l'air de rien, mais pour le, le, le futur qui nous arrive c'est une vraie victoire d'être considéré comme activité non à risque. Bref, dont il y a eu cet impact du, du, du pass sanitaire. Alors, est-ce que les jeunes ont plus ou moins été affectés Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que le pass sanitaire, aujourd'hui, bah, de toute façon, on est obligé de le conserver. On va le conserver. Les salles de cinéma sont exemplaires, et là je tiens à saluer vraiment la totalité des collaborateurs, des 15 000 collaborateurs qui bossent dans les cinémas en France, parce que je peux vous dire que ça a été une contrainte supplémentaire, mais que c'est plutôt fluide, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop allongé les files d'attente, on n'en fait, en fait pas une contrainte, une barrière à l'entrée. Il y a beaucoup de discussions, c est, c est, il faut le faire, mais nous le faisons rigoureusement euh, par rapport à d'autres secteurs qui le font certainement un petit peu moins. Moi je peux vous dire, je reviens de Barcelone, on a jamais Demander mon passe sanitaire, hein, c'est-à-dire euh, pour partir ou pour revenir, on s'en fout, euh, donc voilà, euh, euh, on, on ne on vous demande pas votre passe sanitaire. Donc, oui, il euh, y a une problématique jeune et les jeunes, c'est l'avenir. Enfin, tout le monde va. Donc, je vais m'arrêter là pour passer, pour pas monopoliser la parole, mais je pense que le cœur du débat, et vous avez totalement raison de passer euh, là-dessus, le cœur du débat, vous l'avez fixé, c'est-à-dire comment faire revenir les jeunes, et en particulier, plus que les jeunes, les jeunes qui n'y vont pas forcément. Et là, on a quelques outils euh, dans, dans, dans notre besace. Hein. On a l'éducation à l'image, mais on a aussi euh, le passe culture, qui peut être quelque chose de, de très, très, très important, un levier très important, et on y travaille énormément. Euh, et puis, comment on, on fait aussi... Au-delà au de refaire venir les jeunes dans les salles de cinéma, comment on les ouvre à la diversité Comment on recrée une forme de cinéphilie Puisque actuellement, disons-le, la cinéphilie, ils la font plus chez nous. Ils la font, alors, les jeunes qui sont... Et il y a encore beaucoup de jeunes cinéphiles, mais ils ne la font plus chez nous. Et donc, nous devons, nous, récupérer ce rôle d'être formateur et surtout ne pas laisser tomber une génération, puisqu'on sait que quand on ne va pas au cinéma quand on est jeune, on n'y va pas le reste de sa vie et que c'est pour nous un enjeu majeur. Et je peux vous dire qu'à la fédération, nous en faisons un enjeu majeur des, 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 des prochains mois. Euh, c'est toutes les actions que nous allons mener et nous allons en proposer énormément pour faire revenir le public jeune au cinéma. Christophe, peut-être une réaction Oui, moi je, je trouve que c'est un débat intéressant. Mais je trouve que pour avoir une analyse intéressante et assez fine, assez nuancée de ce sujet, il faut se projeter dans le temps long. Évidemment, Richard a parlé de cette crise qu'on traverse, mais ce qui est plus intéressant, c'est de procéder dans le temps long. On est dans une maison qui fait, vous le savez, des rapports extraordinaires sur la fréquentation. Et quand on regarde ce temps long, on a une analyse plus fine, en fait. Qu'est-ce qu'on voit On voit que les jeunes, déjà, c'est un espèce de mot fourre-tout, mais il faut qu'on s'attache à préciser de qui on parle. On voit qu'en 20 ans, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on touche plus ou moins de jeunes et est-ce qu'ils y vont plus ou moins souvent Est-ce qu'on touche plus ou moins de jeunes On voit que les, les moins de 10 ans ne vont pas moins au cinéma aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ce n'est pas vrai. Ils y vont pas moins et non seulement on, on touche 90% des moins de 10 ans aujourd'hui qui vont au moins une fois au cinéma dans l'année et en plus, ils y vont quatre fois là où ils allaient que trois fois il y a 20 ans. Donc on voit qu'il y a des typologies de jeunes, entre guillemets, notamment sur les enfants, qui vont plus au cinéma aujourd'hui. Est-ce que les 11-14 ans vont moins au cinéma aujourd'hui Ce n'est pas vrai non plus. On est passé de 90% en gros, des jeunes qui étaient touchés à autour de 87% 20 ans plus tard. Ça veut dire qu'on les touche toujours. Et le, le cinéma reste un loisir fort chez les jeunes. Par contre, ils y vont un tout petit peu moins. Ils y allaient cinq fois, ils y vont quatre fois. Euh, C'est pareil sur les 15-19 ans. Et en gros, la seule tranche vraiment sur laquelle il y a un dévissement, elle est très circonscrite aux 20-24 ans. Pareil, ils étaient 90% allés au cinéma, ils sont plutôt 80% aujourd'hui. Mais par contre, ils allaient 8 fois par an au cinéma, ils y vont plus que 5 fois aujourd'hui. Le, le, et la conséquence que ça a, c'est que, évidemment, euh, ça, ça joue beaucoup en termes d'entrée. Euh, en gros, on fait deux fois plus d'entrées aujourd'hui qu'à 20 ans sur les moins de 10 ans. En revanche, on est passé de 28 millions d'entrées sur les 20-24 ans à 14 millions 20 ans plus tard. Donc il y a une petite tranche, mais c'est pour ça que quand on dit les jeunes, il faut savoir de quoi on parle. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être biaisé par le fait que la société vieillit. C'est de la démographie, et que ça, il y a un moment donné où il y a 40% des Français qui ont plus de 50 ans, et donc naturellement on les retrouve dans les salles de cinéma. On les retrouve de plus en plus. Et, et naturellement, il y a 92 millions, en 2019, il y a 92 millions des entrées qui étaient faites par des plus de 50 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant avec des cheveux gris dans les salles de cinéma que pour autant les jeunes y vont moins, ils, enfin, qui sont moins, moins euh, touchés par le cinéma, etc. C'est juste qu'il y a une récurrence où ils y retournent moins souvent. C'était des très, très gros consommateurs, c'est devenu des consommateurs normaux. Et donc les questions qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on fait pour non pas toucher plus de monde, parce qu'en fait on voit qu'on touche beaucoup, beaucoup de jeunes et que, et que tous ces gros événements les, les attirent mais c'est de voir comment on arrive à les faire revenir plus souvent et, 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 à, et à leur parler mieux et, à, et à adapter comme tu le disais on en parlera euh, des contenus qui leur sont plus destinés quoi. mais en tout cas je trouve que le point important de départ c'est de se dire euh, attention il euh, y a de plus en plus de, de seniors au cinéma c'est une très bonne chose et ça porte la fréquentation il n'y a pas foncièrement beaucoup beaucoup moins de jeunes euh, au cinéma euh, c'est plus c'est essentiellement ciblé sur des catégories de jeunes adultes euh, sur lequel euh, on s'en doute il y a aussi plein de nouvelles sollicitations, comme l'a dit euh, Richard. C'est vrai qu'à ce stade, on, on, on distingue les, les films famille. En fait, les, les enfants sont accompagnés, enfin les moins de 11 ans sont accompagnés par leurs parents, de la génération Z qui est plutôt les 15-24 ans. Et comme tu l'as très bien dit, effectivement, c'est les 20-24 ans qui dévissent un peu en termes de, 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 de fréquence euh, à l'année sur, sur les salles de cinéma. On peut peut-être passer à une deuxième question, justement, sur, plutôt sur les loisirs concurrentiels, puisqu'on voit que cette nouvelle génération, donc la fameuse génération Z, elle consacre une part croissante de son temps à d'autres Occupation, donc, euh, le jeu vidéo, on en parle souvent, euh, Internet en général et en particulier les plateformes sociales vidéo, et que tout ça, en fait, elle, elle se focalise beaucoup sur des contenus qui sont parfois plus courts, qui sont plus interactifs. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'illustre l'étude américaine de Watt, Digital Media Trends de 2021. Regarder des films où la télé arrive en cinquième position des top activités pour les jeunes. Donc là, cette fois vraiment les, les, les 15-24 ans. Donc loin derrière le jeu vidéo et euh, écouter de la musique, par exemple. On voit d'ailleurs que dans cette perspective, en fait, le streaming de contenu film et séries et le cinéma en salle font un petit peu front commun euh, face aux autres loisirs. Euh, Est-ce que c'est le contenu film qui est coupable de non-interactivité? Est-ce qu'on a un contenu qui est moins adapté aux préoccupations, aux centres d'intérêt, aux habitudes des jeunes générations aujourd'hui? Voilà, c'est une question assez large que je peux poser à, à chacun d'entre vous, mais peut-être à Béatrice qui poussait son micro. <laughs> Euh, non, d'abord, moi, je voulais. Euh, enfin, je rejoins en fait deux constats, constats très optimistes. Celui que tu partageais en disant qu'effectivement, les taux de pénétration finalement sur les cibles jeunes, et c'est vrai qu'il faut les distinguer, restent bons. Donc il y a un sujet de fréquence, mais qui est assez circonscrit et, et qu'il faut travailler. Et aussi le constat très positif de la réouverture, euh, parce que c'est vrai que ce, cette cible-là, qui était quand même un point d'inquiétude, a été très clairement au rendez-vous de la réouverture. Euh, et, euh, et nous on a fait quelques études clients du coup sur vraiment la perception de la situation sanitaire et finalement c'est les jeunes euh, qui expriment euh, qu'ils ont été le plus bridés en fait euh, dans leur vie culturelle et dans leur vie de, de loisirs pendant cette période et on sent vraiment cette envie de cette envie de revenir euh, au cinéma qui est très très forte. Euh, donc après, c'est une façon de leur parler, c'est d'être présent sur les bons carrefours d'audience euh, et d'avoir les bons messages. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour travailler ce, ce sujet de fréquence. Et, euh, et je voulais du coup répondre sur ta question sur la partie vraiment interactivité, c'est que. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a énormément d'interactivité autour de nos contenus. Et, euh, et c'est vrai qu'on le voit sur toutes les plateformes. Le niveau d'engagement qu'on a sur les réseaux euh, autour des contenus euh, films et des contenus cinéma est extrêmement fort. Euh, c'est juste que euh, c'est sur des temps qui sont différents. Il y a le temps de visionnage et le temps d'interaction. Mais on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement engageant. Euh, donc pour moi, il y a une vraie interactivité à exploiter. Il faut trouver les bons moments, les bons carrefours d'audience et les bons formats de communication pour l'exploiter. Marie-Christine, réaction. Oui, euh, on m'entend, oui, bonjour. Euh, je, alors j'entends ce que dit Béatrice. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui, il faut s'interroger sur les, sur les moyens de communiquer et d'attirer et les jeunes dans les salles. Et, euh, mais tout n'est pas là. Euh, il faut aussi s'interroger sur, sur ce que leur, nous, nous leur donnons à regarder, en fait. Euh, cette. cette, cette je dirais cette diminution, en tout cas cet, cet affaiblissement de, de la présence des jeunes en salle euh, durant les dernières années, elle est probab probablement liée au fait que nous n'avons pas su non plus peut-être leur donner l'envie. De, de, de venir vers nous. Euh, voilà, aujourd'hui, on sait très clairement que, que ces tranches d'âge viennent spontanément voir les films américains. C'est très bien et tant mieux. Euh, après, ils sont quand même beaucoup plus réticents, et n'ayons pas peur de le dire, ils sont beaucoup plus réticents sur toute une partie de films français ou de production nationale ou européenne. Euh, on, on, on constate, oui, comme le disait Christophe, que, le, que, le, que la, la fréquentation par les seniors ou par les plus de 50 ans c'est accru ces dernières années mais regardons aussi ce qu'on propose il y a beaucoup beaucoup de films aujourd'hui et de plus en plus de films qui parlent des seniors qui parlent de la retraite qui parlent voilà. Donc ça c'est une réalité. Je pense que tant qu'on ne donnera pas euh, à voir aux jeunes des films qui parlent un peu plus d'eux qui les mettent un peu plus au centre de l'action ce que font les séries d'ailleurs. Pourquoi les jeunes aujourd'hui pourquoi cette appétence pour les séries? Euh, ou cet appétit carrément pour les séries, c'est que euh, que ce soit les séries qui, a, qui, qui, qui ont 20 ans, comme, comme qu'on connaît depuis longtemps, des séries comme, comme Friends ou qui ont 30 ans, Glee, que ce soit euh, Gossip Girl et plus récemment, euh, tout ce qu'on peut voir euh, euh, sur les plateformes, en fait, nous parlent des jeunes, mettent les jeunes au centre de l'action. Et je pense qu'on a peut-être perdu. Euh, ce regard-là durant les dernières années. Voilà. Euh, comment s'adresser aux jeunes Comment leur parler Comment communiquer Mais surtout, qu'est-ce qu'on leur donne à voir dans nos, dans nos cinémas ça, ça, ça me paraît capital. Mais, je pense que Marie-Christine, elle met le doigt sur, pour moi, le, le, la problématique numéro un c'est qu'est-ce qu'on propose dans nos salles de cinéma. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit que les jeunes, ils vont au cinéma voir des films américains. Et ils n'y vont pas moins, c'est pareil, ils n'y vont pas moins qu'il y a 20 ans. Par contre, qu'est-ce qui a disparu Moi, je... Il suffit de regarder qu'est-ce qu'on proposait aux jeunes il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait Taxi, Yamakazi, Les Rivières Pourpres, euh, La Beuse, euh, donc des films qui étaient orientés clairement sur les, sur les jeunes. Aujourd'hui, euh, les, les films qu'on propose aujourd'hui, c'est euh, Joyeuse retraite, euh, de Gaulle, Maigret, maison de retraite bientôt, etc. Donc, clairement, il y a un, un infléchissement qui fait que, de manière très claire, les producteurs français, les distributeurs français ont choisi volontairement, ce n'est pas un hasard, ont choisi de s'adresser à cette cible de seniors. Pourquoi ils sont très opportunistes. On est évidemment très opportunistes pour deux raisons. D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, il y a 92 millions d'entrées de seniors. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont du temps, ils ont de l'argent euh, et, et ils vont au cinéma. Donc évidemment que c'est très intéressant pour nous. Et puis il y a une deuxième raison, c'est une raison de concurrence. Si aujourd'hui, parce que les conseillers sont vraiment les payeurs, si aujourd'hui on vous dit sortez un film pour les jeunes, ça veut dire que le jour où il va falloir que vous choisissiez une date de sortie, en face de vous, vous aurez un Batman, vous aurez un Marvel, vous aurez un Star Wars, vous aurez une nouvelle série. Casatel Papey ou Squid Game, etc. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec des concurrents qui sont des concurrents qui déversent des milliards dans la production de contenu pour les jeunes. Donc quand c'est l'argent des autres, c'est toujours facile à dire, mais quand c'est son argent, on se dit que c'est peut-être plus simple de faire des films pour les seniors qui sont très nombreux et sur un marché qui est assez peu euh, attaqué, on va dire, par des acteurs américains, que sur un marché où on voit bien qu'il y a une grande concurrence. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les incitations qui font que les distributeurs serait à même de prendre ce risque d'aller sortir des films qui se retrouveront en concurrence euh, avec, euh, avec des gros films américains. Ce n'est pas un combat perdu, la preuve c'est que sur le créneau des films pour enfants, les français, les éditeurs français le font, ils le font avec du euh, Mia et le Lion Blanc, euh, euh, Poli, euh, Belle et Sébastien, euh, du film d'animation, Astérix et la potion magique par exemple. Ça, y a, y a, rien n'est inéluctable et les français sont capables, quelles que soient les cibles et les, les segments, de faire des films qui plaisent. Et d'ailleurs, les rares qui essayent et qui le font, on pense par exemple au film de Philippe Lachaud, euh, marche très bien sur les jeunes. Donc c'est pas du tout euh, un combat perdu d'avance, mais il y a un moment donné, on ne peut pas reprocher aux éditeurs de choisir de faire des films de pour les seniors alors que c'est aujourd'hui le public numéro un des salles de cinéma c'est une ça paraît quand même euh, euh, évident et c'est le distributeur qui fait Joueuse en traite et Maigret qui vous le dit voilà merci beaucoup bah, peut-être qu'à ce stade de la conversation on, on peut aussi faire la distinction entre euh, l'envie d'éduquer euh, ces jeunes peut-être euh, en tant que parents pour certains vous avez euh, cette envie là et euh, le besoin peut-être d'aller à leur rencontre de savoir exactement euh, comment ils fonctionnent aujourd'hui qu'est-ce que eux ont envie de consommer comme contenu quels sont leurs centres d'intérêt euh, donc peut-être euh, on peut donner la parole à Mathieu qui est notre représentant de la génération mobile <laughs> qui connaît bien euh, TikTok et toutes les vertus de ces, ces applications bonjour à tous je me rends compte finalement que les réseaux sociaux euh ne sont pas forcément le, 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 les méchants ici et justement, enfin, TikTok a été une vraie alternative au divertissement pendant 2020 et pendant le confinement. Et c'est là justement où on a réussi à attirer une audience, enfin, évidemment jeune, mais et surtout diverse. Et, et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que les deux fonctionnent très bien ensemble. On a 80% de notre audience qui se déclare fan de films et de cinéma, 62% qui ont s'entouré au cinéma au moins une fois en 2019. Donc, c'est vraiment, je dirais, un nouveau terrain d'expression et de créativité qu'on va offrir euh, à nos utilisateurs et potentiellement aux marques et aux différents studios. Je pense que ça se traduit aussi dans les chiffres et je pense surtout à Allociné. Allociné, c'est un peu plus de 200 000 followers sur Instagram, c'est x4 sur TikTok. Donc, c'est finalement une nouvelle opportunité d'aller euh, engager cette audience dans, un, euh, dans une expérience complètement immersive parce que TikTok est une plateforme son on par défaut. Donc, euh, et je viens du cinéma, donc je sais que le. le, le le, le, le son et le contenu vidéo, c'est évidemment euh, très important. Donc, quelque part, il faut embrasser ces nouveaux canaux et, euh, et euh, utiliser les codes de la plateforme pour aller engager cette génération et les emmener dans les salles de cinéma. Il y a aussi un public plus âgé sur TikTok, d'ailleurs. Il y a des influenceurs, <laughs> des fait. personnalités stars qui ont plus de 70 ans et qui font un carton ah sur oui, tout à fait donc... Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc, est, on est vraiment sur... Euh, cette étude Kantar euh, montre que le, le plus de 65% de l'audience TikTok a plus de 25 ans. Donc, on est, on est sur un Cœur d'audience Gen Z, mais aussi une audience vraiment diverse. On a annoncé le, le milliard d'utilisateurs par mois dans le monde. Donc évidemment, toutes les cibles sont sur TikTok. Et une fois encore, TikTok est une plateforme de contenu. Donc ce n'est pas un réseau social. Donc l'audience, enfin, on va montrer à l'audience ce qu'elle veut voir et ce qu'elle aime. Donc le cinéma, l'avantage c'est que le contenu, vous l'avez. Donc ensuite, est-ce qu'il faut l'adapter effectivement en fonction des codes TikTok je pense que oui, puisque c'est ce qui fonctionne et c'est ce que les jeunes veulent voir aujourd'hui. Donc, une fois encore, moi, je vois ça comme une vraie opportunité d'aller engager cette cible et de lui montrer vos contenus pour l'emmener dans les salles de cinéma. Alors TikTok c'est euh, une application qu'on consomme beaucoup à travers son mobile. Aujourd'hui le mobile c'est 95% de pénétration chez les jeunes, euh, c'est un taux d'équipement qui est très très large euh, et une utilisation qui est omniprésente dans notre quotidien. Euh, et à contrario, je pense que ce qu'on aime tous bien dans la salle de cinéma c'est le fait d'être déconnecté, d'avoir cette interdiction d'utiliser les téléphones. Donc est-ce qu'il n'y a pas là quelque part une forme de déconnexion de, de ce qui fait un petit peu le quotidien de tout le monde quoi finalement Est-ce qu'il y a une possible connexion, interactivité dans la salle de cinéma aujourd'hui ou est-ce que justement c'est le, le, le côté expérience préservée qu'on qu apprécie autant dans une salle de cinéma Merci. Moi, enfin, en tant qu'exploitante, je ne peux que, 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 que croire en, en, la, en, la, en la force de la salle de cinéma telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que la salle de cinéma, c'est l'immersion, c'est euh, un grand écran, c'est du gros son, c'est du noir, c'est un lieu de communion. La salle de cinéma, tout le monde regarde dans le même sens, des images, suit une histoire. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à essayer de modifier ça. Euh, L'instant, le moment cinéma, autant il faut travailler à tout ce qui est tout ce qui est tour et la manière d'amener les gens et les jeunes, mais après l'instant, le moment cinéma, l'expérience cinéma, il faut la préserver telle qu'elle est parce que c'est ce que viennent chercher les gens et les jeunes aussi. Ils sont très disciplinés finalement quand on les voit dans nos cinémas, dans nos salles. Voilà, tout à fait. Moi, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette préservation, ce sanctuaire de la salle, et le TikTok, il est pour montrer le fait qu'on est au cinéma et qu'on a cette chance et que, et d'ailleurs pour dire à sa communauté. Je, pendant deux heures je suis pas là, donc euh, paniquez pas. Euh, euh, pendant deux heures je suis pas là, je suis dans une salle de cinéma. Donc il euh, donc, y, y a cette volonté euh, là. Alors moi je pense qu'on on, on doit se rencontrer, on doit travailler ensemble parce que je vous avoue, euh, euh, on, on, pour, en préparant ce débat, on, 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 on a beaucoup parlé, on se disait mais, mais TikTok, c'est vrai que c'est euh, très clairement la chose qui monte, euh, qui monte actuellement, c'est le réseau qui monte. Alors, autant on voit bien comment nos amis distributeurs peuvent euh, valoriser leur, leur contenu et, et, et faire en sorte de, de mettre en avant les films sur TikTok. J'avoue que nous, aujourd'hui, on se pose un peu la question, nous, les salles de cinéma, de comment utiliser ce nouveau média pour communiquer. C'est-à-dire que, moi, je, je ne suis pas TikToker, mais je regarde beaucoup TikTok quand même. Alors, je vois que McDonald's, euh, tous les jours, oui, met une exemple. vidéo pour montrer la fabrication des hamburgers. Euh, bon, ça, moi, ça me re rebute encore plus d'aller chez McDonald's, mais ça, c'est un autre problème. Euh, Néanmoins, en moins, est-ce que nous, les salles de cinéma, on, a on aurait intérêt à créer ce type de, de contenu euh, euh, backstage, euh, voir comment ça se passe ou des choses comme ça Est-ce que vous pensez, vous, euh, qu'il y a, y a des choses à faire En tous les cas, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire sur TikTok pour les salles de cinéma, mais je vous avoue qu'actuellement, personnellement, je ne sais pas si Marie-Christine était dans le même cas, mais euh, on, on a un peu de mal à, à apprivoiser ce média parce qu'on pense que euh, mettre les horaires, c'est pas du tout euh, l'endroit où... Euh, où ça marcherait quoi, voilà. Donc, euh, mais on, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Effectivement, et l'exemple le, 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 McDo est finalement un bon exemple puisque sur d'autres plateformes concurrentes, euh, ils travaillent énormément sur la marque McDonald, alors que sur TikTok, ils travaillent sur la marque employeur. Ils vont mettre en avant les employés et ce qui fait finalement le, 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 la force de McDo aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus puissants sur TikTok parce que ils vont vraiment créer un lien avec nos utilisateurs, et c'est ce lien qui va, euh, qui va générer de l'engagement, générer potentiellement des achats. Donc oui, je, je, je suis persuadé que tous les secteurs ont leur, place, ont leur place sur TikTok. Il faut une communication qui soit plus humaine et plus proche de l'audience. Et c'est ce lien-là. Qui va, une fois encore, engager. Donc, euh, moi, je, je, je me dis, je ne sais pas comment fonctionne le, le, le projecteur d'une salle de cinéma. Pourquoi pas montrer comment ça marche Je ne sais pas, il y a plein de choses à imaginer qui vont euh, justement rapprocher les jeunes de la salle du cinéma et euh, de ce qui fait sa force aujourd'hui. Et pour les horaires, il y a le ciné qui fonctionne très bien, Richard. Euh... <laughs> Merci. Ah, ah bon? Okay. <laughs> enfin non, la plupart du temps. Euh, Peut-être Béatrice avait une réaction parce que euh, les initiatives sur les partenariats, sur les centres d'intérêt des jeunes, c'est quelque chose que vous venez de nouer avec euh, la plateforme de streaming de brut, euh, si je ne m'abuse. Donc euh, on retrouve un peu une forme de, de partenariat avec cette jeune génération. Oui tout à fait. Alors en fait au, au moment de la réouverture, la cible jeune, ça a vraiment été fin, comme pour nous tous, hein, je pense, un, un sujet euh, assez euh, clé dans notre réflexion. Euh, D'une part, parce qu'on avait un peu d'incertitude sur la retour de ce, euh, le retour de ce public euh, avec euh, toutes les nouvelles habitudes de consommation qui s'étaient inscrites, et puis aussi parce que c'était une cible qui a quand même été très euh, pénalisée par la crise, et donc on ne savait pas finalement dans quel euh, état d'esprit elle, elle allait revenir. Euh, en fait, on a travaillé effectivement sur deux axes les axes. Vraiment carrefour d'audience et donc nous sommes sur TikTok depuis depuis pas longtemps mais mais on commence et on, on voit un très bon niveau d'engagement donc on est on est très content de ce début de travail sur TikTok et effectivement on a aussi travaillé sur un axe de partenariat. Euh, ça nous semblait important en fait de s'associer à des marques euh, qui euh, ont une vraie légitimité et une vraie puissance autour de cette cible là euh, l'idée c'est toujours la même hein, c'est d'aller au-devant de cette cible euh, et euh, de lui donner à voir en fait, du contenu sur les endroits où elle est présente. Alors évidemment, il faut avoir du contenu qui soit adapté et ça, ça rejoint le, le, la discussion sur les films et, et qui, est, euh, qui est incontournable. Euh, voilà, mais on a voulu s'associer à des marques qui soient fortes sur cette cible-là et pour le coup, euh, Brut s'est imposé comme un partenaire assez évident euh, du fait de sa puissance de communication sur les réseaux sociaux euh, et puis euh, du fait de, de l'angle double en fait, qui, qui rejoint aussi euh, un peu notre problématique, c'est-à-dire à la fois un angle offre et donc on a un partenariat avec eux autour de nos offres d'abonnement sur la cible jeune et aussi sous un angle plus éditorial puisque ils ont un vrai point de vue aujourd'hui qui défendent sur ce qu'ils mettent en avant et on a souhaité associer un événement éditorial à ce point de vue. Voilà donc on avait les deux axes offre éditoriale et et un média qui est très très légitime sur la cible. Christophe, peut-être pour compléter oui, ouais, moi je, je, je vais être un peu espiègle, mais je pense qu'on pourra faire tout ce qu'on veut sur TikTok, si c'est pour proposer aux jeunes d'aller voir euh, De Gaulle. Euh, de toute façon, on n'aura pas beaucoup plus de jeunes dans les salles. On peut leur montrer les projecteurs, etc. Ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'il euh, y a quand même un sujet de fond qui est quelle est l'offre qu'on pr qu propose. Et on a vu, cette crise nous a appris que s'il y avait quelque chose qui était clé, c'était les contenus. Les contenus, c'est les éditeurs qui les décident. Pourquoi Parce qu'on est les commanditaires des films. Des projets pour les jeunes, des films pour les jeunes, il y en a plein. On les produit d'ailleurs, mais on les produit pour les chaînes de télévision pour des plateformes, pour d'autres pour d'autres usages donc la question qu'il faut se poser à la base c'est comment on incite les commanditaires, donc les éditeurs, c'est pas une question de production, on sait les produire on sait très bien le faire, à, à proposer des films français, la réalité c'est que les jeunes vont voir 5 films américains par an si on veut qu'ils y aient 8 fois pour probablement leur proposer 3 films français de plus ça, pour moi c'est le, le premier point c'est ça, et pour ça, comme le disait euh, Richard, il y a des instruments de politique culturelle, le pass sanitaire par exemple, euh, qui, le, le passe culturel, Autre le passe pass culture, pass culture. Ouais, pass voilà. <laughs> pass culture, par exemple, qui peut être un instrument de politique culturelle, qui flèche la fréquentation vers des films euh, agréés. il euh, y a donc, euh, ça peut être très utile. il y a, euh, des, et puis on peut imaginer des systèmes de bonification de fonds de soutien, de, choses, de plein de choses qui pourraient amortir le risque pour les producteurs, les éditeurs de films français, qui fait qu'ils seraient moins flippés de se retrouver en face d'un Batman ou d'un Shang-Chi. Voilà. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on leur parle. C'est ce qui a été dit de manière intéressante. Comment on parle aux jeunes. Les éditeurs savent très bien le faire. Nous, on est tombé dedans dans la marmite avec Twilight, par exemple, il y a longtemps maintenant. Euh, C'est un peu difficile à apprendre, mais après, on sait le faire. Et demandez à tous nos confrères euh, éditeurs de films américains. Vous inquiétez pas, ils savent très 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 bien parler aux jeunes. On n'a pas de problème d'expertise. On sait faire. Alors, on voit bien aujourd'hui, le CNC se dit, euh, euh, ça serait bien que les salles de cinéma nous fassent des notes d'intention pour ce qu'ils vont faire pour faire venir les jeunes en salle. Mais les experts dans cette profession, ils existent déjà et on travaille très bien, non seulement chez les éditeurs, mais aussi avec des partenaires que sont Webedia, que sont. TikTok. Que sont les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas de problème d'expertise. Et, et on voit que dans l'exploitation, il y a des leaders du marché, je, je, je le dis sans flagornerie, euh, Béatrice est à côté, qui tire le marché et qui fait que les grands circuits français savent très bien parler aux jeunes aussi, savent très bien parler à, leur, à leurs consommateurs parce qu'ils exploitent de la data, etc. Et donc le sujet aujourd'hui euh, qui me paraît important, c'est si on veut toucher les jeunes, etc. Il faut qu'on arrive à travailler avec les exploitants, non pas pour demander aux exploitants de faire eux-mêmes, parce que de toute façon, ce qui fera venir les jeunes, c'est les contenus. Mais pour faire en sorte que les exploitants et les éditeurs travaillent ensemble, notamment avec la data des exploitants, etc., pour s'adresser plus efficacement aux jeunes et pour faire en sorte qu'on arrive à les attirer dans les salles. Donc on a un combat commun, éditeurs et exploitants, pour faire venir les jeunes en salle, mais je pense qu'il ne pourra pas. S'extraire de cette problématique de contenu. On a beau faire tous les films qu'on veut, ils sont magnifiques de dire revenez en salle avec des beaux projecteurs et des beaux fauteuils, ça fait revenir personne. Ce qui fait revenir les gens, c'est de leur dire voilà le prochain film de Philippe Lachaud, euh, voilà euh, Aline, euh, voilà le nouveau Marvel et le nouveau James Bond. Donc il faut qu'on travaille intelligemment pour qu'avec la data euh, des exploitants et avec l'expertise des distributeurs, on arrive à parler aux jeunes. Mais pour moi, le, le, le cœur de la problématique, c'est une problématique de data. Aujourd'hui, on est obligé de s'adresser à des partenaires tiers pour savoir les gens qui sont probablement allés au cinéma alors qu'on a un parcours consommateur extraordinaire des salles de cinéma qui savent qui sont leurs clients. Euh, euh, nous, on doit regarder sur Allociné euh, qui sont les gens qui sont allés regarder les pages des séances. Voilà, euh, c'est quand même euh, pas très moderne. Euh, et donc, je pense qu'il y a des progrès à faire dans la façon dont on travaille ensemble pour arriver euh, à séduire les gens. Et puis, il y a une, une problématique de politique culturelle qui est si on veut plus de films français, il faut trouver quels sont les leviers pour inciter les éditeurs à faire plus de films français. Euh, Richard, une réaction, peut-être. Non, mais je, je partage complètement euh, ton, ton 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 opinion. Hein. Euh, sauf que il faut aussi. Euh faire très attention sur la spécificité du, du marché français, hein, qui est une spécificité sur laquelle effectivement on a euh, des leaders euh, qui font un, un boulot remarquable, mais on a aussi euh, des indépendants qui font un autre type de travail qui est lui aussi est remarquable, mais qui, ne, euh, qui est beaucoup plus compliqué à amalgamer d'une certaine façon, puisque la, la problématique de l'indépendance, c'est de garder cette indépendance. Mais on voit euh, que nous avons euh, euh, effectivement des leaders sur le marché qui font un, un, un boulot euh, phénoménal. Mais aussi une, un grand, grand nombre d'exploitants qui, eux, vont sur le territoire chercher les choses. Ce qui complique peut-être un petit peu la tâche par rapport à d'autres grands marchés qui sont dominés l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, qui sont là dominés par des leaders bien plus présents sur le marché. N'oublions pas que les trois grands circuits en France, c'est là en gros bonhomme, la moitié des entrées. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est fait par, par des gens qui le font individuellement, au plus près, et qui, effectivement, ont ont cette notion d'indépendance qui est euh, quelquefois alors sur cette problématique de circulation des data et tout ça complique un peu les choses. Hein. Ça, je, je, euh, je, sais, euh, on, je sais que aux États-Unis il y a un grand acteur qui vend des billets. En France, on est totalement opposé à ça. Chaque exploitant veut garder le contrôle de la commercialisation de ses billets. Et comme on sait que la data passe souvent par la commercialisation, c'est un des freins euh, qui, nous, qui nous empêche euh, euh, d'avoir cette gigantesque base de données euh, euh, mon, euh, française sur euh, voilà. Sur ce moi je pense qu'il faut être plus intuitif et que euh, tout ne passe pas non plus par la data je pense que euh, de ce point de vue oui 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 on pourra analyser toute la data euh, je, je veux pas je veux pas euh, nier le fait que c'est probablement important mais on pourra analyser toute la data qu'on voudra à l'arrivée ce qui se passe c'est que c'est toujours le spectateur qui fait le choix de venir en salle ou pas et euh, c'est le spectateur qui a le dernier mot euh, et ça on peut le regarder dans tous les sens et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure euh, c'est l'offre qui euh, véritablement euh, est capitale alors euh, la qualité des salles aussi quand même il faut peut-être pas trop la trop la euh, trop la mettre en, en arrière on a fait beaucoup beaucoup de beaucoup d'efforts ces dernières années dans l'exploitation pour avoir un parc à niveau et je pense que ça participe aussi à la, à la, au dynamisme et, et au retour et au plaisir des jeunes à venir en salle on le voit bien hein, ils sont Heureux, ils passent du temps dans nos halls, ils viennent voir des films et ils passent du temps dans les halls, ils, ils se donnent rendez-vous. On sent bien que les, les cinémas deviennent aussi des lieux euh, de partage, de rencontre, en tout cas, voilà. Euh, mais une fois de plus, euh, euh, c'est pas c'est pas c'est pas fliquer c'est pas mais toujours tout suivre et, et, et ausculter en permanence euh, le comportement de nos spectateurs euh, au travers des datas et, et des différents outils c'est une chose probablement indispensable mais revenons-en à l'essentiel l'essentiel c'est ce qu'on va leur proposer parce qu'à à, l'arrivée on peut aussi régulièrement s'entendre dire ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, euh, conflictuel ou dans un mauvais état d'esprit ce que je vais dire on s'entend dire les films restent pas suffisamment à l'affiche on a des difficultés euh, certains films ne peuvent pas exister tout ça mais en fait la réalité et, et nous on la constate sur le terrain c'est que une fois de plus le spectateur a le dernier mot et le spectateur parfois peut faire tout ce qu'on veut que ce soit des jeunes moins jeunes mais les jeunes plus particulièrement parce qu'en fait ils sont, ils sont exigeants ces jeunes ils ont plein de points de comparaison ils sont, ils sont très avisés finalement aujourd'hui et euh, donc et les jeunes on peut faire tout ce qu'on veut euh, si ce qu'on leur propose ne leur convient pas, s'ils n'ont pas envie de voir ça, ils ne viendront pas, quoi qu'on fasse. C'est une réalité, ça force l'humilité. Il faut savoir regarder ça. Nous, en tant qu'exploitants, comme vous, en tant qu'éditeurs et tous les intervenants du, du métier, euh, il faut savoir être humble par rapport à ce, à ce public de jeunes qui, aujourd'hui, doit gérer son temps social parce qu'ils ont plein, plein de choses qui leur sont proposées, qui, euh, qui en même temps, a, a des contraintes budgétaires. Et qui, donc, il va aller vraiment à ce qui lui donnera le plus envie. Mais je, je, je rejoins tout à fait ça. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Les jeunes continuent à adorer leur, les sorties au cinéma. C'est un moment social, euh, collectif, euh, qu'ils ne remplacent pas par autre chose. Et on a le parc de salles en France euh, extraordinaire que le monde entier nous envie. Donc ça, il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. Et, et on peut se dire d'ailleurs que euh, d'un point de vue économique, les salles de cinéma, l'exploitation a investi des centaines de millions au cours de ces 20 dernières années pour euh, euh, faire en sorte que ces salles soient à, à ce niveau euh, qui est vraiment extraordinaire. Mais euh, on n'enlèvera pas euh, l'idée que dans ce monde d'aujourd'hui, où euh, 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 ce qui compte, c'est de connaître nos clients, euh, on, on, on voit bien qu'on lutte contre des gens qui sont des chaînes de télévision, qui ont 20 millions d'abonnés sur leur, sur, euh, leur replay. Il euh, faut, faut avoir en tête ces, ces chiffres-là. Des plateformes aujourd'hui qui se les, tout ce qui peut leur permettre d'être plus efficace pour attirer des spectateurs. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, on vous explique que Netflix a des centaines de petites vignettes différentes selon les films qui vous aident pour essayer de vous, de vous faire cliquer un tout petit peu plus et tout ça. On ne peut pas rester, nous, dans quelque chose d'un peu archaïque qui serait de dire euh, on leur propose des films et puis euh, c'est eux qui choisissent. De mon point de vue, il faut aussi qu'on s'adapte à ce nouveau monde qui est euh, il faut trouver comment utiliser justement cette technologie euh, pour, euh, pour arriver. À, à, à toucher les jeunes et avoir la même information que nos concurrents qui sont en fait euh, d'autres formes de loisirs, euh, des plateformes, des chaînes de télévision, etc. Et j'en je, viens à ce que disait Richard, qui pour moi est un point très important. Il ne s'agit pas de revenir sur le fait d'opposer de, d'ailleurs des gros et des petits ou de revenir sur l'indépendance. La réflexion pour moi, c'est comment on travaille sur des modèles ou, ou des, des propositions de, de mutualisation. Par exemple, comment les acteurs indépendants du marché, je pense à Webedia ou à plein de gens comme Score, etc., peuvent accompagner les indépendants à travailler sur cette connaissance de la data, à l'exploiter, etc. On se doute bien qu'un cinéma, on en connaît beaucoup, on, on va dans les tournées provinces. On en rencontre tous les jours des exploitants qui, qui c'est compliqué à gérer un cinéma. Je ne parle pas à votre place, c'est très compliqué. C'est difficile d'acquérir cette expertise. Euh, personne, aucun cinéma indépendant n'a les moyens d'embaucher quelqu'un dont le seul boulot va être de gérer de la data, etc. Donc la question, c'est comment on travaille sur des outils mutualisés. Comment on pourrait faire en sorte que des, des partenaires de l'exploitation puissent aider chaque exploitant indépendant à gérer sa data euh, et, 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 à, et à la gérer mieux. La réalité, en fait, faut, faut se dire les choses honnêtement. La réalité, c'est qu'il a plein d'exploitants aujourd'hui qui n'utilisent pas du tout de cette data. Euh, pas du tout là-dessus, tu as totalement raison et on a, on a forcément euh, euh, à progresser. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'a qu dit Marie-Christine et qui est capitale, parce que, de toute façon, on fait que de le dire, hein, euh, les deux piliers chez nous, c'est euh, les films et les salles. Le modèle français repose sur les films et les salles. Euh, tu, toi-même et, et Marie-Christine, ou tout le monde parlait de la qualité du parc euh, de salles, attention, c'est pas fini. C'est bien là aussi, nous, un, un, un des, une des graves angoisses de nos, de nos euh, des exploitants actuellement. Hein. La problématique, c'est de sortir de la crise avec une trésorerie très impact avec un endettement très fort, avec une, une volonté majeure de continuer à investir, de continuer à développer. Euh, je ne sais pas qui, qui, qui tout à l'heure parlait de, de, de ce mouvement vers le premium. Euh, il est évident aujourd'hui que tout le monde doit aller euh, vers encore plus d'amélioration de la qualité des salles de cinéma. Il faut que l'expérience en salle soit de plus en plus, en plus, en plus euh, une expérience exceptionnelle. Ça veut dire que oui, nous venons d'investir des milliards dans les salles de cinéma pour que le parc français soit le plus beau parc du monde. C'est une réalité que personne ne nous conteste, mais il va falloir que l'on continue dans, dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on continue forcément pas à développer les salles, il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup plus de salles, mais que les salles que nous avons actuellement, vers les hisser les hisse vers le haut, parce qu'on le sait très bien que de toute façon, il y a aussi un enjeu de, de prix, et que si nous voulons tirer les prix vers le haut, il faut que nous tirions la qualité de, de nos établissements vers le haut. Donc c'est vrai que les enjeux aussi pour les salles de cinéma euh, en termes d'investissement dans les prochaines années. C'est ça et c'est ce qui fait énormément peur actuellement à nos collègues. C'est qu'on sort euh, très affaibli euh, même si le gouvernement nous a aidé à sortir et qu'aucune salle ne ferme en France. Euh, nous sortons assez affaibli au niveau bancaire, au niveau trésorerie avec de l'endettement et c'est vrai qu'il est absolument nécessaire que nous continuions à investir dans nos établissements euh, pour que nous continuions à monter euh, le niveau de la même façon que les distributeurs et et les éditeurs de films, euh, ben, vous travaillez, vous, pour amener des, des contenus de, de plus grande qualité encore. Et on le voit, hein, le cinéma français, grâce à vous, grâce à votre euh, travail, est en pleine forme en, en, au niveau qualité. Hein. Si on regarde, euh, alors là, c'est ce que fait Julien dans son livre, mais si on regarde la qualité des films aujourd'hui versus la qualité euh, des films il y a 10 ans ou il y a 15 ans, enfin, l'année où on a deux, deux palmes d'or, enfin, euh, pas deux, une palme d'or et un lion d'or euh, féminine avec des films euh, du d'une très grande force les uns et les autres. Ça, c'est aussi votre travail d'être capable de, de, de favoriser l'émergence de ça. Donc, je, vraiment, les films et les salles resteront, je pense, le pilier majeur de cette exception culturelle française. Alors, on arrive bientôt à l'issue de cette table ronde. Pour terminer, peut-être une dernière question, puisque les jeunes générations 3 à 11 ans seront la génération des 15-24 de demain. Est-ce que des initiatives probablement liées au milieu scolaire sur l'éducation à l'image et au cinéma vous paraissent aujourd'hui aller dans le bon sens Est-ce que vous voyez d'autres innovations à apporter autour de ça je vous le disais en, en introduction, euh, nous, notre, ça va être le credo, un des credos forts euh, des salles de cinéma dans, dans, dans les prochaines années. Il faut, et en cette année électorale, on pense en plus qu'il y a vraiment euh, une volonté d'essayer de convaincre les candidats, et on espère le futur président, euh, sur... On va dire des enjeux majeurs. La piraterie, on en parlait bien sûr. Hein. On, 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 on vient de perdre encore une nouvelle bataille sur la piraterie. On n'a euh, voilà, jamais été aussi proche. Je ne sais pas si Aurore est encore là, mais merci de nous avoir euh, euh, défendus. On, on a été. Euh, presque on avait presque gagné et puis euh, et puis malheureusement on n'a pas on n'a pas réussi mais euh, on va continuer hein on va continuer et parce que de toute façon on sait tous que si on arrive à obtenir quelque chose sur la lutte contre la piraterie on l'obtiendra en début de mandat euh, donc il faut que les politiques s'emparent de ça mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui euh, euh, effectivement les jeunes aujourd'hui l'éducation euh, aux images euh, là aussi il y a une slide que, qui était pro proposée euh, dans les box office sur euh, le, 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 les, les, les les, les anniversaires d'éducation à l'image. Dans les années 80, on a inventé des dispositifs à l'image qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. 2 hein. millions de, de jeunes hein, vont quand même au cinéma dans le cadre de ces euh, dispositifs encadrés. Il faut que nous, aujourd'hui, on soit encore plus intelligents, on soit encore plus novateurs, qu'on réinvente ces dispositifs sur ce qui existe, parce que ce qui existe fonctionne bien. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'on crée un énorme partenariat avec l'éducation nationale. Ça n'a l'air de rien, mais euh, aujourd'hui, dans les années 80, les enseignants étaient accompagnés. Ils avaient, ils avaient des heures de détachement pour aller en formation en cinéma. Tout ça n'existe plus aujourd'hui parce que l'éducation nationale l'a supprimé. Il faut qu'on agrandisse le spectre, que peut-être on aille au cinéma un peu plus tôt, euh, avec maternelle au cinéma, mais il n'y a pas de dispositif dans les universités. C'est incroyable euh, qu'aujourd'hui on encadre euh, l'éducation à l'image jusqu'à la terminale et puis après c'est fini. Bah, il faut qu'on aille aussi vers les, les universités et donc ça va être pour nous un énorme chantier euh, le, 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 comment on réinvente et comment on booste les éducation à l'image, puisque encore une fois, c'est aussi l'éducation à la diversité du cinéma. Un mot de la fin peut-être, ou en réaction à ce qui vient d'être dit un mot de la ouais. fin, en tout cas, pour reprendre ce que dit Richard. On a des signes très encourageants et qui, justement, méritent d'être soutenus. C'est que là, sur les inscriptions des de dispositifs scolaires, euh, écoles, collèges et lycées qui, qui reprennent pour cette saison, on a vraiment un, une sorte d'engouement, hein, je crois. Je en dis. On a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui amènent les enfants au cinéma. Donc, ça veut dire qu'il y, qu y, qu y, qu y a des choses à faire, en fait. Ça veut dire que l'envie est là et qu'il faut savoir l'accompagner. Euh, que ce public, ce public de jeunes aujourd'hui, ben, on le dit, c'est impensif mais... Et notre public de demain, incontestablement. Donc, il faut les accompagner euh, et, euh, et soutenir, évidemment, toute la démarche des enseignants qui, qui est parfois très lourde. Il faut organiser les sorties, prendre des bus. Il y a des... En fait, il y a des obstacles. C'est presque un parcours d'obstacles parfois. Euh, voilà. Insister sur le fait que le pass sanitaire, le pass sanitaire, excusez-moi, le, le pass culture, excusez-moi, euh, euh, fonctionne bien. On a vraiment eu euh, euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'inscriptions. On en a encore et ce serait peut-être une, une bonne chose que. L'élargir, d'aller peut-être au-delà des 18 ans, pourquoi pas, ou en dessous ou au au-dessus. Euh, voilà, et de finir, et puis, et puis parler aussi de, de ce, de ce, ce challenge-là qui, qui, qui est donné aux salles sur, sur la jeune cinéphilie par le, par le CNC. Euh, on a aussi, nous, en tant qu'exploitants, des choses à inventer, à proposer à notre public jeune pour, en étant accompagné par le CNC pour essayer de, de, de booster tout, tout ça et de, et de confirmer ce qu'on sent actuellement, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on sent puis toujours, mais qui s'est confirmé là durant l'été, c'est que les, les, jeunes, les jeunes aiment la salle de cinéma et aiment le cinéma, clairement. La jeune public, public jeune. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là, malheureusement, sauf si vous avez des questions. Non, je crois qu'il n'y aura pas de questions. Ah, monsieur Marcel, d'ailleurs. Il n'y aura pas de questions, on n'aura pas le temps. Par contre, il y a un grand merci. Mais comme on est dans une séance très, très interactive, on, on me signale dans l'oreillette qu'il euh, y a un exploitant qui nous regarde depuis la, la province. A pas pu être avec nous, mais qui nous a dit Moi aussi, je fais du TikTok. Et Let's Let's... Bah oui, oui, kick it ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with the brand new adventure. Something grabs a hold of me tightly, fold like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop, yo? I don't know. Bon, vraiment ça, ça peut jeune... En tout cas, c'est comme, comme ça que la French Tech du cinéma célébrait à Ciné-Europe cette semaine. Euh, donc euh, le programme maintenant, une pause. Vous allez pouvoir re-remplir vos, euh, vos gourdes ice de café et, et d'eau. Euh, si euh, alors Charles Rifkin m'a prié de l'excuser ce qu'il a été appelé auprès de la ministre qu'il est allé euh, retrouver. Et donc, euh, il, a dû, euh, il a dû nous quitter. Je vous demande juste euh, si vous nous avez confirmé, ceux d'entre vous qui nous avaient confirmé qu'il restait déjeuner avec nous, si jamais, quand il n'y a pas Charles, ça ne vous intéresse plus, vous venez me le dire. Euh, je le prendrai pas mal du tout ou vous inventez une autre excuse, mais en tout cas, on le sait. Et si vous n'aviez pas forcément prévu de déjeuner avec nous, mais que vous avez un peu de temps libre, dites-le nous et dans la mesure des possibilités, on verra comment on peut s'organiser et on reprend. Dans un quart d'heure, 20 minutes, pour continuer ces discussions passionnantes. Merci à tous. Et merci à ceux qui sont en ligne. Vous pouvez aussi aller prendre un café, ceux qui sont devant YouTube. On se retrouve dans un quart d'heure. Et faites attention parce que parfois on entend dans les micros ce qui se passe pendant les pauses. Donc euh, je vous invite à la prudence. On va regarder une, une petite vidéo d'introduction. Alors, ne bougez pas trop les sièges parce que comme la table... Non, c'est parfait. Comme la table ronde d'après, on sera un peu plus nombreux. On va regarder une petite vidéo de, de présentation de Ice Theaters qui va nous mettre dans l'ambiance. Et après, je vous présenterai nos panélistes. Donc, Ice. quand même de... Ah, je suis en train de partir à l'envers, on refait la présentation dans l'autre sens. La réactivité des équipes de ICE qui ont déjà rajouté l'Espagne signée il y a trois jours et déjà intégrée dans, dans la présentation. Donc, comme vous le voyez, comme vous le découvrirez dans les pages du livre, l'idée que l'innovation soit au cœur de l'ADN du cinéma depuis un siècle, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui, qui nous a fait grandir depuis un siècle. Et je crois que ce dont on va parler maintenant avec Jean-Marie Dura euh, va être... Au cœur du sujet, donc on va parler de, de ces formats premium et du rôle du premium. Donc, une discussion avec Aurélie Aillon, qui est donc responsable marketing chez Dolby. Euh, Guillaume Tomine, de, Tomine Desmasures, qui est responsable des ventes de Ice Vous le reconnaissez sans doute. Euh, il y a eu plus de demandes de dédicaces grâce à sa danse TikTok que moi grâce à mon livre. Euh, Pierre Chican, donc, qui est architecte et qui nous présentera un format très innovant, qui est le, le projet OMA. Frédéric Mauger, qui est le directeur général de Paramount Pictures France, et Jean-Marie Dura, qu'on ne présente plus, euh, ancien euh, figure, lui aussi presque tutélaire euh, du GC pendant de nombreuses années, il a inventé beaucoup de choses, et il est euh, désormais consultant et il, il a beaucoup aidé, notamment cette euh, noble maison du CNC, à réfléchir à l'avenir de la salle du cinéma, ce qui fait de lui quelqu'un de très qualifié pour animer cette discussion. Merci Jean-Marie, de, de floor is yours" comme on dit américain. Et je ferai le timekeeper. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous Oui. Euh, merci beaucoup, Julien. Bon, bonjour à tous dans la salle et, et chez vous qui nous écoutez euh, chez vous. Euh, le, le thème donc de l'atelier, la, de nous, d'abord, c'est un atelier. Vous avez vu, ce n'est pas une table ronde, c'est un peu différent. Euh, c'est le rôle du premium dans, dans l'avenir la, dans du, du cinéma. Euh, je, vais, je vais déjà euh, commencer par vous dire deux choses. D'abord, vous prévenir que j'ai un conflit d'intérêts. Ça arrive aussi ici, puisque j'ai la chance de travailler avec Pierre et Nicolas Chican sur le projet Omar. Voilà, J'accompagne depuis quelques temps Pierre et Nicolas sur le développement du projet Omar. Donc, je tiens à vous le dire tout, tout, tout de suite. Et, et la deuxième chose, je vous renvoie sur une excellente émission du 13 juillet dernier de Box Office sur euh, sur la sur la premiumisation des salles de cinéma autour de Daniel Lauria qui l'animait il y a eu d'ailleurs Guillaume était Guillaume était déjà là et euh, il y a eu un, un, un excellent euh, une, une excellente émission de, 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 de box office sur euh, qui présentait les grands chiffres de la de la premiumisation et je voudrais introduire en, en, en prenant ce en vous donnant trois trois quatre chiffres en… En cinq ans, euh, le parc de salles mondial est passé à une vache près ou à une salle près de 170 000 en, euh, salles dans le monde à de l'ordre de 250 000, ce qui est une, déjà une très belle progression. Le salle de parc premium, lui, on, on verra après la définition et qu'est-ce qu'on met dedans, il est passé en gros de euh, un peu plus de 2000 à 6 400 euh, salles premium dans le monde. Donc on est on est dans une tendance globale où de. Plus en plus, un plus grand nombre de salles ouvrent dans le monde entier et, et les, le nombre de salles premium euh, accentue encore cette tendance. Euh, donc, il y, y a forcément euh, un rôle important de la, du, du premium dans l'avenir de la salle de cinéma. Et, et puisque euh, dans le cinéma, on, on l'a dit, euh, le contenu euh, est roi. J'aurais d'abord me tourner vers, euh, vers, vers Frédéric pour, pour lui demander si, euh, euh, lorsque un distributeur et, et notamment un distributeur américain lance un film, est-ce qu'il y a une réflexion particulière en ce moment ou depuis plusieurs années ou pas ou comment Quel est le, quel est le rôle du premium pour justement pour le lancement d'un film en France et à l'étranger Est-ce qu'il y a des différences entre la France où on sait que le cinéma est une religion et, et les autres pays du monde où le cinéma est plus une distraction euh, Est-ce qu'un est qu distributeur pense premium pour les films à grand spectacle et, et donc surtout les films américains Bonjour à toutes et tous, euh, je suis ravi d'être ici. Alors, euh, évidemment, je crois que peut-être la, la première chose, c'est de définir ce qu'est le premium ou, ou ne pas le définir parce que je pense que c'est une définition très très large. Et je crois que euh, Richard l'a un peu évoqué d'ailleurs on est vraiment sur une notion d'expérience, c'est-à-dire que pour nous, euh, je crois que le, le premium est ce qui permet de différencier au maximum l'expérience cinéma de l'expérience euh, enfin, des autres expériences de, de, de consommation euh, de contenu et ce, ce évoqué et, et avec une notion évidemment de prix et dans les notions de prix c'est vrai qu'on présente souvent le premium comme un supplément de prix je suis pas sûr que ça soit la, la meilleure façon de le dire pour moi c'est le, le juste prix quelque part enfin, c'est la valeur qui est donnée à cette expérience euh, cinéma. Et euh, Richard évoquait le, le, ce qu'on qu dit, ce qu'on a toujours dit, je pense, dans, dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que le film et la salle. Et c'est vrai que dans la premiumisation qu'on qu observe et, 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 et qu'on souhaite, il y a la premiumisation de la salle. Et, et par là, on a les éléments technologiques de son, d'image, les, les, les éléments expérientiels, les éléments de confort, toutes ces choses qui sont très très importantes. Mais on a aussi une vraie et c'est là que je pense, que je réponds enfin à la question, une, une vraie euh, premiumisation du contenu euh, au sens où, euh, pour ceux d'entre vous qui ont, eu, qui ont eu la chance de, de voir, le, par exemple, la, 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 le document qu'on a montré sur la préparation de Tom Cruise pour faire le nouveau Mission Impossible. Ce qui était très, c'est un contenu qui a, qui a beaucoup frappé. Alors que bon, c'est vrai que c'est des contenus qu'on qu qu montre souvent quand on est des studios américains, mais je crois que ça, ça a permis de, de prendre conscience de ce que c'était la préparation euh, d'une un, cascade très très spectaculaire et, et l'investissement en termes de temps, en termes de moyens qui sont qui, qui sont nécessaires. Donc je crois que ce qu'on ce qu'on voit de plus en plus, et le, la crise du Covid a sans doute accéléré cette chose-là, c'est qu'il y a un besoin de prémiumisation du contenu pour qu'il soit euh, légitime en salle. Et il y a évidemment une, une prise en compte de toutes les technologies qui existent, parce que, comme le disait Richard, le film sans la salle, la, 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 la salle sans le film n'a pas vraiment de sens. Et donc, oui, il y a une prise en compte de se dire, toutes ces technologies existent. Pour que le spectateur ait envie d'y retourner, pour que cette expérience soit exceptionnelle, bah, il faut que les images et ce qu'on propose correspondent à, au meilleur de ce qui est proposé dans la salle. Donc, je crois que ces deux, deux trajets parallèles de prémonisation, ils sont très très importants. Et la, et la prémonisation est très très large, c'est-à-dire que oui, ça peut être technologique, mais c'est aussi euh, dans le type d'histoire qu'on fait, et je dirais aussi euh, et là, je, sans doute que c'est, je, je m'aventure peut-être, je vais peut-être un peu trop loin, mais dans la prémunisation et c'est le pour re rebondir aussi sur ce qu'évoquait Christophe et, et sur le, le besoin de, de communiquer ensemble. Je crois que l'événement qui est créé par, par une sortie de film, et, et on revient aussi à un investissement en termes de création d'événements de, de euh, qui, qui est beaucoup euh, drivé. Le, par le, le distributeur, euh, c'est aussi un élément de la distribution. Donc, tout ça pour dire que la promisation, c'est quelque chose de, évidemment clé pour l'avenir du, du, du secteur. C'est multifacette et la promisation pour l'un va être différente de, de l'autre. C'est quelque chose qui est au cœur de la production, au cœur de l'exploitation et évidemment un, un, un enjeu majeur pour, pour l'avenir. Euh, mais merci Frédéric. Euh, Richard d'ailleurs l'a rappelé dans l'intervention précédente en lançant d'une certaine manière l'atelier de maintenant, c'est de, depuis une, une vingtaine d'années, les salles de cinéma ont investi... Des, des milliards d'euros justement pour améliorer euh, tout ce qui pouvait être amélioré, le, le confort, la projection, le son, l'accès aux salles. Et, et donc d'une certaine manière, ça fait la prémodisation de Dan Pas d'hier ou d'avant-hier il y a 5 ans. Il y a, il, y a, il y a un courant, il y a une vague de prémodisation dont, dont on a tous fait du premium finalement, un peu comme M. Jourdain, sans, sans, sans le savoir. Et dans ce cadre-là, je voulais interroger euh, Aurélie sur le, le cadre général de la, de, du, du premium. On, on le voit dans les salles de cinéma, j'ai rappelé quelques chiffres, euh, euh, est-ce que ça s'inscrit dans, dans, un, dans un contexte, dans une tendance plus générale de, de du, notamment du divertissement, puisque Dolby n'est pas simplement un partenaire des salles de cinéma, mais Dolby intervient également dans le, dans le divertissement domestique Bonjour, est-ce que vous m'entendez Bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, effectivement, nous, en fait, on est présent, on, on propose des technologies finalement de son et d'image. Euh, pour l'industrie du cinéma principalement, euh, mais également pour tout ce qui est euh, divertissement à domicile. Donc ça va, ça va aller de la musique euh, au, euh, au streaming, euh, euh, séries et films, et également à tout ce qui est univers du jeu vidéo. Et en fait, euh, on a vraiment assisté à cette, à cette montée en gamme, cette premiumisation et cette demande toujours plus grandissante des consommateurs pour des expériences qui sont plus, euh, voilà, plus immersives, plus, plus haut de gamme, plus premium. Euh, si on prend l'exemple du streaming euh, vidéo, par exemple, euh, et je m'excuse par avant, je vais peut-être mentionner le mot consommateur, euh, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est consommateur de contenu pour l'univers Home Entertainment. Euh, on a vraiment vu que bah, du coup, Netflix euh, est, est monté en force et euh, arrivé avec une offre premium, du coup qui met maintenant je crois montée à 18 euros, donc 18 euros par mois, euh, c'est le double d'une offre euh, on va dire standard euh, et pour autant les dernières estimations montrent qu'environ voilà un tiers des gens euh, ont souscrit à cette offre. Donc cette offre va permettre d'avoir accès à du contenu ultra HD, 4K, du Dolby Vision, du son immersif Dolby Atmos. Euh, de la même manière, Disney+. Euh, et Apple, Apple TV ⁇ vont proposer ce type d'offres de, de, voilà, de, de, premium directement dans leur package de base. Euh, nous, on avait fait une étude, en fait, euh, euh, une, une recherche quali euh, en France sur 1000 personnes. Alors, c'était dans un contexte un peu particulier, c'était en octobre 2020. Mais ceci dit, c'était pour mesurer un peu les tendances et les changements euh, que les gens accordaient aux expériences premium pour le divertissement à domicile. Et on s'était aperçu qu'une personne sur deux avait déclaré euh, être OK pour mettre la main à la poche euh, pour avoir accès à euh, un système de streaming euh, qui, était, qui offrait une offre de haute qualité. Voilà. Euh, donc, effectivement, contexte particulier de pandémie, mais c'était un indicatif euh, quand même. Euh, si on se tourne maintenant côté musique, euh, il est évident que voilà, euh, euh, Apple Music a largement lancé la tendance euh, de, du, du contenu premium, du contenu euh, hi-fi euh, haute qualité. Là, ils proposent plus de 70 millions de, de, de morceaux euh, en format euh, haute définition à leurs, à leurs abonnés. Euh, et Spotify a rapidement suivi avec une offre premium. Euh, certains avaient même euh, 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 s'étaient lancés dans l'aventure comme Tidal et Cobuzz il y a un moment. Euh, et si on se tourne ensuite vers le jeu vidéo, voilà, on est euh, sur euh, euh, Microsoft qui va lancer sa dernière console euh, Next Generation euh, série X et S euh, avec des technologies dites de son immersif et euh, de HDR, euh, comme par exemple Dolby Vision. Euh, donc là où je voulais en venir, peut-être qu'on se dit, voilà, c'est un peu hors sujet. Pour moi, euh, le cinéma, il n'est pas en silo. Il fait partie d'un monde qui est l'entertainment, le divertissement en général, euh, et il s'agirait de ne pas ignorer euh, les mouvements et les dynamiques qui sont déjà bien inscrites et en place euh, côté euh, divertissement à domicile. Euh, et deux peut-être choses qu'on en pourrait en retirer, ce serait... Euh, euh ce serait dommage, effectivement, comme le disait Richard Patrick, que on se, voilà, la salle se repose sur ses lauriers et ne fasse pas, continue pas à faire les efforts nécessaires en termes de modernisation, euh, après sans se lancer dans une guerre euh, de, voilà, de, de, de technologique, mais pouvoir garder la tête haute et, euh, et ne pas se ringardiser par rapport à une, une expérience à domicile qui est de plus en plus premium et élaborée. Et peut-être aussi pour une touche positive, peut-être d'une certaine manière, le fait que les gens soient de plus en plus euh, disposés et habitués à payer pour du contenu premium à la maison va peut-être aussi faire qu'avec euh, cette habitude, il leur sera plus facile de débourser euh, pour du contenu premium euh, en salle. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Je vais me tourner maintenant euh, vers, vers Guillaume. Euh, on voit bien qu'il y, qu y a une grande tendance sur le Premium, qui a un appétit des spectateurs pour le Premium. On, on voit bien aussi que d'une certaine manière, on réfléchit tous dans les salles de cinéma comme euh, le Premium, non pas comme euh, l'arme fatale et ultime pour lutter contre la plateformisation du monde. Euh, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, Ice, sur la genèse du projet Ice, comment il a été conçu euh, par, par, par un exploitant, puisque là, pour le coup, par rapport aux autres formats de, de, de premium, Ice est un, est un projet qui était porté par un exploitant, et, et aussi, euh, non seulement pour, faire, pour améliorer l'expérience du spectateur, mais euh, également faire revenir le spectateur plus souvent, et également le faire payer. Plus, donc quand vous vendez, euh, Guillaume, la salle ICE, le format ICE à, aux, aux exploitants, euh, qui sont vos clients, qu'est-ce que vous mettez en avant, quels sont, euh, comment, comment vous arrivez à les convaincre d'utiliser de, 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 la. Oh, ça, c'était Eric Martin, on est en train de lui donner des dernières entrées de, de, de James Bond. <laughs> voilà. Euh, donc, j'en reviens à ça, Guillaume, à la fois sur euh, la, la jeunesse du, procès, du, pro, du, du projet ICE. Et la politique de prix, qui est quand même très importante, parce que les exploitants, s'ils investissent plus d'argent dans les salles de cinéma, il faut qu'ils recoupent il faut qu'ils recoupe leur, leur, leur investissement. Merci Jean-Marie. Euh, sur ton premier point, les plateformes, pour moi, ne doivent pas être opposées à la salle de cinéma. On a bien remarqué que les, les meilleurs consommateurs des plateformes sont aussi nos meilleurs consommateurs à nous, pour reprendre le terme consommateur. Donc, donc ils nous euh... les piquent, c'est ça que tu veux dire <laughs> Non. Par contre, euh, on, on les a vachement bien éduqués. Euh, Aujourd'hui, le consommateur est très alerte sur euh, du 4K euh, ou du Dolby Atmos, euh, sur un confort euh, assez, euh, assez prononcé d'un salon, sur un écran de 65 pouces ou 75 pouces, un 5.1, 7.1, etc., etc. Donc on a affaire à un, à un consommateur qui est beaucoup plus regardant au niveau de la qualité. Et euh, ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant qu'exploitant que, que, qu de salle de cinéma, c'est de décevoir ce spectateur qui se déplace avec sa famille, éventuellement, qui garde sa voiture, qui arrive, qui achète de, 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 du popcorn, du Coca-Cola, etc. Euh, et pour avoir une image qui ne donne pas la bonne lumière, qui n'est pas forcément bien réglée, euh, être assis sur un siège qui grince, etc. Ça, on n'a plus le droit de faire ça. Aujourd'hui, les, les spectateurs, quand ils arrivent, euh, il ne faut pas oublier qu'on euh, leur propose le grand écran. Euh, face au petit écran et au tout petit écran qu'est le téléphone. Et le grand écran, ça doit être le, 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 le grand spectacle. Et ça, ça doit être notre promesse qui doit être systématiquement tenue. En aparté, euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec, euh, justement, en, avant, je m'occupais des modèles VPF dans le monde. Euh, j'ai vu des salles de cinéma un peu partout dans le monde. Et je tiens à féliciter la France pour l'état de nos salles de cinéma. Ça me rend vraiment très, très fier d'être français. Euh, et, et ça remontre encore une fois notre expertise dans le domaine de, du luxe. Quand on rappelle notamment que Bugatti est une marque française et que LVMH aussi. Bon, ceci étant dit, les Français sont bien placés pour pour s'étendre dans le monde avec une marque de luxe. Notre projet à nous, ça a été de prendre tous les critères euh, du premium et, et les additionner. C'est-à-dire que quand on avait regardé euh, les produits existants sur le marché, ceux qu'on trouvait assez impressionnants étaient très difficiles à amortir. Ceux qu'on trouvait faciles à amortir n'étaient jamais impressionnants pour nous. Donc on a additionné tout ce qui nous paraissait capital dans le premium. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris le meilleur de la projection avec du laser 4K RGB, le meilleur du son avec euh, Dolby Atmos configuration Maximal Studio, euh, le meilleur du confort avec des sièges inclinables. Et en parallèle de ça, on a rajouté ces panneaux immersifs sur les côtés qui viennent alimenter le champ de vision humain euh, sur, sur, euh, sur ce côté très sensoriel. Il faut savoir que la vision périphérique est une vision... Euh, qui monte à, à des millions d'années d'évolution, qui est censé nous avertir des dangers qui arrivent euh, par derrière sur les côtés. Donc dès qu'on adresse ce champ de vision là. Euh, le film, l'œuvre euh, va va décupler son impact émotionnel sur le sur le public et, et les chiffres euh, de notre côté le montrent, c'est-à-dire que euh, on a un taux d'occupation à chaque fois qu'on installe une salle à qui monte d'un minimum de 50% et le prix moyen qui monte d'un minimum de 50%. Et je parle bien de minimum parce que sur certains territoires on a un prix moyen qui monte à 250% par rapport au prix euh, au prix standard et on a des clients surtout qui sont ravis. Pour deux raisons. D'abord, quand ils rentrent dans la salle, ils comprennent tout de suite pourquoi il y a eu un, un prix supérieur. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une business class, où vous, vous savez pour, ça vous coûte beaucoup plus cher, mais vous savez pourquoi vous pourquoi vous avez payé ce prix-là. Nous, c'est pareil, ça se voit. C'est-à-dire que vous avez ces panneaux qui se voient, et là, le consommateur qui n'avait jamais vu une salle, il se comprend immédiatement le pourquoi. Et en sortant, euh, il est ravi. On a fait une étude de satisfaction. On a plus de 90 de, de satisfaction. C'est un produit qui nous permet d'être assez flashy pour attirer les plus jeunes euh, avec cette, vraiment cet effet wow euh, et en même temps qui est un produit très élégant parce que no nos effets euh, sont du début à la fin du film et donc nous permettent de retenir notre clientèle plus senior euh, notamment quand ils amènent leurs petits enfants voir un, un film euh, euh, Disney ou autre mais euh, ils sont ravis ils reviennent voilà, La genèse du projet, elle est là. C'est-à-dire qu'on a vraiment additionné tout ça. Ça vient de la vision de notre directeur général, Jocelyn Bouissi, qui a toujours été un précurseur. Je vous rappelle qu'en modèle VPF, on l'avait engagé. C'était le premier exploitant à passer 100% de son parc au numérique et avoir au moins plusieurs salles 3D par cinéma pour la sortie d'Avatar. Euh, merci beaucoup. Euh, on, on a euh, Guillaume a beaucoup parlé et, et Frédéric euh, l'avait également évoqué de, de, de tous les composants euh, euh, technologiques, euh, puisque en général, on associe le premium effectivement à des composants technologiques, des, une, une qualité de projection euh, décuplée, du son, euh, parfois aussi le, le confort des le, le, ou plutôt évidemment le confort des, 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 des fauteuils. Encore que l'un des intervenants à Barcelone notait que le fameux recliner seat, le siège inclinable, on l'a tous à la maison et ça s'appelle notre canapé. Euh, voilà, mais je referme cette parenthèse. Je voudrais, voudrais peut-être me tourner pour le couvert Pierre, puisque euh, Pierre Chican euh, a réfléchi également euh, au, au concept de premium, mais pour proposer quelque chose qui n'est plus dans le domaine de la technologie ou, ou, des, ou, ou du confort des, 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 des fauteuils, mais qui tire vers l'architecture de, de la salle pour proposer quelque chose de, de très différent. Et peut-être, je crois que, euh, Julien, on a une, une vidéo à, à vous montrer pour que tout le monde sache de quoi, de quoi on parle. thank <music> you donc euh, euh, d'où vient cette envie de proposer aux, aux exploitants un, une salle premium euh, avec une vraie vision architecturale? Euh, bonjour, merci de m'accueillir. Euh, euh, donc avant tout il s'agit d'un concept architectural comme euh, donc la Saloma, c'est un, un concept extraordinaire. Euh, l'inspiration de, de cette architecture elle, elle est double en fait, depuis les années 50 la salle de cinéma se résume toujours à, à la même chose la même, la même mise en situation du spectateur face à l'image, un écran, des rangées de fauteuils disposés sur des gradins euh, plus ou moins inclinés euh, ce qui fait que le premier, le premier spectateur euh, face à l'image ne voit pas la totalité de, de la projection et puis euh, au contraire à l'arrière euh, il, il en est très éloigné donc le constat, euh, la Saloma va, va bouleverser le rapport de la, de la mise en situation du spectateur face à l'image. Le manifeste, c'est véritablement de situer le, chaque spectateur face à l'image, euh, sans rien entre lui et l'image, euh, sans aucune perturbation. C'est le, le, le manifeste de, donc, de la salle et euh, pour rendre l'expérience le, 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 cinématographique à la fois d'une manière intimiste, euh, spectaculaire. Et immersive, voilà. faisant de cette salle une salle unique dans le paysage de l'exploitation de cinéma. Donc, l'inspiration, le, 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 c'est celle des grandes salles de spectacle, effectivement, où on va avoir une expérience euh, de cette salle de, de vraiment euh, XXL, hein, c'est-à-dire à dans tous les niveaux, euh, depuis l'entrée dans la salle, chaque. Euh, chaque personne dans cette salle va rentrer de manière indépendante. Les spectateurs sont répartis sur des, par petites entités sur des loges ou des plateformes qui sont réparties dans la hauteur de l'image sur une, le long d'une une paroi à forte inclinaison, de manière à ce que aucune perturbation ne se situe entre l'image et chaque spectateur. Voilà. Donc la salle IMA, c'est vraiment une salle unique dans le, dans le spectacle, dans le, dans le paysage des, des salles mondiales. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être qu'on a un thème qui est le rôle du premium dans l'avenir du cinéma. Est-ce qu'on peut aborder, peut-être pour, pour finir Là, je me tourne plus vers Guillaume et vers Aurélie. Le, le rôle du présent dans l'avenir du premium. C'est-à-dire, je, je m'explique euh, cette petite pirouette. C'est-à-dire, est-ce que la pandémie euh, Est-ce que vous avez vu euh, euh, Est-ce que la pandémie a, a, a a ralenti énormément la prise de décision des exploitants qui ont été très sévèrement touchés, comme beaucoup d'autres, euh, par, par la COVID-19 Ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'il y a une accélération euh, de la part de, de, de vos, des, des prospects, des, des exploitants, dans les différentes régions du monde sur lesquelles vous pouvez être, pour euh, accélérer et, euh, et, et aller vers un format premium euh, et, et le proposer encore plus aux, aux spectateurs moi, je ne suis pas du tout dans les ventes, donc je ne vais pas me prononcer sur le nombre de commandes. Euh, ce qu'on a vu, nous, en général, c'est qu'effectivement, il y a eu un, un ralentissement certain des investissements pendant la période Covid, ce qu'on peut tout totalement comprendre. Euh, après, quand vous parliez du rôle du, du premium, euh, effectivement, c'est un peu ça engrange des revenus supplémentaires. Après, est-ce que le but du premium, c'est pas de fidéliser euh, le spectateur, de le faire revenir à un endroit qu'il a aimé, euh, voilà, euh, régulièrement euh, Faut que l'expérience, comme le disait euh, euh, mon collègue juste à, Guillaume. Guillaume juste à côté, euh, faut que l'expérience soit tangible et que la personne euh, se, se comprenne quel, de quelle valeur ajoutée il est question. Euh, mais par exemple, euh, nous, c'était une étude internationale. On, on avait, on a fait une étude sur Dolby Cinema, qui est notre format premium, euh, qui euh, qui est dans la même veine. Que, que ICE et on s'était aperçu que sur un, un complexe donné euh une, un complexe qui allait héberger un Dolby Cinema, par exemple, allait voir une hausse finalement de sa fréquentation générale, c'est-à-dire un impact bénéfice, un halo, on va dire, de, une aura de fréquentation générale de 6% à peu près sur un site versus un site témoin qui, qui n'en était pas équipé. Donc il y a, comme on le disait, ça ça rejoint en fait le panel de juste d'avant, qui est euh, le, le cinéma comme lieu de vie, comme lieu de lien social, avec des expériences qui sont premium et qui est fort venir les gens de manière plus régulière. Voilà, en général. Guillaume sur, oui. sur l'aspect pandémie. Et... Alors sur l'aspect pandémie, nous pendant les, les 18 mois, évidemment tous les projets qui étaient en cours ont été euh, mis en pause, mais on n'a eu aucune annulation. C'est-à-dire que euh, on a annoncé le premier projet qui était en cours euh, à, à Barcelone avec Au ciné le troisième circuit euh, euh, cinématographique en Espagne. Euh, sur un plan initial de deux salles euh, à, à euh, On sait qu'on va aller beaucoup plus loin. On est déjà en train de parler justement du déploiement euh, euh, sur, sur l'ensemble du circuit. Euh, donc, aucune annulation euh, juste un report. Et nous, on a utilisé ce report pour, justement, euh, pendant ces 18 mois, euh, pour un petit peu prendre la température sur chacun des territoires et voir comment chacun de, des exploitants, en fonction de, de sa typologie, euh, faisait face à cette crise. C'est là où on se rend compte, notamment, qu'en France, on a eu une chance inouïe hein, avec le support, euh, le support du, du gouvernement euh, par rapport à d'autres territoires comme, euh, comme le Mexique, pour, pour citer un, un territoire. Euh, ensuite. Le Ciné Europe qu'on vient de faire là, pour nous, a marqué les esprits. Il y a vraiment un avant et un après. Vous me verrez rarement danser, euh, et encore moins de, de manière publique. Mais pour que j'en arrive là, c'est qu'on a, euh, a vraiment fait un travail extraordinaire. À Ciné Europe, on est reparti. Nous avons aujourd'hui 16 clients. Euh, qui nous envoie les plans pour installer euh, du High Et je ne parle pas de 16 salles, mais bien de 16 clients avec des projets de déploiement euh, assez massifs sur chacun des territoires euh, ciblés. Là, je pense que dans les mois qui viennent, nous allons annoncer un autre accord aussi avec un, un exploitant faisant partie du top 10 mondial. Donc, euh, pour nous, cette pandémie nous a permis d'un côté de resserrer les liens dans une période difficile. Parce que euh, c'est une industrie qui est quand même qui est qui, qui moi qui me tient à cœur depuis un peu plus de dix ans que, que j'y travaille euh, où, où j'ai pu réussir même euh, pendant ce, ce moment très difficile à faire passer les, les bons tuyaux d'un territoire vers un autre comment nous on opère en France comment vous vous opérez en Espagne prendre des bonnes idées les partager dans le club qu'on est en train de monter de tous ces exploitants qui nous qui nous font confiance et et, et pour finir euh, puisque le, le temps qui nous est imparti euh, touche à sa fin. On a commencé avec Frédéric de parler du contenu et la premiumisation du, du contenu. Peut-être, euh, comme on, on le sait tous, contenu est roi, mais le, le, le spectateur est, est lui aussi le roi ou l'empereur. Est-ce que, euh, est que le public, est-ce que vous pensez que le public fait, fait une nette différence entre ce qui est une salle premium, quelle qu'elle soit, et, et une salle je ne vais pas qualifier de standard, mais en tout cas de normal, qui peut être de très bonne qualité, mais qui n'est pas premium. Est-ce que dans l'esprit du spectateur, elles sont un peu toutes les mêmes, c'est ça le premium, mais au moins elles existent en tant que, en tant que, en tant que catégorie à, à part euh, Ou est-ce qu'on a encore beaucoup de travail à faire euh, d'évangélisation Visiblement, une fois que les spectateurs... Goût au premium, ils adorent et ils veulent et ils reviennent et, et c'est un instrument, c'est une façon de fidéliser le, 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 le public et, et également de les faire, de leur faire payer un, un prix, un prix premium. Ou est-ce que est qu'on en est là Peut-être Aurélie, si vous voulez terminer. Est-ce qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour expliquer ce que c'est que le premium auprès du auprès du grand public Je pense qu'il y a de toute manière encore beaucoup d'éducation à faire autour du premium, ça c'est sûr. Après, pour parler de dolby Cinema en général, c'est notre offre premium du coup avec l'image Dolby Vision, le son Dolby Atmos, euh, confort euh, et design. On a dix salles de ce type euh, en France avec les cinémas euh, Pathé Gaumont. Euh, et euh, au lancement, euh, on, était, euh, on avait vraiment envie de, de savoir si... Euh, cette premiumisation et si les gens comprenaient pourquoi ils payaient en fait. Donc on a mandaté Vertigo de nous faire euh, euh, voilà, une, une, une sortie de, de, des sorties de séance pour un peu prendre le pouls et on s'était aperçu que les résultats qui ressortaient étaient excellents. Donc il y avait 83% des gens qui se disaient prêts à revenir et 97% de taux de recommandation. Donc pour nous c'était ok, il y a eu un premium qui n'est pas... Petit qui a été mis en place. En revanche, on a l'impression que les gens comprennent le concept et, euh, et ils trouvent la valeur ajoutée qui justifiait ce surcoût. Donc moi, en tout cas, ça m'a rassurée. Voilà, l'idée était de, de voir que les KPI principaux étaient, étaient respectés. Pour nous, ça l'était. Donc voilà, à partir du moment où, où je, comme disait Guillaume, les gens savent pourquoi ils paient euh, et sont satisfaits, euh, je pense que voilà, le premium a de beaux jours devant lui. Encore faut-il voilà, éduquer et, et, et essayer de faire découvrir aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour tous. Vous ne m'avez pas posé la question, mais nous, nous avons un projet en cours et qui est à l'arrêt malheureusement après le, la, suite à la pandémie. Voilà. Donc, euh, à bientôt pour, pour l'ouverture de ce projet. Et puis, euh, et puis pour reparler euh, du premium, je vous renvoie encore une fois si vous voulez. Plus de détails, je vous renvoie à cette émission présentée par Daniel Lauria sur Box Office qui fait le point, et notamment j'ai appris aussi une autre chose, il y a aujourd'hui plus de 12, de 12 marques différentes de, 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 de salles premium, et dans certains cinémas américains, il y a non seulement la plupart de ces, de ces, de ces salles premium, mais également les, les exploitants américains ont... ont ont, ont, ont développé leur propre marque de, de, de salles premium, voire certains ont développé deux ou trois marques de salles premium, pour dire à quel point en tout cas, chez nos amis américains, le, le premium est vraiment une tendance de fond qui se développe dans les salles de cinéma. Merci. merci. Un grand merci à vous merci. tous. Merci. Euh, petite, petite précision sur... Euh, on m'entend, oui. euh, Petite précision sur euh, la source à laquelle vous renvoyez... À laquelle vous renvoyez euh, Jean-Marie. Il s'agit du Box Office Podcast, qui est en anglais et que vous trouverez euh, donc, sur toutes les bonnes chaînes de, de podcast. Et si vous vous intéressez au sujet premium, je vous invite aussi à regarder le chapitre consacré au sujet dans un, un bouquin qui vient de sortir, je crois. Je ne si je vous en ai parlé, je ne sais plus. Ah, c'était une live session. Autant pour moi, c'était une live session. Bon, tout ça, en tout cas, ça se trouve sur boxofficepro.com, boxofficepro.fr. Merci, euh, Stan Ruskowski. Euh, on va maintenant passer à notre euh, troisième table ronde où je vais accueillir donc notre modérateur de choc en la, période de, en la personne de dominique delport qui est donc le fondateur d'arduna partners un expert reconnu du paysage des médias et euh, administrateur de vivendi euh, à 16 heures qu'il sera euh, entouré euh, d'aurore berger euh, qui, euh, qui va nous rejoindre, qui, donc, qui est députée et une des députées euh, reconnues pour son engagement euh, auprès de, de la, de, de, du secteur du cinéma. Et en son absence, vous avez tous appris qui était le père d'Aurore Berger, qui a, eu les, <laughs> qui a eu les honneurs de Charles Rifkin. <laughs> Adrienne Je le fais moins bien quand même. Hein. Nous allons également accueillir Ardavan Safi, qui est donc euh, le directeur général de Pathé Film. Euh, et je vais aussi présenter Ariane Toscan du Plantier, euh, qui est directrice de la distribution de Gaumont. Et exprès, je mets Pâté et Gaumont ensemble parce qu'on a beaucoup parlé des centenaires ce matin. Mais il y a aussi deux sociétés qui ont respectivement 125 et 126 ans dans le paysage cin cinématographique français. Et ils sont là avec nous. Ils ne font pas leurs 125 et 126 ans et on les accueille avec grand plaisir. Olivier Snanouj, qu'on ne présente plus. Warner Bros, euh, donc en charge du cinéma et aussi euh, membre éminent du SFAC, du, euh, du, euh, de la FNEF, là, à, aux côtés de, de Victor Adida, qui préside la, direction, la Fédération des éditeurs de films. Et, euh, et euh, bien sûr, Isabelle Madeleine, qui est donc la présidente de l'Union des producteurs de cinéma euh, et qui a également accepté de se joindre à nos échanges. Dominique, je te laisse. Euh, nous parler de ces nouveaux équilibres entre blockbusters globaux et production locales. Bonjour à toutes et tous euh, Je ne pensais pas en venant ce matin qu'il y aurait autant de nouvelles positives. Et, et euh, comme euh, chantait Johnny, c'est bon d'avoir envie d'avoir envie. Et on a envie effectivement de, de voir à la fois euh, ce que l'on a vu euh, avec Eric euh, sur les chiffres, c'est-à-dire cette incroyable euh, vélocité du retour en salle et, et, et vraiment la réactivité notamment du public jeune pour revenir en salle et que les courbes euh, remontent aussi rapidement. Alors on a vu l'impact du, 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 du pass sanitaire plébiscité par les Français, mais évidemment pour les exploitants c'était compliqué mais on a vu que juste après, ben ça y est, à mesure que la, la jeunesse était vaccinée, ça, ça remonte. Et puis on a vu aussi les bonnes nouvelles des, des chiffres avec des films français, puisqu'on parle de l'équilibre entre blockbuster et production locale, on a et des grands succès internationaux, on en a cité quelques-uns, et puis on imagine que Bond va venir en France depuis la sortie mercredi compléter ces gros chiffres, mais on a aussi du Camelot, mais on a aussi d'autres gros succès du cinéma français avec des films qui arrivent du côté des 2 millions, les Bac Nord en sont plus très loin, on peut imaginer qu'un boîte noire va être aussi sur cette... De même lancer donc c'est plutôt un début en fanfare. Donc je, je, je crois encore une fois qu'on peut s'en féliciter. Alors, dans cet équilibre entre euh, blockbuster et, et production locale, on va peut-être démarrer sur un, un, un aspect qui a été évoqué par Charles Rifkin et, 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 et uh, Aurore Berger est avec nous sur ce sujet. Je sais que c'est un, un sujet qui, qui tient à cœur aussi à, aux, aux, aux grands studios, euh, c'est celui de la, de la piraterie. Parce que euh, j'aimerais qu'on l'aborde tout de suite et puis après on va, on va passer plus largement sur le sujet, mais j'aimerais pas qu'on en, on en dise rien ce matin. Parce qu'on a vu quand même que le day and date, par exemple, ça avait un impact. Euh, et donc, je, je voulais juste savoir comment vous êtes beaucoup battu là-dessus, notamment pour que la création soit payée et rémunérée à son, à son juste niveau. Euh, où on a entendu dire qu'on avait perdu. Hein. Richard a dit on n'était pas loin. Et boum, patatras. Euh, expliquez un petit peu la salle en quelques quelques mots où on en est et si le combat peut encore être gagné. Alors déjà bonjour à toutes et à tous. Donc je n'ai pas entendu l'hommage à, à mon père, mais écoutez, j'en je, suis ravie, je suis très fière d'être sa fille. Euh, ceci euh, ceci étant dit, je, je vous salue euh, tous. Quelques mots sur euh, évidemment la lutte contre le, le piratage. On en avait reparlé évidemment avec Richard euh, au moment du congrès des exploitants de salles de cinéma, euh, parce que c'est un combat euh, que je partage pleinement et que nous avons mené main dans la main euh, depuis euh, 2017. Et avant que je ne sois députée, d'autres euh, l'ont mené. Euh, et donc c'est un combat de Longue haleine euh, et qui mérite d'être continué euh, de continuer à être porté de manière évidente. Je vous cache pas que quand j'ai eu le malheur de tweeter euh, suite à mon passage au congrès en disant euh, qu'il fallait continuer à lutter contre la piraterie, euh, j'ai eu droit à un, un flot euh, toujours aussi remarquable d'intelligence comme parfois ça peut arriver sur les réseaux sociaux, euh, notamment considérant qu'évidemment ce euh, n'était pas un fléau et que ça n'était pas un problème. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ce que j'ai essayé de mentionner c'est quand ce sont des journalistes de, de presse sur Abonnement euh, qui m'expliquait que ça n'était pas un problème de pirater. Donc je leur ai retourné la question en disant Mais donc ça veut dire que je peux demain euh, rendre public l'ensemble de vos publications euh, et que du coup ça n'est pas grave si on ne s'abonne pas à vos titres et que donc vous ne pourrez pas être rémunéré. Euh, évidemment, ils ont eu un peu plus de mal à répondre à cet argument là, mais je pense que c'est pour ça qu'à un moment il y a un combat culturel aussi qu'on doit continuer à mener sur ce sujet pour faire prendre conscience que ça n'est pas un combat ringard, que ça n'est pas un combat perdu et que c'est un Combat légitime qui est juste la rémunération de celles et ceux qui permettent à la création d'exister et à l'ensemble de la chaîne de valeur d'exister, euh, que ce soit évidemment euh, les auteurs, les producteurs, les réalisateurs, euh, les exploitants, euh, et que c'est ça qui doit euh, pouvoir euh, euh, prédominer. On a eu des avancées, euh, ça je pense que c'est aussi important, vous disiez, que parfois il faut se citer les bonnes nouvelles, donc on peut aussi se féliciter euh, qu'on ait pu avancer sur un certain nombre de sujets, notamment des combats que menaient les ayants droit et qu'ils ont toujours gagné d'ailleurs. Euh, à chaque fois que les, les ayants droit sont allés en justice, la justice leur a toujours donné raison. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Euh, et de facto, euh, c'est vrai que la loi qu'on a pu euh, voter, dont j'ai l'honneur d'être la rapporteure, a permis quand même euh, qu'on aille beaucoup plus loin, euh, notamment sur la lutte contre les sites, vous savez, dites euh, sites miroirs. C'est-à-dire qu'on ne soit pas le tonneau des Danaïdes en permanence à venir avoir une première décision de justice un site réplique qui se crée et se dire bah, qu'on a un nouveau site à nouveau qui existe et qu'on doit à nouveau attendre une décision de justice. Donc on a quand même réussi là-dessus euh, à avancer. Oui, il y a des combats qui méritent d'être continués à porter. Moi, je crois aussi que les injonctions dynamiques qu'on a obtenues pour le monde du sport doivent pouvoir exister aussi euh, pour la création cinématographique. Quand on a des films qui sont autant attendus que ceux que vous avez cités, euh, si euh, le même jour, ils sont disponibles euh, gratuitement et si facilement sur des plateformes, ça a évidemment un impact sur les salles et donc ça a un impact sur l'ensemble de la filière et le financement de, de la filière et je reste persuadé. tant pis si c'est ringard pour certains, qu'à un moment il faut responsabiliser aussi, évidemment, l'internaute. Euh, et qu'à un moment, je crois qu'on y arrivera. Je crois qu'il y aura besoin de cette responsabilisation-là, de dire qu'à un moment, celui qui pirate est responsable de ce qu'il fait euh, et donc de la destruction de valeur que ça, peut, que ça peut entraîner. Mais en tout cas, je tiens à souligner voilà, ça n'est pas un combat perdu. C'est un combat qui n'est pas évident à mener parce que ça n'est jamais le plus populaire euh, à porter euh, d'expliquer qu'on va ajouter de la contrainte. Parce que c'est ça, de fait, mais que des avancées significatives ont quand même été permises dans la loi, et que je crois que ça a permis aussi de reposer un préalable dans la parole publique et politique, euh, qui était de dire que la création, elle avait un prix, elle avait un coût, euh, et donc que ça justifiait évidemment qu'on se batte pour elle, et que, que c'était le préalable qu'on souhaitait poser. Et c'est sans doute aussi des messages d'éducation dès le plus jeune âge aussi sur la valeur. Enfin, euh, le jeu vidéo, il est plutôt très bien parvenu. Hein. Il y a beaucoup moins de piratage sur le jeu vidéo, alors aussi pour des raisons techniques, notamment dès qu'on est sur du jeu en ligne. Mais enfin, l'éducation voilà, se poursuit. Est-ce qu'il y avait juste un mot ajouté là-dessus, puis on passe vraiment au cœur du dossier non, je voudrais profiter de l'occasion d'abord pour remercier Aurore Berger, elle et, et, et d'autres parlementaires, parce que, comme elle vient de l'expliquer, il faut, il faut du courage, du courage politique aujourd'hui pour mener ce combat qui est essentiel. Et il est paradoxal, euh, là aussi, notamment en France, euh, qui est le pays sûrement où les pouvoirs publics ont le plus soutenu. Euh, notre industrie euh, dans, dans la crise du Covid, que paradoxalement on n'arrive pas à avoir euh, euh, des mesures euh, réglementaires, législatives qui luttent efficacement et durablement contre la piraterie, qui, euh, qui créent une perte de valeur durable pour l'ensemble de la chaîne. Euh, voilà, le Covid, on espère que ce sera... Un épisode, certes, qui a été terrible, mais qui, qui passera un jour. Euh, mais la piraterie, ça dure depuis longtemps et ça continue. Et, et donc euh, et c'est de la perte de valeur pour l'ensemble de, de la création et de nos secteurs de la diffusion. La, la musique l'a vécu avec le MP3. Hein, il y a une grosse descente. Effectivement, c'est remonté grâce aux plateformes. Euh, il faut le reconnaître. Hein, et la, la création de valeur. Et on dit quelque chose sur la musique pour les, les majors, notamment et les indépendants. C'est vrai que c'est passé quand même par, par la DRMisation qu'ont qu permis ces plateformes. Alors, nouveaux équilibres entre Blockbuster et, et, et production euh, euh, locale. On, on va démarrer euh, avec art d'avant votre, votre vision justement sur ce combat. Euh, Pathé film euh, l'un des, des plus grands et historiques studios comme, comme Gaumont. On en est fier là aussi. On n'a pas seulement le plus beau parc au monde, on a aussi une histoire formidable. Euh, Comment est-ce que vous avez appréhendé ça dans le contexte actuel de ces concurrences multiplateformes Et donc, quelle est la stratégie de Pâté pour concilier les histoires locales certes destinés à un public local, mais avec de plus en plus la nécessité de les faire voyager parce qu'on n'a jamais autant consommé de produits. Même les Américains se sont mis à la, aux versions sous-titrées, ce qui était impossible à imaginer il y a encore 5 ou 10 ans. Et ben on a, alors c'est passé par Netflix, mais un Squid Game qui effectivement est effectivement une sorte de Hunger Game sous stéroïdes. On pourra en reparler parce que c'est quand même culturellement quelque chose d'important à Ardavant. Euh, alors, je vais commencer parce que vous avez parlé de notre histoire des 125 ans de Pathé et de Gaumont, et on a parlé ce matin de citations euh, très anciennes. Je vais faire une autre citation très ancienne. Euh, C'est quelqu'un qui disait que euh, les films français, quoi qu'il arrive, quand ils veulent se vendre à l'étranger, euh, sont réservés à des élites anglaises et américaines. Le cinéma est un spectacle éminemment de masse, et que l'espérance de pouvoir. Euh, exporter ces films français, notamment aux, aux, en Amérique, était totalement imaginaire. C'est Charles Pathé qui disait ça il y a plus de 100 ans. Euh, je ne crois pas que c'est beaucoup changé. Il euh, y a évidemment quelques exceptions. Euh, mais mais euh, l'équilibre, il se trouve ici entre nous. On est, on est évidemment pas, ne peut pas se comparer ni essayer de se concurrencer avec, euh, avec, les, avec les américains les blockbusters, les blockbusters américains, puisque, comme vous avez dit, c'est les blockbusters globaux. Là où nous, on est vraiment sur des productions plutôt locales qui s'exportent, certes, mais notre stratégie aujourd'hui, c'est de justement d'embrasser ce que les Américains font depuis plus de 100 ans, c'est-à-dire de cultiver, exploiter leur culture locale, culture populaire, euh, et leur patrimoine, ce qu'on a, et même l'actualité parfois de certaines choses qui se passent aux États-Unis, dans le monde, et qui font très bien, et qu'on a toujours un peu de mal à, à faire, nous. Il est, il est très fréquent de voir euh, un nouveau Batman, un nouveau Spider-Man, un nouveau. Euh, voilà. Et pourtant, euh, on a du mal, nous, quand on, a, quand on a lancé les trois mousquetaires, on nous a dit attend, Attendez, euh, il y a déjà eu plein les trois mousquetaires, pourquoi vous faites ça On s'en fout de voir des gens en cap euh, et d'épée. Et c'est un peu cette maladie euh, qu'on avait, je pense que nous, on essaie de la. Alors, ce n'est pas, pas un virus, hein, mais, mais euh, on, on, va, on va essayer de, de remédier à cela. Euh, et c'est aussi des choses qui s'exportent. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, on reprend justement notre patrimoine. On reprend notre culture populaire. Euh, Dumas est un, est un des premiers scénaristes, je pense, populaires euh, en France et dans le monde. Euh, la preuve, c'est que les Trois Mousquetaires ont quand même été euh, exploités, et même, même le monde des cristaux ou d'autres œuvres Dumas ont été euh, adaptées dans le monde entier, dans différentes langues. Et il faut qu'on se les approprie. C'est à nous de le faire. Euh, je parle de culture française, je parle de culture européenne. Euh, on va pas aller sur le terrain des Américains, on va pas faire un Spider-Man, ce voilà, serait complètement illusoire. Mais par contre, faire un Astérix qui est un peu notre Avengers à nous, euh, un, un Trois Mousquetaires, pareil, c'est aussi une espèce d'Avengers hein, quelque part. Euh, mais le faire, on parlait tout à l'heure de comment on fait pour faire revenir les jeunes au cinéma. Bah, – Quand on a annoncé euh, François Civil, euh, euh, Vincent Cassel, euh, Romain Duris, j'ai senti que les jeunes étaient un peu émoustillés quand même. Euh, donc il ne faut, faut pas hésiter à reprendre ces, ces, ces thématiques-là. On n'aura jamais les moyens de mettre 200 millions de, de dollars sur un film français. Euh, mais, quand, mais même un « dieu les cons » par exemple, qui est sorti l'année dernière et cette année, une nouvelle fois, euh, c'est des films qui, ma, malgré ces, des budgets très inférieurs aux films américains, peuvent faire venir beaucoup de gens au cinéma. Et je pense qu'il faut qu'on qu qu embrasse ça aussi de notre côté, qu'on puisse compter sur nos talents locaux et qu'on puisse compter sur notre culture populaire à nous et sur des choses qui s'exportent. Les, les trois mousquetaires astérix, on les a déjà vendus dans bien des territoires. C'est une vraie demande aujourd'hui, notamment en Europe, en premier lieu. Aux États-Unis, c'est effectivement un peu plus dur parce que dès qu'on est un film français en langue française, on est vu comme un film d'auteur. Donc un film comme Eiffel qu'on va sortir la semaine prochaine, qui est aussi euh, on embrasse aussi la culture populaire et le, le patrimoine culturel français. Euh, je vois une tour Eiffel juste devant moi, d'ailleurs. Euh... Et c'est fou de se dire que on n'a jamais eu avant un film uniquement centré sur l'un des monuments, alors, le plus visité euh, en France et, et, et quasiment au, au, au monde et, et totalement iconique. C'est quand même très étonnant. Bah, il, a, il a fallu un angle. Il a fait un angle particulier pour ce film qui est l'histoire d'amour euh, parce que rendez-vous compte qu'on a dû créer. Euh, un pied de la tour sur 20 mètres de haut, ça, ça a coûté un million d'euros. Et, et tout le reste en effets spéciaux, je ne vous, vous raconte pas vraiment. Donc si, si on devait faire toute la construction de la tour et uniquement ça, euh, ça nous coûterait 80-90 millions d'euros à faire, ce qui n'est ce qui pas possible pour une économie française. Euh, quand on arrive à le faire pour 22-23 millions d'euros, c'est parce qu'on en fait, on, on, on traite ce sujet, mais on traite aussi un autre sujet pour pouvoir y arriver. Donc il faut qu'on trouve des solutions. C'est à nous d'être créatifs. Et là où je, je suis assez admiratif des Américains, et là on n'est pas très bon. Euh, c'est euh, le métier de scénariste. Et je trouve que le métier de scénariste d'auteur, euh, ici, un scénariste français est forcément réalisateur de son film, un réalisateur est forcément scénariste de son film. Euh, ça commence un petit peu à changer, euh, mais fondamentalement, c'est un vrai métier, euh, scénariste. Et je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent, et c'est notre faute, je pense, nous, producteurs, distributeurs, on n'a pas assez mis l'accent, parce qu'on n'a pas assez investi dans ce, dans ce métier-là. Il faut qu'on qu qu reprenne un petit peu la main. Et qu'on se dise que c'est un vrai métier d'avenir et qu'il faut investir sur l'autre plus. Le CNC commence à prendre aussi des dispositions dans ce sens. Il qu'on les accompagne pour que euh, on se dise que, oui, écrire un film, c'est pas le même métier que de réaliser. Et, euh, et je pense que ça, ça vient aussi de la série un peu en ce moment. On se rend compte que le scénariste prend une place extrêmement importante. Et j'espère que dans les, dans les années qui viennent, la jeunesse, euh, les auteurs, les, les scénaristes de demain euh, vont, 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 vont aussi prendre le pas sur, sur, au cinéma euh, et, et nous aider à faire des plus grands films. Ariane, en, en contrepoint de ce que disait Ardavant, il y avait une, une notion dont on parlait tout à l'heure et, et Ardavon a cité Adieu les cons. Euh, sur un, un, un des, des éléments assez positifs, sur la, la nouvelle longévité de certains films et certaines histoires, justement locales, qui touchent le public français et qui, du coup, durent un peu plus longtemps en, en salle. Est-ce que vous voulez aussi nous en parler Est-ce que c'est une, une façon de montrer qu'on a, on a touché au cœur et que, du coup, le film s'installe plus longtemps dans le, des, dans le cœur des Français qui reviennent en, au cinéma oui, euh, oui. c'est quelque chose de nouveau qu'on voit depuis la réouverture. Est-ce que c'est pérenne je, 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 On ne le sait pas encore. C'est un regard un peu, un peu nouveau. Adieu les cons, euh, je pense est c'est un film à exception. Ça, je, je, je ne suis pas sûre qu'on qu puisse le comparer à, à aucun autre film depuis la réouverture. Je dirais que nous-mêmes, nous avons été très surpris. Euh, de sa résistance, parce que quand on n'a pas pu rouvrir à Noël, là on a eu un petit moment où on s'est dit que le film ne résisterait pas. Euh, pour revenir au piratage, il s'est retrouvé assez rapidement après Noël euh, avec beaucoup de liens de part et d'autre, euh, qu'on a eu pas mal de mal à gérer venant de l'étranger. On s'est dit qu'on allait là, non, là aussi ne pas euh, arriver euh, à dépasser ça. Et quand euh, on avait fait le choix d'attendre de, de, la réouverture, et c'est vrai que là, quand on a vu les chiffres à l'aéroverture et la longévité du film, et surtout, et c'est l'exception de ce film-là, c'est que son public s'était rajeuni, mais alors, de, de, de largement une vingtaine d'années. Alors, est-ce qu'il suffit de mettre con dans son titre pour arriver à rajeunir Je ne sais pas, mais c'est vrai que par rapport aux 700 000 entrées qu'on avait faites sur les dix premiers jours, la réouverture six mois après, on, on avait totalement rajeuni, sans rien faire, parce qu'honnêtement, on aurait aimé faire et on aimerait savoir faire, mais on n'a pas su faire. Et le film l'a fait tout seul. Donc il y a un moment où c'est aussi le pouvoir de chaque film d'aller créer cet événement-là. Et ces films-là dont on parle, qui ont, ont fait l'objet d'une longévité, alors Camelot, euh, uh, un peu OSS, on ne parle pas d'OSS, <laughs> c'est vrai que c'est pas OSS, ça a manqué un peu d'entrée cet été pour qu'on soit vraiment heureux. Il, il a néanmoins fait preuve d'une du une longévité qui nous a également surpris. Et Bac Nord, boîte noire. Alors, après, c'est pas non plus. Euh, quand on regarde tous les films qui sortent chaque mercredi, encore une fois, on revient à, à, à ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un événement par mercredi. Enfin, il n'y en a pas deux, en tous les cas. De temps en temps, il n'y en a pas, mais, mais, mais en tous les cas, il n'y en a pas plus d'un en ce moment. Et, et ce qu'on cherche à faire, c'est être le film événement. Dans sa catégorie, le, le film événement n'est pas forcément un film à 20 millions qui va chercher 3 millions d'entrées. Un film événement est, est, peut être un plus petit film. Simplement, c'est celui qui va sortir du lot et elle va être une vraie offre sur sa cible ce jour-là. Et celui-là, on a le sentiment en ce moment, mais, mais encore une fois, ça va à l'encontre de tout ce qu'on se disait il y a encore six mois dans les discussions de, de, de la chrono et qu'on avait l'impression que, honnêtement, au bout de quatre semaines, les films avaient fait plus de 80% de leur entrée. En ce moment, il est vrai qu'il y, y a un nouveau phénomène qui va à l'encontre de tout ce qu'on voit depuis quelque temps, qui est la longévité. Et Bac Nord, Boîte Noire, ces films et, et d'autres encore, Camelot et encore, encore. et j'espère. C'est pour ça qu'hier, avant-hier, quand on regarde les chiffres, ce mercredi-là, il, il veut presque plus rien dire. Parce qu'on on ne sait plus s'il va être exploité 6, 7, 8 semaines, ce qu'il va arriver à faire chaque semaine. Mais la question, c'est comme on n'a pas tout à fait apprivoisé ce, ce nouveau marché, est-ce est, est, est que c'est une nouvelle donnée qui change un petit peu le regard qu'on nous apporte. Même nous sur comment travailler les films. Nous, on avait quand même le sentiment que bon, on avait terminé toute la promo le mardi soir, le mercredi il sort, il fait ses quatre semaines, puis après sa nouvelle vie commence. Si en effet aujourd'hui certains films attire, arrivent à tirer leur épingle du jeu, j'espère pour Eiffel. Nous, on a euh, Illusion perdue la semaine d'après, ou de la même manière, je ne vais pas reprendre parce que je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Arnaud, mais nous aussi, on essaye d'exporter euh, euh, cette Balzac, on va chercher Vincent Lacoste en se disant qu'on peut aussi, <laughs> au-delà de son, ses talents d'acteur, qu'on sait aussi aller chercher un public plus jeune en rajeunissant notre casting et tout ce travail sur les scénarios. Enfin, je, je, je ne reviens pas, c'est tout été parfait. Mais en revanche, il va falloir aussi qu'on S'adapte à notre manière de travailler si en effet aujourd'hui euh, euh, un film peut faire une, une vraie exploitation euh, pendant sept semaines, huit semaines, dix semaines, ça va être un travail un peu différent. Donc là, on est plutôt dans un moment où on regarde. On essaye de comprendre, est-ce que ça s'installe, est-ce que c'est ponctuel, est-ce que euh, ce, ce, ces quelques tranches de public qui nous manquent vont revenir, et euh, comment nous nous adapter Parce que le, le, le fait est que c'est nous qui devons faire le travail. Mais c'est en ça où nouveaux équilibres temporels, euh, c'est quand même quelque chose, quand on parle de chronologie des médias, de windowing, etc., c'est vrai que c'est des, 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 des événements. Euh, au sens propre, vraiment intéressant. Euh, euh, Olivier, on, on, on parlait justement de, euh, pour Warner, euh, la discussion des, des, des multiplateformes. On se souvient euh, de la bombe de Jason Kilar euh, sur le, le Day and Date pour 2021. Euh, et puis euh, ensuite, une stratégie un peu différente pour 2022. Mais en termes de production, ce que, ce que vous me disiez, Olivier, c'était euh, on ne fait pas plus de films, on ne produit pas plus de films qu'il y a 5 ou 6 ans, mais effectivement, on, euh, on cible le canal de distribution différemment et, et forcément avec des, des attentes et des équilibres différents. Expliquez-nous. Oui, et pour, enfin, je ne vais pas commenter sur ce qui se passe aux États-Unis, mais pour revenir à ce qui est, à la, aux questions qu'on peut se poser euh, en France, et, et je crois qu'on qu se pose tous dans cette salle, en tout cas, c'est euh, demain, demain, dès demain, c'est même aujourd'hui. Qu'est-ce que le, le public euh, va venir voir en salle Et je crois que c'est la question qu'on qu se pose tous. C'est-à-dire que oui, l'envie de films, de contenu est, est toujours plus forte. Ça, c'est indubitable. Comme l'a rappelé Eric euh, ou, ou Julien, je ne sais plus. On sait que ceux qui, qui viennent voir des films en salle aussi les consomment beaucoup ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de... J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, on n'est pas les méchants, mais il n'y a pas de méchants en fait. Il y a toujours eu des nouveaux concurrents, il y a toujours eu des nouveaux modes de diffusion. Euh, ça a commencé par la télé, la vidéo, enfin je ne vais pas vous refaire tout ce que vous savez, mais aujourd'hui ce sont les plateformes, mais, mais ça ne change pas. Ça veut dire que c'est d'autres façons de, de voir les films, mais la salle, et on en est tous convaincus ici, reste le... Ce qu'on appelle le gold standard euh, en américain, c'est-à-dire l'écran le, le, euh, doré euh, qui fait d'un film un film de cinéma, euh, voilà. Et donc la vraie question, c'est que probablement euh, phénomène accéléré, sûrement par le Covid, mais qui était déjà euh, naissant avant, hein, puisque les plateformes sont apparues. Euh, bien avant qu'on qu 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 prenne ce choc, euh, c'est est-ce que demain, le public va venir voir les mêmes films qu'avant en, en salle ou autant de films qu'avant en salle euh, ou, ou est-ce qu'il va répartir sa consommation entre les films qu'il ira voir en salle et ceux qu'il verra ailleurs. Et c'est là que ça change, parce qu'aujourd'hui, on voit bien. Ce que faisait un petit peu déjà la télévision, mais ce que font encore plus les plateformes, c'est qu'il y a une production spécifique pour les plateformes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est moins qualitatif ou plus euh, ou que sont forcément que. Que des, des petits films là et des gros films ici non pas du tout ça veut dire qu'il y, y a je pense de plus en plus les, les spectateurs vont se dire bah, ce film là je veux aller le voir en salle alors on l'a dit précédemment oui il y a les grandes productions qu'on veut aller voir peut-être dans des salles premium etc mais il y a aussi des films il y aura, moi je suis convaincu qu'il y aura toujours des films d'auteur parce qu'ils ont un angle c'est la grande trouille hein. est-ce que oui. tout ce cinéma indépendant il va Yeah. <laughs> se non, retrouver je, sur une plateforme non, parce qu'il n'y aura pas. plus l'espace euh, en salle Non, je ne je, je crois pas du tout. D'ailleurs, la preuve qu'on ne le croit pas, c'est que nous investissons aussi dans les, dans les films français, comme Xavier l'a rappelé. Hein, les, beaucoup de studios euh, euh, investissent aussi dans les films français, croient au potentiel des films français en salle. Mais je crois qu'on se pose tous de plus en plus la question à chaque fois qu'on lit un scénario, qu'on vient nous proposer un projet, est-ce que ce film euh, va attirer le public en salle, et, et c'est ça. Et avec tout le, effectivement tous les investissements qu'on doit faire pour ça, tous les efforts, euh, il faut de plus en plus se poser euh, cette question. Euh, et, euh, et donc oui, parce que et notamment et on l'a dit pour les jeunes, mais c'est valable pour pour l'ensemble des publics. Donc je crois que c'est là que vraiment se situe aujourd'hui euh, le point d'achoppement. Euh, évidemment, si on avait la réponse, euh, on serait tous euh, euh, très très heureux et, 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 et tout irait très bien facilement, mais c'est pas le cas. Et ça n'a jamais été le cas en fait dans, dans le cinéma. On n'a jamais su à l'avance, comme disait Cocteau, euh, il y a des recettes pour le succès, mais nous ne les connaissons pas. Euh, voilà, et c'est toujours le cas. Donc on essaye d'anticiper justement ce que vont euh, vouloir les spectateurs demain. On ne connaît pas forcément les recettes, on peut connaître les consommateurs. Je me souviens d'une phrase de Bob Iger il y a 3 ou 4 ans, non, peut-être 5 ans. Euh, Jean-François, Fred sont dans la salle pour me dire, où euh, il disait Star Wars 7 sort, je ne sais toujours pas qui a vu les 6 premiers. C'est-à-dire que l'industrie du cinéma et le plus grand studio au monde étaient euh, Myop ou, ou Borgne, faute de data. Et puis on a vu qu'en 3 ans à peine, avec Disney euh, Plus, non seulement il y a 100 millions d'abonnés, c'est aujourd'hui un tiers de la capitalisation du studio. Hein, donc c'est 100 milliards sur les 300. C'est pas neutre l'impact. Donc dans les économies globales, bah, effectivement c'est quelque chose qui, qui rentre en ligne de compte. Et là pour le coup, on sait tout sur le consommateur. Et je pense qu'au niveau des, des exploitants et de la famille du cinéma, c'est vraiment le moment de mettre les choses plus en commun avec sans doute des, des tiers de confiance. Mais cette, cette, cette data à partager pour ceux qui défendent. Enfin là, c'est une conviction personnelle, hein, mais c'est qu'il y a et on l'a vu dans la télé avec les plateformes, les plateformes qui étaient ou les chaînes qui étaient concurrentes hier se sont toutes mises ensemble en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est inéluctable. Il y a plus de choses qui vous rapprochent que de choses qui vous qui vous séparent. Isabelle, pour les producteurs indépendants locaux. Comment se, se fait cette euh, C'est quoi le nouvel équilibre? On a effectivement ces grandes plateformes, Gaumont l'a vu avec Lupin, on, on a fait un succès mondial et, et, et a montré Paris euh, sous de beaux atours avec, le, avec Omar, si. Euh, Qu'est-ce qui, pour les producteurs aujourd'hui, euh, vous, vous donne des raisons d'espérer ou, euh, ou un gros stress oui, euh, déjà, je voudrais juste souligner pour ceux qui ne connaissent pas l'UPC, donc c'est le syndicat de producteurs le plus important. Et c'est aussi des producteurs qui sont à l'origine de beaucoup de films qui ont été cités auparavant, que ce soit Astérix, Adieu les cons Bac Nord ou Les Illusions perdues. Voilà, c'est souvent des projets aussi qui sont initiés et portés par des producteurs indépendants qui vont évidemment s'associer à des groupes qui ont une surface financière plus importante. Donc voilà, c'était juste pour remettre en perspective parce que, Maillon de la on, chaîne indispensable. On est, souvent, on est souvent très en amont, c'est-à-dire que c'est quand même nous aussi qui faisons beaucoup ce qu'on appelle le travail de recherche et développement pour trouver les nouveaux talents. C'est nous qui produisons les premiers films et deuxième deuxièmes films et parfois ces réalisateurs sont accompagnés par la suite, par effectivement des studios plus importants. Donc ça c'est un, un maillon très important. Euh, je voulais juste le rappeler. Euh, par rapport à votre question, euh, bah, l'arrivée des plateformes, effectivement, pour nous, euh, à la fois c'est une opportunité et à la fois on n'est pas dupes, c'est aussi un petit peu un miroir aux alouettes pour le moment. C'est-à-dire que quand on voit les montants, quand on, on voit la, la perspective, si vous voulez, de l'application du décret SMAT qui va réguler l'investissement des plateformes, euh, on a du mal à avoir certains chiffres euh, de, certains, de certaines plateformes, mais on est sur un montant global qu'on estime autour de 60-70 millions d'euros pour le cinéma euh, par rapport aux opérateurs existants, euh, que sont Canal, l'Aertienne, etc., où on est à plus de 300 millions. Donc il faut savoir de quoi l'on parle. Euh, après, ce qui est intéressant, et on s'est beaucoup battu pour ça et on a été suivi, c'est qu'il euh, y a toujours ce distinguo qui est fait, même pour l'investissement des plateformes, entre les œuvres audiovisuelles, c'est-à-dire même leur, leur unitaire, ce qu'ils appellent leur film qu'ils produisent, sont considérées comme les œuvres audiovisuelles. Euh, les oeuvres, leur investissement dans le cinéma passe obligatoirement par des œuvres qui vont sortir en salle. Et, et ce distinguo est très important pour nous, euh, parce, que parce que la salle est très importante pour nous. Euh, donc, c'est une garantie qui était, qui était capitale. Donc voilà. Après, on est en train de, on participe tous aux, aux négociations pour essayer de, effectivement, de, de garantir euh, notre indépendance et aussi, euh, et aussi notre capacité d'investissement dans, dans les futurs projets. Merci Isabelle, c'est très clair et, euh, et c'est vrai que il faut souvent. Alors, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour la télévision. Euh, des, des années de efforts et de refus euh, je crois que le, le créateur de squid game s'est fait refuser pendant dix ans son projet hein. euh, pareil pour euh, d'autres grands, grands films ou grandes séries il faut beaucoup de résilience et de ténacité et je crois que par rapport à, aux valeurs qui vous sont propres en tout cas que vous exprimez publiquement le créateur euh, le poids de justement du producteur indépendant euh, et, et la nécessité de cette diversité de, de voix et de, et de talents est quelque chose qui est au, au cœur de, des ambitions du projet euh, et où on est où pour la salle parce qu'il y a encore beaucoup de discussions avec tous les tous les acteurs de cette chronologie des médias notamment pour pour Smad. c'est plusieurs questions. <laughs> euh, la chose très positive que je vois, euh, c'est que déjà tout le monde se base sur le contenu. Euh, et donc ça veut dire qu'on remet quand même le créateur, l'auteur, le scénariste au cœur de cette bataille. Et c'est quand même une opportunité euh, qui me semble formidable euh, et qui fait beaucoup espérer aussi parce que justement ce vivier-là, il existe en France. Euh, et je crois que c'est peut-être le, le point de départ aussi qu'on pourrait, qu pourrait se donner. Ensuite, il y a ce que nous, on a essayé de cadrer dans la loi. Et puis ensuite, il y a les décrets. Et puis ensuite, il y a des négociations interprofessionnelles. Il y, y a plein de, de niveaux euh, quand on parle de cinéma et d'audiovisuel. Ce que nous, en tout cas, on a défini dans la loi comme étant des, des lignes rouges dans la manière avec laquelle on a euh, transposé, mis en application les, les directives, c'était un, qu'il n'y ait pas de confusion, comme tu l'as dit, entre euh, la production dans le cinéma et l'audiovisuel. Certains voulaient qu'on fusionne les obligations qui étaient faites euh, aux, aux plateformes. Euh, et de facto, alors ça aurait peut-être été conjoncturel, mais de facto, aujourd'hui, on sait que ça aurait été au détriment du cinéma. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, les choses auraient été différentes. Mais aujourd'hui, c'était une évidence que si on fusionnait les couloirs de financement cinéma et audiovisuel, ça se serait fait au détriment du cinéma. Et ça, c'était hors de question pour nous qu'on puisse fusionner euh, et avoir un, voilà, un seul, une seule obligation de, de financement. La deuxième chose, c'était sur la réaffirmation euh, de ce que nous, on considère être essentiel sur la production indépendante et le refus de confondre euh, le producteur délégué avec le producteur exécutif. Et de la même manière, ça, on a pu dans la loi reposer cette définition de ce qu'est un producteur délégué. Parce que si les obligations des plateformes ne sont finalement faites que d'éléments d'achat de catalogue euh, ou euh, que euh, produites en interne, alors en vérité, toute l'architecture tombe et toute l'ambition qui était celle de la directive peut tomber. Après, je tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, il faut être conscient des obligations de financement. Alors, c'est évidemment une opportunité extrêmement importante dont les acteurs français vont pouvoir s'emparer. Et je crois que des garde-fous clairs, comme ceux que je viens de rappeler, ont été posés. Malgré tout, on parle en effet de sommes euh, qui ne vont pas résoudre euh, la question générale du financement du cinéma et du cinéma français. C'est pas vrai. Euh, et on n'en a pas encore parlé. Je pense que des questions se posent sur l'avenir de Canal. Sur, bon, je ne sais pas si vous en parlerez aujourd'hui ou pas, euh, mais ces questions, elles sont quand même essentielles. Elles sont essentielles sur l'avenir de ce que va être le financement de la création et du cinéma dans notre pays. Parce que on ne peut pas juste espérer que les plateformes viennent en compensation euh, ou l'audiovisuel public, parce qu'en vérité, les sommes qui ont été dites, c'est à peu près le, vo le volume de financement euh, de France Télé euh, qui va être apporté en complément par les SMAD. C'est à peu près ça le volume. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus avoir le luxe de perdre celui qui a été le financeur, en tout cas c'est ma position originelle et historique euh, du cinéma français ce qui veut dire aussi qu'il faut être très vigilant sur la manière avec laquelle on fait rentrer les semaines dans la chronologie des médias au risque sinon euh, je pense donner beaucoup d'arguments à Canal+ pour qu'il estime qu'il aurait perdu beaucoup de ses avantages compétitif, comparatif, euh, et qu'en tout cas, alors, soit, certains diront que ce serait une opportunité pour lui de partir, d'autres une excuse, je ne sais pas, mais je, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce serait une bonne nouvelle et une belle opportunité pour le cinéma français et pour son financement de long terme. Euh, et sur euh, ensuite la, la chrono des médias, elle relève très peu de la loi, en vérité, hein, c'est uniquement sur la partie VOD que ça relève de la loi. Et il a toujours été dit qu'on préférait de toute façon que ce soit une négociation qui puisse exister, qui puisse l'emporter, que si la négociation n'aboutissait pas, alors oui, la loi pourrait reprendre ses droits. Mais je pense que c'est le propre de ce qui doit rester dans la négociation entre vos fédérations, la négociation interprofessionnelle. Et moi, ce que je dis juste, c'est ce point d'alerte, euh, parce que je ne veux pas, en effet, que, que l'architecture qu'on a essayé de poser, qui a été une vraie bataille euh, de plusieurs quinquennats hein, pour aboutir à, à cette directive, donc de plusieurs gouvernements, donc la question, elle n'est pas juste politique, c'est dire que cette ambition française sur l'exception culturelle française, sur la manière avec laquelle on doit financer le cinéma et l'audiovisuel, sur la manière avec laquelle on doit obliger les plateformes à financer dans les pays dans lesquels elles exploitent, c'est un combat euh, qui, a, qui a duré, qui a perduré et qu'on a réussi. Euh, mais on ne le réussira que si les, la boîte à outils qu'on met en place, chacun sait s'en emparer, notamment maintenant dans les négociations interpro qui vont exister, même si elles ont toujours existé, mais disons qu vont, qui vont prévaloir, et notamment sur la question de la chrono des médias. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, la part de films français. Est quand même assez incroyable d'avoir tenu cette part-là du cinéma français en, en, en montant total des, des entrées. Ce n'est pas, pas anodin. Donc, on est dans une maison qui a beaucoup contribué, euh, de par des dispositions qui étaient sans doute vues comme lunaires euh, à l'époque, lorsqu'elles ont été annoncées. Et, et je ne pense pas qu'il y, y ait beaucoup de pays qui nous aient précédés, et sans doute beaucoup qui nous ont, qui nous ont suivis. Donc, euh, parfois, il faut, il faut effectivement euh, arriver sans passer pour des ringards euh, à, à, à tenir des, des positions. Euh, euh, Ardavant, sur ces sur ces questions, là justement euh, qu'est que ça qu'est ce que ça change pour pour, pour Pathé film et, euh, et, et comment euh, vous justement vous considérez dans ces nouveaux équilibres euh, la vie en salle la vie euh, euh, avec vos partenaires historiques que ce soit des chaînes payantes ou des chaînes en clair services publics ou chaînes ou chaîne privées euh, évidemment les plateformes C comment est-ce que un studio comme, comme Paté euh, pilote ces nouveaux arbitrages? Euh, vous avez deux heures euh, alors pour reprendre la base je reviens sur ce que disait Isabelle euh, sur la, le rôle du producteur indépendant et effectivement le, le cinéma français en tout cas repose toujours sur, 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 sur deux jambes qui était d'abord euh, la diversité, euh, la capacité euh, de notre euh, mécanisme de financement, donc pas seulement CNC, mais, le CNC en premier, mais aussi les chaînes de télévision et Canal, en premier, de soutenir des nouveaux talents euh, et des nouveaux films. Parce que si aujourd'hui Julia Ducournau, Audrey euh, Diwan, euh, hier Michel Zanavicius et d'autres ont eu des prix dans les grands festivals ou font des succès, euh, c'est aussi parce que ce système est en place et qui permet le renouvellement des talents. La euh, deuxième jambe étant euh, celle que je décrivais au, au, lors de ma première intervention, euh, où, où un garçon comme Guillaume Canet a commencé euh, grâce à ce système et peut faire un astérix aujourd'hui et nous permettre de faire un astérix aujourd'hui. Euh, et c'est indispensable que ce système reste en place, quel que soit l'arrivée, euh, le, le mode d'arrivée euh, de, de plateforme ou d'autres. Euh, et c'est pour ça que je rejoins aussi Aurore euh, sur, sur ce sujet, c'est que la place de Canal+ a toujours été extrêmement importante. Et il faut qu'elle le soit demain. Parce que c'est un, un acteur incontournable, indispensable pour, pour garder ses deux jambes bien, bien sur terre. Euh, nous, on a été très bien accompagnés sur les gros films, par exemple récemment. Alors en l'occurrence, c'était plutôt OCS que Canal, mais, mais Canal a aussi accompagné d'autres films comme, euh, comme Astérix. Euh, et les chaînes RTN, que ce soit TF1 ou M6 pour ces gros films-là, ou France Télévisions pour d'autres, font très bien ce travail d'accompagnement des talents, que ce soit pour les films d'auteurs plus exigeants, les premiers films, les deuxièmes films, ou les très gros films il euh, y a un risque de déséquilibre. Évident. Euh, L'arrivée des plateformes n'est pas juste une arrivée d'argent. Quand un, quand un système a un volume d'argent déjà disponible et qu'on lui rajoute de l'argent au milieu, c'est rarement pour garder le même, le même volume global. Euh, ou alors... Euh, ou alors on, on s'est mal compris, parce que je pense que... Dans le football, ça n'a pas marché super bien. Non, c'est <laughs> un, un, un mauvais exemple pour moi aussi, mais, mais euh, euh, il, il, cet argent-là, euh, il va être indispensable pour compenser d'autres choses, mais les plateformes ne sont pas un Eldorado. Et euh, certains de ces films, euh, des premiers films, des deuxième films, des films plus exigeants, des films d'auteur qu'on défend aussi nous euh, chez Pathé euh, sont, sont pas forcément les films demandés euh, expressément par les plateformes. Euh, donc on a besoin quand même d'avoir un soutien massif euh, et, et constant des, des acteurs originels de la création et du de la, de la financement français mais les plateformes sont un, un instrument extraordinaire euh, pour continuer à, à gagner en ambition sur les films français parce qu'il c'est quand même un afflux d'argent sur certains films et c'est un, un outil extraordinaire pour la diffusion des films dans le monde entier euh, quand on a fait un film comme le chant du loup qui, euh, qui a été acheté par Netflix pour une fenêtre en France après à 36 mois et certains territoires dans le monde dont les États-Unis. Jamais on aurait rêvé de faire des millions de vues aux États-Unis sur un film français dans un, dans un schéma classique. C'est Netflix qui nous a permis ça. Et euh, il faut euh, les prendre comme ils sont, c'est-à-dire c'est des nouveaux partenaires euh, avec un autre modèle, d'autres envies et c'est à nous de nous adapter aussi parfois à ces envies-là, à faire d'autres choses. On va continuer à faire ce qu'on fait très bien, mais il faut aussi utiliser ces outils euh, extraordinaires qui sont les plateformes pour la diffusion de nos films euh, dans le monde entier. Parce que je pense qu'un Lupin, c'est pareil, hein, je, même si c'est pas un film de cinéma, c'est une série. Mais le, ça, ça donne de la valeur quand même à la création française, le fait que ces créations soient exportées, soient vues dans le monde entier, euh, grâce à eux. Ariane, justement, sur, euh, en, en revenant aussi au, au, au pouvoir des histoires et, et, euh, et la capacité que l'on a à à créer des, des blockbusters, est-ce que, est que demain, on peut imaginer que Gaumont refasse le coup d'un lupin au cinéma et, et créer une histoire avec, euh, dans le cas de Lupin, il y avait un showrunner qui était britannique, il y avait évidemment un cast, un cast français, etc. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose Vous avez eu beaucoup de succès historiquement avec, avec Netflix depuis Narcos et, 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 les, et les premières séries, donc ça, ça fait partie d'un développement important de Gaumont. Est-ce qu'au niveau cinéma, il est possible de créer, selon vous aujourd'hui, des blockbusters à partir d'histoires françaises euh, depuis une major française non, mais je pense que c'est totalement possible et, et probablement au bout d'un moment nécessaire. Quand on, quand on discutait, j'entendais tout ce qui a été dit ce matin euh, sur la place de la salle. Je pense que ça commence en effet à partir des scénarios, des, 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 de tout le travail. Euh, euh, qui est fait en amont et que nous devons beaucoup plus travailler les films que nous choisissons pour la salle et pour autant les autres ne sont pas euh, à mettre à la poubelle parce qu'il y a des choses absolument formidables et c'est là où la complémentarité euh, va se mettre en place. C'est-à-dire que nous-mêmes quand on lit, de temps en temps on peut se dire... Tel film peut être un événement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, tel film peut être un événement en salle et on doit l'accompagner et lui donner ces moyens-là. Je rappelle que pour, pour parer à un manque d'investissement depuis quelques années, on nous demande aussi... Euh nous, euh, euh, grosse société, d'investir plus dans les films dans un marché un petit peu plus lent. Donc, euh, nous devons aussi porter un regard euh, euh, d'investisseur en se disant est-ce que tel film peut aller en salle chercher ce public Ou finalement, est-ce que tel film a vraiment de quoi exister, mais peut-être sur une plateforme On, on, on a. Euh, on a, pendant tous ces mois de fermeture où tout le monde pensait qu'on allait tous négocier avec les plateformes et que tous les films de cinéma allaient partir pour les plateformes. Alors, non seulement d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, les plateformes ne désirent pas tous les films. Euh, mais encore une fois, très peu y sont allés. Nous, on l'a fait sur un film d'Olivier Marshall, Bronx. Et, et pour reprendre ce que tu viens de dire, je pense que Bronx, euh, euh, en septembre dernier, euh, date à laquelle il, il aurait dû sortir, a eu du mal probablement euh, à trouver dans ce marché très compliqué un public. Et, et, et Netflix lui a donné une, 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 caisse une caisse de résonance dans le monde qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je me souviens il y a quelques années, les réalisateurs, l'idée d'aller faire de la série télé euh, euh, était une honte. C'est-à-dire qu'on faisait de la pub, on faisait du cinéma, mais surtout pas de la télé. Aujourd'hui, je, je pense que tous les réalisateurs seraient prêts, à condition qu'ils qu aient un moyen d'expression et que, et que l'approche artistique ne, ne soit pas remise en cause, d'aller pouvoir travailler pour une plateforme. Donc je crois vraiment à une complémentarité et je pense que c'est notre rôle à tous aussi que les films qui soient plus choisis pour l'un ou pour l'autre soient adaptés à ce marché-là. Enfin, je suis intimement persuadée que dans notre regard et l'implication qu'on doit avoir, et ça passera par là, nous devons aussi parfois se dire, on sort d'une époque où, où on produisait des films il y a 20 ans, on parlait à tout le monde, on prenait un, un gros casting, un scénario pas toujours... Euh, Travailler jusqu'au bout, on va dire, et on se disait on a notre financement, on a un gros casting, un, un, voilà, un gros acteur, on est sur un faire. scénario qui marche, et ça le faisait. Le fait est que ça le faisait. Bon, bah, au fur et à mesure, ça ne le fait plus, d'abord parce que le public n'est plus dupe, et puis parce qu'on s'est installé là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi à nous de, de, de nous remettre en question, toute la chaîne, et de se dire voilà. Quel est le film qui, qui, qui a la capacité d'aller déclencher Parce que pour ceux qui n'ont pas de carte, et pour les cinémas premium et pour les jeunes, tout d'un coup, quand il faut commencer à les payer 15 euros, il va pas pouvoir le faire deux fois dans la semaine. Donc, il y a là aussi à nous d'aller apporter cette plus-value et d'aller apporter ce petit plus. Donc, je pense que c'est aussi, et il n'y aura pas de honte à le faire, de dire pour certains scénarios et certains films, peut-être que celui-là trouvera mieux son public sur une plateforme, quelle qu'elle soit, euh, on on s'est tous dit, dans des films qu'on a vus, c'est digne d'un téléfilm pour telle chaîne. Bon, bah, ça, il faut arrêter de le dire comme ça parce que c'est négatif. Mais en revanche, se dire celui-là sera plus à l'aise et sera plus en son élément sur une plateforme quelle qu'elle soit et celui-là plus pour la salle, je, je pense qu'on y arrivera à, 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 à condition de prendre aussi nous nos responsabilités de financiers et, et de... Avant de rebondir sur Olivier, Isabelle, justement sur, cette, sur cette, ce, ce point-là et par rapport à la, à la jeune génération de, de créateurs, de scénaristes qui sont je crois quasiment tous ou en tout cas beaucoup plus à l'aise avec la langue anglaise. Ça aussi, générationnellement, c'est assez frappant. Donc une, une, une habilité et une plasticité et intellectuelle et culturelle. Il y a, il y a, vous pensez qu'il y a l'envie de créer des, des blockbusters au cinéma en langue française, sur des histoires françaises. Vous, vous en voyez passer, vous voyez des projets qui étaient très ambitieux. Et et à qui on a fermé la porte parce que euh, trop ambitieux, ça ne marchera jamais, ça existe encore? Je pense que c'est plus d'ailleurs à Ardavant et Ariane de répondre à cette question. Euh, Ardavant on faisait la preuve, c'est-à-dire qu'ils font les trois mousquetaires, ils font Eiffel et ce sont des gros projets euh, qui ont quand même aussi vocation à se vendre à l'international. Parce que même quand on met 22 millions euh, sur un Eiffel, on ne va pas l'amortir que sur la France. Donc, non, euh, après, a priori non, c'est pas le plan même, même, même si on compte sur, <laughs> on espère faire beaucoup d'entrées en salle et, et je leur souhaite euh, parce que le film sort bientôt mais, mais, mais oui il y a une vocation après comme je le disais euh, qu'on est en production indépendante euh, on, je, vais, je vais être très schématique hein, euh, mais si vous voulez faire un film au delà de 7 millions d'euros par rapport à la structure de financement en France et sur une, faire un film en langue française vous passez par un, un studio ce voilà, C'est à peu près ça. C'est-à-dire que si, par rapport aux histoires que vous voulez raconter, si vous êtes sur un budget en dessous de 7 millions, vous pouvez y arriver en pur indépendant, avec un distributeur indépendant, en ayant, en faisant ce qu'on appelle le grand chelem de financement, en ayant l'avance sur recettes, les régions, Canal ⁇ une RTN, etc. Mais c'est très très difficile, vous avez une sorte de plafond. Euh, voilà parce que, parce que si vous avez besoin de raconter des histoires qui nécessitent plus de moyens, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va s'associer à vous et qui va pouvoir, ce que disait Ariane aussi, sans doute prendre euh, des risques plus importants fait, ce qui n'est pas choquant. Ce n'est voilà, pas, un... pas grave. C'est pas grave. Il y a des très belles histoires qui peuvent se, rac... qui peuvent se raconter à moins de, à moins de 7, ah, de 7 millions. C'est hein, le, l'essentiel. Le on parlait de Titan, c'est un film qui est de... en qui a... Qui a... Qui a pur indépendant. Euh... Enfin, L'événement voilà, euh, également, euh, qui vient d'avoir en d'or. Euh, euh, donc c'est tout à fait possible. Tout dépend de la, 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 de la narration. Et surtout, nous, notre travail aussi, c'est d'accompagner un désir de cinéma d'un réalisateur et d'un auteur. Donc euh, on sait aussi quels sont les partenaires euh, qui peuvent euh, euh, nous accompagner pour, pour rendre justement euh, cette vision euh, concrète et possible. Et, et par rapport à la, à la question qui a été posée en tout début de, de table ronde sur euh, les jeunes au cinéma, et je trouvais très intéressant ce que disait Christophe, sur, c'est surtout les 20-24 qui ont dévissé. Euh, mais, mais pas les autres, hein, si, on, si on se donne un peu de, de temps long. Euh, comment est-ce que. Parce que cette, cette, cette population-là, elle, elle est quand même clé. Et là, la capacité, non pas à avoir trois films, mais quatre, cinq, six, sept, ça, ça, ça peut effectivement changer, changer la donne. Et ils sont prescripteurs. Et culturellement, ils ont un impact très fort. Euh, Olivier, euh, euh, qu qu'est-ce qu que Warner a euh, à, à dire sur ce public-là vous, vous les avez avec vos blockbusters. Euh, quand il s'agit de production, Française, est-ce qu'ils sont toujours prioritaires Ou est-ce que vous dites non, finalement les jeunes, c'est les plateformes euh, voice-over Non, ce n'est pas une question d'être prioritaire, parce qu'évidemment, ça dépend des films. Hein. Euh, chaque film a une cible qui peut être différente. Et, et il ne s'agit pas de faire que des films pour les jeunes non plus, mais il faut que, effectivement, les jeunes aient envie de venir régulièrement au cinéma. Et, et on l'a dit, effectivement, je rejoins ce que disait Christophe, je pense que c'est plus un problème de fréquence de, de venus en salle, problème. On est, ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, parce que d'abord, évidemment, leur temps se, et leur budget se partagent aujourd'hui avec d'autres choses que, que le cinéma. Donc, euh, on doit faire face nous d'abord à cette concurrence là. Et après, donc, tout a déjà été dit. Hein, c'est évidemment quel film on va leur proposer. Euh, alors évidemment, les Américains qui ont eu traditionnellement un public plus jeune. Euh, ont une production qui s'adresse en priorité à ce public jeune alors qu'en France on a traditionnellement un public dont l'âge moyen est assez élevé et donc assez naturellement les productions s'adressaient en priorité pour ce public plus plus âgé mais on a vu aussi euh, euh, dans le... Et puis ça venait aussi du système de financement qui longtemps aussi privilégiait plus la diffusion télé que la diffusion en salle. Ça a changé depuis quelques années. La production française fait des films qui, qui savent, qui sait toucher les jeunes, hein, on l'a vu, euh, avec aussi des stars qui plaisent aux jeunes, parce que ça c'est important euh, aussi, c'est d'avoir des, des acteurs. Euh, qui, qui vont attirer les jeunes et donc de renouveler les talents et ça ça passe aussi par effectivement des premiers films des, des nouveaux des nouveaux talents qui émergent qui peuvent émerger aussi ailleurs aujourd'hui dans les séries euh, on le voit aussi euh, et puis après il y a notre travail de d'éditeurs distributeurs euh, qui est justement d'aller investir vers ce public d'aller euh, innover dans la façon de communiquer tout ça on l'a dit c'est tiktok c'est ouais. euh, voilà, TikTok, c est, c est, voilà et, et, et comment aller essayer de les convaincre de venir et de nous consacrer un peu de, de leur temps précieux voilà c'est tout l'enjeu alors, mais... je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a aussi quelque chose en France qui est propre à la France, c'est ce problème de reconnaissance. En France, on fait un cinéma d'auteur, on est reconnu comme un artiste, comme ouais. un auteur. On fait un film comme Philippe Lachaud en fait, on n'est pas reconnu parce qu'on fait un film populaire. Et je pense que c'est une grosse différence avec les Américains, où eux ont toujours assumé, et d'ailleurs les acteurs ont cette capacité d'aller faire un petit film d'indépendant en prenant ouais, un, un salaire très bas et d'aller faire un gros film euh, très populaire. Et et pourtant, son image n'est pas abîmée. En France, je ne suis pas sûre que Philippe Lachaud soit reconnu euh, par. Euh, voilà. Alors, quand on dit qu'il faut faire des films pour jeunes, nous, on aimerait que les jeunes, ça soit le public d'illusions perdues dans 15 jours. Mais on sait bien que le, le, la majorité du public ne sera pas les 20-24 ans. Ce n'est pas avec ce film-là qu'on va les ramener, même si on fait tout un travail euh, euh, auprès des scolaires et tout ça. Mais ça ne sera pas la, la masse. Le problème, c'est que. Les, les jeunes réalisateurs et les jeunes auteurs qui ont envie de se lancer dans le cinéma ont aussi envie tout de suite d'avoir une reconnaissance et la reconnaissance ça passe par le cinéma d'auteur et, et notamment non mais quand je, au César on a mis des années à faire en sorte qu'un film un, un peu comédie soit reconnu comme un film alors que le cinéma c'est l'ensemble des œuvres. Et que pour pouvoir faire des films de qualité pour jeunes, faut-il aussi que les jeunes talents aient envie d'avoir la reconnaissance qui va avec. C'est un, un élitisme que l'apprentissage dans un autre secteur a eu à peu près les mêmes blocages. Et on voit qu'il y, y a un moment donné, on peut dépasser ces espèces de, 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 de conceptions quand même un peu, un peu datées. Hein. Mais Coluche qui devient comédien avec Chao Pantin, c'était il n'y a pas si longtemps, on a toujours Louis ouais, enfin Funès, le même exemple. On, on, on enfin, voilà, en parle etc. encore etc. de Coluche dans de Chao Pantin, ce qui prouve, et ce n'est pas hier. Hein. Donc ouais. quand même, nous, on, on, on nous dit, vous, Chez Gaumont vous faites des comédies. Non, on fait aussi Mathieu c'est Il y, y a quand même un travail qu'on qui, 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 qu doit faire dans ce pays où on a du mal à avoir une reconnaissance pour tout le cinéma, pour tout ce qu'il représente. Bon, je vois bien que c'est la petite musique. Oui, oui, mais en, 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 et en tout cas. <laughs> mais, mais la France, c'est aussi faire rire à l'international. Enfin, vous vous baladez, on vous parle de Call My Agent. Euh, alors, ce n'est pas un film, c'est une série. Mais il y a quand même. Et alors que ces publics internationaux ne connaissent pas un acteur ou un caméo, ils se marrent quand même. Et euh, je crois que le, la pandémie a en tout cas euh, accentué un élément c'est le désir de France à l'international, les gens qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu venir dans notre pays, je peux vous assurer qu'ils ont envie d'un bout de culture française. Donc bonne chance pour Eiffel, pour les trois mousquetaires, merci Astérix beaucoup, et, les, et les autres. Julien, c'est vraiment passionnant. La prochaine fois, que je voudrais écrire un bouquin. Je vous inviterai d'abord au lieu de faire l'inverse. Mais bon, et merci en particulier Dominique d'avoir accepté. Dès le début de bloquer, il y a quelques mois, ta date du 8 octobre, en n'ayant aucune idée de ce qui se tramait. Euh, voilà, t as souvent été présent quand j'ai besoin de toi. Euh, J'étais en particulier très content euh, d'entendre euh, dans cette table ronde passionnante parler pas mal des scénaristes. Et je vois euh, dans la salle euh, le rédacteur en chef d'Allociné, le directeur euh, donc Yohann sardé, un des deux rédacteurs en chef, et Mohamed Belmazza qui, qui discute au fond de la salle. Mais qui, quand il n'est pas en train de discuter, est le directeur produit d'Allociné, et qui ont tous les deux œuvré à la mise en avant des scénaristes, qui leur a valu, pour Allociné, la remise d'un prix il y a quelques semaines du Schmuck par l'association Séquence 7, qui est une, une, une association qui euh, accompagne les scénaristes émergents et euh, qui a voulu reconnaître euh, le, par ce prix, qui est le, le prix qu'ils remettent chaque année, l'attention particulière que les équipes d'Allociné, éditorialement et, et du côté produit, à la profession de scénariste, euh, dont on est convaincu qu'elle est au cœur euh, de tous les projets. Donc voilà, c'était l'occasion de ce petit coup de chapeau. Euh, petite page, petite page d'histoire, juste pour euh, se dire euh, finalement quand on sort de moments euh, très importants, est-ce que, est que le cinéma est futile Maintenant, le cinéma n'est pas futile. Le cinéma, c'est aussi ce qui nous ramène tous ensemble et euh, dont je vous ressors. Euh, des, des pages de box-office au milieu de la Seconde Guerre mondiale ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui montraient à quel point euh, le, le cinéma a un rôle clé pour nous aider à former ensemble une société. Et donc, euh, après tous ces échanges passionnants, euh, je, en réfléchissant au programme, je me suis dit que ce serait quand même un peu dommage de ne pas parler aussi et de ne pas terminer, surtout, par une réflexion sur comment le cinéma change le monde. Et comment le cinéma... À sa mesure, va nous permettre de repartir dans le bon sens. Et j'ai voulu, voulu faire de plusieurs manières. Donc, avant d'inviter nos, nos panélistes à nous rejoindre, moi aussi, j'ai un conflit d'intérêt. Je vais vous parler d'une salle qui est particulièrement chère à mon cœur, une salle américaine, dans une ville où box office, la box-office compagnie est installée, dans le Connecticut, s'appelle le Prospector. J'ai un conflit d'intérêt parce qu'ils viennent de me demander de rejoindre leur conseil d'administration. suis très fier et je vous invite à découvrir ce petit clip pour savoir ce que, est que le, ce cinéma qui m' cinéma favori. Americans finally are returning to theaters this summer season thanks to vaccines and movies like a Quiet place 2, Cruella and this weekend's highly anticipated in the heights. For my money, there is not a better place in the country to watch a movie and to meet the staff than at the extraordinary theater Harry Smith visited, for our Sunday spotlight. The great emergence. No, not that one. Us coming out of our respective COVID cocoons. It is indeed a big deal. Celebrity interviewer TJ works the crowd. What movie are you guys seeing? I'm seeing the scary one. For patrons and for employees of the Prospector Theater in Ridgefield, Connecticut, opening again was a reason to celebrate. <laughs> Emily has worked here for more than five years. I haven't been in person in fifteen months, and I'm so happy to be back. Yeah. It's so exciting. The staff here is tight knit. People who identify as having a disability are the rule here, not the exception. The best part about working here is I love working with my friends and family. You feel like folks here are? Family. Oh yeah, definitely. Our team are like family to me. Yeah. There's no place like home. Everybody a family whose ever exuberant matriarch Val Jensen founded this place. Meaningful employment is life, meaningful employment is happiness. Jensen worked with adults with disabilities for years. She knew they could exceed expectations. When you give somebody a purpose in life and a mission, it makes life that much better. Thank you. <laughs> if you're a customer at the prospector, you will quickly grow accustomed to a first-class experience. we need more employers to understand how to speak to people with disabilities, how to make accommodations. sometimes accommodations are so simple. sometimes the employees bring their own accommodations. i'm allie wood, and i'm an usher and a projectionist. fantastic. right. Huh. Wow, how long have you used that? All my life, pretty much, but since college with the iPhone and the app. Allie and the rest of the staff here have a message to share. And I help show our country that adults with disabilities are more than capable of having a job and being successful. I can speak in front of people just like anybody else. That's right, That's right. I got that. You, you gave me goosebumps. Yeah. <laughs> so stop with the streaming and binging already emerge i think a lot of us right now are going to feel like the butterfly the world can be that much more magical at least i feel like a butterfly <laughs> come back people please come back we love to see you we do for sunday today harry smith ridgefield connecticut we have been to the prospector many many times it is a truly wonderful Voilà, donc ça c'est euh, mon rêve en plus de vendre plein de bouquins, mais en fait mon vrai rêve, c'est surtout qu'un jour on ait aussi notre prospecteur à nous, mais ça va peut-être venir. Euh, je vais maintenant euh, pour euh, cette dernière table ronde laisser entre les, les mains de notre rédactrice en chef de Box-Office Pro France, Marion Delic, trois invités euh, qui vont euh, nous permettre de réfléchir euh, au sens dans lequel nous allons repartir. Tout d'abord Anne Georget, qui est donc la déléguée générale de, du euh, festival. Du, document, du film documentaire de Biarritz, c'est qui est une, une experte reconnue de, du, des documentaires à impact et de, de, du rôle de l'impact. C'est bien, j'ai bien pitché, là, j'ai mis trop la pression. Mais, voilà. Ensuite, il y a, a quelqu'un qui, qui, qui débute dans le secteur et je me suis dit pourquoi pas lui donner une chance C'est Jean-François Camilleri. Et donc euh, Jean-François Camilleri qui, avec son nouveau magnifique projet EcoStudio, Studio, euh, a aussi des vraies choses à nous raconter sur le cinéma à impact. Et puis, j'ai voulu inviter Caroline Sénéclose, qui n'est pas réalisatrice ni distributrice, mais qui, qui a un projet magnifique, qui est le projet moteur, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent, que notamment cette noble maison du CNC connaît, et qui nous aide à découvrir comment les, les paillettes dans les yeux du Festival de Cannes peuvent aider à, à rendre le monde meilleur et, pas, et ne sont pas juste.. de la vanité. Voilà, je vous laisse pour cette dernière table ronde. Merci Marion. Merci. Alors, je, vais vous, je vous invite à prendre un micro, peut-être chacun. Merci, mais je, on est ravi de conclure cette matinée avec, euh, avec des sujets engagés, n'est-ce pas euh, Il y a une étude qui disait que la narration en fait, permettait de sécréter des hormones de la cortisol, donc euh, du stress, et aussi l'hormone de l'amour, n'est-ce pas L'ocytocine. Donc, et ces hormones permettraient de, 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 de nous engager à agir. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler du film d'impact. Et est-ce que justement, le film d'impact, je, je vais vous demander du coup la définition, votre définition du, du film d'impact. Est-ce que c'est un film qui va euh, encourager les spectateurs à devenir acteurs Et donc, je veux bien avoir votre définition du film d'impact et comment vous euh, il est important dans votre activité et dans votre engagement. Non, on va, on va, on va d'abord commencer par Anne, puisqu'ensuite on, on montrera aussi une petite vidéo de, de moteur. Euh, je pense que votre définition qui est de, de, qu'un spectateur devienne acteur, c'est pas mal pour une définition de, de film à impact. Euh, alors on pourrait se dire euh, film à impact, oui, c'est les films politiques, c'est pas nouveau. Des films politiques, il y en a toujours eu. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé euh, ces dernières années c'est une espèce d'horizontalité. Euh, ou euh, les nouvelles technologies, etc., ont fait qu'on est finalement mis en position de devenir acteur beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et j'allais dire des acteurs, pas forcément tout de suite des super-héros, mais des acteurs euh, effet colibri, euh, chacun à son niveau, à son, voilà, et, et de se mettre euh, petit à petit dans une dynamique d'action. Et ça, je pense que c'est typiquement quelque chose qui peut être déclenché, par euh, la vision d'un film euh, qui soit fiction ou documentaire euh, et qui tout d'un coup vous crée par son histoire par sa narration un lien très fort souvent d'empathie euh, ou de colère euh, par rapport à des thématiques où on va se dire oui moi aussi j'ai mon rôle à jouer ça ne veut pas forcément dire que le lendemain matin on se retrouve dans une zad, mais ça peut vouloir dire que le lendemain matin on fait plus attention à quelque chose ou que petit à petit on va avoir envie de, de s'impliquer. Très bien, merci Anne. Jean-François, euh, bonjour. La, la définition qu'on qu s'est fixée du cinéma impact chez Eco studio c'est très simple, c'est inspirer le changement et inciter à l'action. Donc ça revient à peu près à ce que tu as dit et ce que vous disiez. Euh, tout simplement en partant du principe que, euh, en sensibilisant grand public à des sujets qui peuvent être sur l'environnement, sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, les droits de l'homme, tous ces grands sujets sociétaux, euh, le, le cinéma ou les contenus en général peuvent, peuvent véritablement inspirer le changement. Mais ce qui est capital, et c'est ce aussi sur quoi nous travaillons, c'est euh, la seconde phase qui est incitée à l'action. Parce que c'est une chose de sortir d'un film en ayant été. Euh, euh, ébloui, bouleversé, inspiré, mais si on ne nous donne pas les clés derrière ou les outils derrière pour agir, ça peut être un petit peu peine perdue. Donc euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans les pays anglo-saxons sur lequel nous travaillons, euh, qui est de créer ce qu'on appelle des campagnes d'impact pour que euh, une fois que la sensibilisation a été faite, le public qui a envie d'agir Puissent agir, qu'on puisse les diriger vers des ONG, vers des institutions, vers des fondations, qu'on puisse leur donner des clés pour qu'eux-mêmes puissent transformer leur sensibilisation de, 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 des images qu'ils ont vues en quelque chose de, de, de quasi quotidien, en tout cas en action. De concret. Bien. Caroline, alors peut-être expliquer aussi, on va voir aussi une vidéo pour expliquer. Donc, c'est une façon d'aborder le cinéma, le, le, le film d'impact un petit peu différente. Donc, comment, comment, comment vous, vous le travaillez au quotidien et comment vous engagez Alors, c'est vrai. Bonjour et, et, et merci pour cette invitation. Je suis, je suis très émue d'être la seule association à bord de ce, de ce grand vaisseau du, du CNC et, et de ces discussions. Alors... L'impact pour moi, je pense qu'il passe vraiment par l'émotion. Et, et l'émotion est, est le facteur, à mon avis, qui donne le plus envie d'agir. À partir du moment où on est ému, à partir du moment où on reçoit quelque chose de fort, d'abord on s'en souvient. Euh, et ça, c'est très important. La mémoire est reliée à l'émotion. Et puis ensuite, on a effectivement envie d'agir. Alors, c'est très intéressant d'imaginer que quand on sort d'un film, alors je ne sais pas de quelle façon ça se passe réellement, est-ce est que quand on sort d'un film, on a le flyer d'ACF ou euh, de Handicap International en sortant d'un bonheur que je ne souhaite à personne, puisque je sais que vous l'avez... Euh, voilà, est-ce que, il se trouve que Samuel, euh, Samuel est, est, est le parrain de moteur. Donc, est-ce que justement, cette façon euh, de, de, de prolonger l'émotion, et le désir d'action passe euh, par, euh, par euh, voilà un fléchage, une, 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 un pouvoir de conviction supplémentaire sur le spectateur. En tout cas, à moteur, l'idée de base est de dire tous les jeunes sont des créateurs. Quand on a entre 14 et 22 ans, on a tous un smartphone dans la poche. On l'a vu dans les, dans les chiffres tout à l'heure. Et donc, on est en capacité d'être réalisateur. Et l'idée est très simple. Puisque vous avez smartphone dans votre poche, dites en une minute 30 qui vous inspire et pourquoi. Parce que ce lien intergénérationnel est tellement important pour se construire et parce que justement, comme on le verra peut-être, je ne sais pas ce que vous avez choisi, euh, la, 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 le fait de dire je t'aime à quelqu'un, de dire tu m'inspires ou je vous admire, on crée de l'émotion chez la personne qui reçoit ce message, mais on en donne énormément aux spectateurs. Alors aussi. on va voir effectivement euh, si on peut voir la petite vidéo de présentation de moteur pour euh, voilà, bien se rendre compte de quoi on parle. C'est-à-dire que tous ont gagné un souvenir identificatoire, c'est-à-dire que toute leur vie, ils vont s'identifier « je suis celui, celle qui a été invitée au Festival de le festival de Cannes n'accueille pas que les stars du cinéma dans le cadre du ils concours. Viennent de 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 toute la à Cannes, les lauréats ils du concours Moteur ont, ont découvert leur portrait fait par JR l'artiste. tout cas de le croiser ses portraits mais eux les 25 lauréats du concours 2019 de l'association Moteur pour l'égalité des chances eux ne les avaient pas vus. hier, ils les ont découverts. Alors ces jeunes ils ont entre 14 et 22 ans qui ont réalisé une vidéo avec leur smartphone sur une personne qui les inspire. Nous avons le plaisir d'accueillir les membres de l'opération Moteur avec nous Julie Bertuccelli, présidente du jury 2019, Samuel Lebihan, parrain de l'opération, Boris Cyrulnik, Memona Interman et Sébastien Paulin. Pour moi l'égalité des chances à travers moteur c'est vrai, parce que c'est l'idée de donner une consigne à tous les jeunes de France et après de les pousser et de les aider juste à travers leurs idées. Peu importe d'où ils viennent, peu importe l'âge qu'ils ont, c'est vraiment l'idée de, on voit que vous avez quelque chose à dire, on voit que vous avez une parole à, à donner, et ben, on va vous donner le microphone devant l'Assemblée. C'est vraiment de pouvoir se dire, euh, on a une jeunesse qui a envie, comment est-ce qu'on peut les pousser, comment est-ce qu'on peut les aider. Je m'appelle Angelica Cafo, et la personne qui m'inspire, c'est ma mère adoptive. Je m'appelle Merveille, et c'est mon père qui m'inspire. C'est Naila, mon ami. Ce qui m'inspire, c'est comment j'ai fait pour me relever après le harcèlement que j'ai vécu. La personne qui m'inspire, c'est ma mère. C'était une femme battue. Un inconnu que j'ai rencontré dans le métro. Le capitaine Paul Watson de Sea Shepherd. Bon, Fazil, mon meilleur ami. Et la personne qui m'a inspiré, c'est mon frère. Mon ami Sofiane. La personne qui m'inspire, c'est mon papa. Les à appris. C'est la douleur qui m'inspire. Engolo Kanté, un footballeur. Mon grand-père. Mon ami Théo. C'est William qui m'inspire, un éducateur. Ce qui m'inspire, c'est l'enfance. C'est ma grande sœur Nerina. Et ce qui m'inspire, c'est le courage des femmes battues. Donc là, effectivement, on peut se poser la question en quoi euh, le, 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 le film d'impact a besoin de la salle de cinéma, mais ici, dans ce cas précis, c'est effectivement la salle de cinéma qui va servir de, de relais justement à l'impact pour, pour l'intégration de ces jeunes. Donc c'est un petit peu dans l'autre sens. Alors c'est très gentil de poser la question comme ça parce que euh, ça n'est pas encore le cas, mais alors là je m'adresse, si, si vous me permettez, à tous ceux qui sont aujourd'hui présents dans la salle pour dire si demain on peut imaginer que ces petits films d'une minute trente, vous ne les avez pas vus, mais ce sont des pépites véritablement, euh, ils ont été choisis pour ça, ils n'ont pas été choisis pour leur qualité cinématographique, ils ont été choisis pour leur capacité à émouvoir à émouvoir dans, un, dans, un, dans, dans ce lien intergénérationnel qui nous construit tous. Si demain, on pouvait imaginer que ces petits films d'une minute trente allaient entre la pub et le film toucher le cœur des spectateurs et on le disait tout à l'heure on disait finalement est-ce qu'on voit assez les jeunes c'était le postulat de base du, du projet de l'association parce qu'elle est née au moment où moi j'étais rentrée à l'Observatoire de la diversité du CSA et on se posait tous la question en se disant comment faire, euh, comment donner un écho à la parole de ces jeunes donc leur donner un écho c'est leur proposer un projet et ce projet c'est moteur et c'est dire merci et dire je t'aime donc si le cinéma peut demain être un relais à ces paroles pour que justement les jeunes viennent dans les salles se voir euh, et dit ben voilà nous on y est dans les salles et c'est nous les réalisateurs et c'est nous qui avons dit merci à notre prof à notre coach à notre grand-mère à notre à notre voisin et, et voilà donc euh, donc merci de poser la question <laughs> dans ce sens là j'aurais pas sinon osé euh, Mais, sachant euh, que ça fait quand même écho effectivement avec le, le programme Jeune cinéphile aussi euh, qui est au cœur des, des discussions en ce moment puisque vous accompagnez aussi d'ateliers par de d'ateliers avec les jeunes le campus euh, et puis les jeux aussi donc ça' assez inspirant aussi pour animer animer la, la salle de cinéma oui, en effet, ben le campus, vous l'avez vu effectivement dans, dans cet extrait de film, le campus, c'est travailler l'éloquence, le slam, les, les rencontres inspirantes. Enfin voilà, c'est six jours, huit jours avec, avec des groupes de jeunes qui sortent de ces campus en confiance. Parce que l'idée aussi, c'est de travailler, puisque c'est un projet quand même d'égalité des chances, c'est de travailler sur les questions de diversité, de mixité sociale et bien sûr de confiance en soi, qui est peut-être un, un, une des choses qui nous manque le plus. En tout cas, les études le prouvent. Toutes les études Pisa le prouvent. Ce sont nos jeunes en France. Est-ce qu'il y a un lien entre le cinéma ou pas dans, ce, dans cette action Mais ce sont les jeunes français qui ont le moins confiance en eux parmi tous les pays européens. Donc, on est quand même euh, où est notre responsabilité et comment inverser cette, euh, cette donne Merci beaucoup. Et donc effectivement, on parlait, je voulais en parler un peu plus tard, mais finalement du jeune public, on voit que les films à impact, on l'a vu avec Anne aussi, on, sont vraiment aussi beaucoup portés par les jeunes. Et donc ça me, voilà, j'ai envie de vous poser cette question euh, comment euh, est-ce que la salle de cinéma a besoin des films d'impact je ne sais pas si la salle de cinéma a besoin des films d'impact. En tout cas, je pense que les films d'impact existent et, 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 et peuvent proposer des choses. Alors, ce n'est pas la nouvelle martingale. Hein, C'est du beaucoup de travail, l'impact. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, ce n'est pas comme ça un truc qui va tomber et qui va générer des milliers et des, des milliers d'entrées. Euh, C'est beaucoup du, du sur-mesure en fonction des thèmes, en fonction de l'écriture du film, en fonction de tout ça. Euh, mais c'est des films qui ont une vraie puissance de feu. Mais qu'il faut encore une fois aller travailler, c'est-à-dire que ça va, il va y avoir tout un travail d'accompagnement. Quand Jean-François disait, il y a des stratégies d'impact, c'est vraiment ça il faut, dont il faut prendre conscience, et il faut en prendre conscience très tôt en amont dans la production des films. Euh, alors je parle un tout petit peu plus d'expérience de, du de documentaire parce que je connais peu la fiction, euh, mais l'idée c'est pas de se réveiller euh, au moment de, de, de l'étalonnage ou du mixage en se disant ah tiens en fait c'est un super film qui pourrait parler de l'égalité des chances ou qui pourrait parler de la préservation de l'environnement. Etc, etc. On va faire une campagne d'impact. Non, ça, ça, vous êtes sûr que vous allez dans le mur droit devant. En revanche, quand dès le départ, non pas pour en influencer le contenu, puisque ça, c'est c'est autre chose, mais vous avez un impact producteur, par exemple, qui est vraiment un métier assez nouveau en France, qui existe euh, depuis au moins une quinzaine d'années dans, dans les pays anglo-saxons et qui aura préparé le fait qu'il y a tout un tas de distributions dans des communautés particulières, dans, des, dans le monde éducatif, ou dans le monde des prisons, ou dans le monde des hôpitaux, ou des maisons de retraite. Enfin, il y a plein de choses à, à inventer avec des, des projections un peu coup de poing, euh, euh, je ne sais pas, euh, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, etc., etc. Tout dépend de, de, de l'objectif qui, qui est poursuivi mais de se dire, voilà, on a un film qui raconte une histoire très très forte, où en effet l'émotion va générer une envie que les choses changent. On peut passer par toutes sortes de, je ne sais pas, changer une loi, s'opposer à un projet de barrage, enfin, tout, tout est imaginable. Et comment est-ce qu'on va aller chercher les gens qui vont être mus par ce film euh, ils vont être émus par ce film et comment faire en sorte qu'ils qu se meuvent ensuite. Et ça, est-ce qu'on sait faire justement Où est-ce qu'on en est de, de ce savoir-faire De comment on accompagne ces films-là Et qu'est-ce que vous avez mis en place vous, par exemple au sein de... Alors, il y a des pionniers, je, je, Jean-François en est un. Euh, au FIPADOC, on a essayé de monter un atelier euh, sur deux jours où on prend cinq ou six projets qui sont déjà engagés sur des, des, des thèmes, euh, qui, des films dont on imagine qu'ils ont un, un potentiel euh, de, de, de films à impact. Et comme c'est assez nouveau en France, l'idée c'est que pendant deux jours, on va leur donner des outils pour qu'ils ressortent. Avec un projet un peu plus musclé justement en termes de stratégie d'impact. Jean-François euh, EcoStudio était euh, partenaire du, du premier lab impact euh, en 2020. Bon, en 2021, on a, on a suspendu, on a reporté puisqu'on pensait que c'était quelque chose qui était vraiment on devait se faire de manière physique. Mais on espère bien qu'en en janvier 2022 il y en aura un. On espère bien que Jean-François sera toujours là. Euh, et l'idée c'est de repartir avec une boîte à outils sur Comment euh, donner d'abord une idée du, du, du paysage du mécénat en France Ça, c'est tout en amont, tout un travail de, pour trouver les moyens. Et puis, en aval, justement, faire un plan de stratégie. Euh, je ne sais pas si toi, tu veux donner quelques exemples plus précis sur des, des, des films que tu as. Que tu as porté dans cette direction-là. Euh, mais voilà, l'idée, c'est encore une fois, c'est un peu ce vieil adage qui dit euh, on, on va pas vous, vous avez faim, on ne va pas vous donner du poisson, on va vous apprendre à pêcher. Bon, ben voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire repartir avec un, un petit savoir-faire qui, encore une fois, est très sur mesure au projet, euh, mais qui derrière, on, on l'espère, euh, pourra s'aimer un peu. Ils ne sont pas très nombreux encore en France, les, les, les producteurs d'impact. Euh, mais voilà, c'est des pionniers. C'est un travail de professionnalisation, comme vous me disiez, effectivement. Donc, Jean-François, euh, voilà, vers quoi on tend quand on fait ce travail-là Qu'est-ce qu'on qu qu espère atteindre Quel est le, le tout le travail, vous, que vous mettez en place pour ça Alors d'abord, quand on parle de films d'impact, il faut qu'on fasse euh, attention à une chose. Hein, d'abord, des films d'impact, il y en a eu depuis 125 ans. Hein, les premiers films de Gaumont et Pathé, euh, je suis sûr que dans, 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 dans cela, il y avait certains films qu'on aurait pu qualifier comme des films d'impact aujourd'hui. Et un film d'impact, ce n'est pas uniquement un documentaire qui fait 10 000 ou 50 000 entrées en salle. Euh, hors norme, euh, de Nakash et Toledano est un film d'impact. Euh, Les Invisibles est un film d'impact. Au nom de la Terre est un très bon exemple de film d'impact. Euh, Demain ou Sur le chemin de l'école sont également des exemples. Alors, on se trouve que c'est des documentaires, mais. Euh, donc un film d'impact, ce n'est pas uniquement quelque chose d'obscur qui va faire quelques entrées dans, dans des salles indépendantes. Je crois que le public en a envie. L'année 2019 a montré que ces films euh, à forts sujets euh, sociaux. Euh, était plébiscité par le public, euh, parce qu'on aurait pu mettre Papicha, on aurait pu mettre Les Misérables, on pourrait mettre Grâce à Dieu dans ce, dans ce, euh, dans, dans ce groupe de films à impact, à condition que derrière, justement, il y ait ces campagnes d'impact. Et pour reprendre un film sur lequel nous n'avons bien évidemment pas travaillé, parce que Eco Studio n'existait pas avant, à ce moment-là, au nom de la Terre, et j'étais avec Christophe Rossignon au festival de Saint-Jean-de-Luz avant-hier, on en parlait, est un très très bon exemple de film d'impact. Parce que voilà un film qui n'était pas prévu pour faire les 2 millions d'entrées qu'il a fait, qui a fait 2 millions d'entrées, une grande partie de ses entrées en province, mais qui a montré le désarroi du monde agricole. Et derrière, Édouard Bergeon, avec Guillaume Canet d'ailleurs, et l'aide du producteur, a créé tout un écosystème médiatique pour continuer. À parler du sujet et pour donner aux gens, aux 2 millions de spectateurs et aux téléspectateurs qui, qui, ont, qui ont suivi derrière euh, la chronologie de, du, du film, les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, euh, participer à ce combat, s'informer encore plus et aller au-delà. Donc voilà une histoire vraie qui a été transformée en film de fiction inspiré d'une histoire vraie, euh, qui a eu un succès dingue en salle et, et qui euh, aujourd'hui euh, continue. Dans cette direction, puisque euh, encore aujourd'hui, on peut suivre euh, euh, le, le film grâce à ce, 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 ce site qui a, qui a été créé par Edouard Bergeron et Guillaume Canet. Donc, c'est un très bon exemple concret sur un film à succès. Après, sur des documentaires euh, qui vont sortir en salle et qui vont faire euh, quelques milliers, quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers d'entrées, euh, il y a bien évidemment aussi des choses qui sont faites. Mais, euh, mais ça, je trouve que c'est un, un très bon exemple parce que ça peut aller un petit peu à contre-pied de ce qu'on peut imaginer quand on parle de film d'impact. Euh, et et, et c'est vraiment du, du concret. La salle de cinéma est... Effectivement, un relais, mais après, le film vit aussi euh, autour, peut-être. Euh, oui, c'est aussi longtemps. la particularité. Euh, tout à l'heure, Ariane parlait ici de, 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 de la longévité euh, un petit peu nouvelle des films qu'on qu découvre depuis, euh, depuis quelques mois. Mais euh, un, 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 un film, quel qu'il soit, il a une vie sur, sur, des, sur des années, sur des dizaines d'années pour certains, euh, avec les, les, les différents stops de la, de la chronologie des médias. Et ce qui est important. Pour des films d'impact, c'est de faire en sorte que, justement, à, à chacun des moments clés de la chronologie des médias, VOD, DVD, euh, euh, chaîne, chaîne payante, chaîne RTN, plateforme. Il euh, y ait un accompagnement qui soit fait sur le sujet, parce que si le sujet est important au moment où le film sort en salle, il est aussi très important trois ans plus tard ou deux ans plus tard quand il est euh, sur une chaîne hertienne ou quand il repassera en deuxième diff sur une chaîne euh, payante ou sur une chaîne hertienne. Donc il faut pouvoir l'accompagner et une campagne d'impact, à la différence de la campagne d'une sortie de film qui va être sur quelques semaines avant et une ou deux semaines après la sortie du film, non, une campagne d'impact, il faut la penser sur plusieurs années. Et c'est aussi un un petit peu le défi de, de, de ce genre de, de ce genre d'exercice est-ce que est -ce que voilà est-ce que c'est un vœu pieux de dire qu'on peut changer le monde avec euh, avec les images avec le cinéma ou est-ce qu'effectivement on peut vraiment changer le monde moi je crois que c'est excusez-moi je prends la parole mais je crois que c'est un, un petit peu l'inverse c'est-à-dire que euh, on peut changer le monde avec plein de choses mais il se trouve que nous on est des professionnels du cinéma donc apportons, tu parlais des colibris tout à l'heure qui apportent leur euh, goutte d'eau pour, pour éteindre l'incendie euh, les uns après les autres, euh, les, les laboratoires pharmaceutiques, les maisons d'édition, euh, la musique, tout le monde peut changer le monde à sa manière. Voilà. Nous on est dans le cinéma, donc utilisons ce qu'on sait faire, qu'on soit exploitant, qu'on soit distributeur, qu'on soit producteur, qu'on soit comédien, réalisateur, scénariste. Euh, on est obligé dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, quel que soit son métier, d'apporter sa contribution. Nous, c'est notre contribution. Et Anne, comment vous changez le monde Moi, j'aime bien dire que euh, il faut être à la fois humble et ambitieux. Humble parce que, oui, on va peut-être pas changer le monde de, de, demain matin, juste machin. Mais, mais ambitieux parce qu'il faut le vouloir, le changer, ce monde. Et entre ces deux choses-là, tout est possible. Et pour revenir sur la salle de cinéma, je trouve qu'elle a, elle a quelque chose de particulier à jouer dans les films d'impact, parce que comme le disait très bien quelqu'un ce matin, c'est une expérience tout à fait spéciale. On est ensemble dans le noir, on regarde dans la même direction, euh, on n'est pas isolé chacun sur son, sur son écran, et euh, c'est vraiment un lieu privilégié où cette espèce de, de sentiment que tout est possible parce que on, est, on va être nombreux euh, peut se peut se nouer et euh, je trouve que c'est une c'est vraiment une étincelle euh, qui peut être magnifique et merci de souligner ce point effectivement primordial et Caroline vous changez le vous changez déjà beaucoup de choses pendant la vie de ces jeunes euh, que vous avez notamment emmené à Cannes oui, je pense qu'effectivement, sur la question changer le monde, on est, tous, on est tous une petite graine qui changeons une toute petite partie et il faut rester effectivement d'une modestie totale. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas 100% engagé pour, pour ce qu'on fait, mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours une frustration parce que moi je me dis effectivement, je change peut-être la vie de quelques centaines de jeunes, j'aimerais dans les rêves les plus fous pouvoir changer la vie de quelques milliers de jeunes, mais après c'est le colibri qui fera, son, qui fera son travail et qui permettra que les films de ces jeunes justement soit diffusée auprès d'autres jeunes qui auront envie de etc Donc, euh, mais, mais je pense que, je pense quand même euh, que l'image Peut-être que les laboratoires pharmaceutiques peuvent un tout petit peu changer le monde, je suis d'accord, vous avez pris cet exemple, mais je pense que l'image est quand même beaucoup plus propice aujourd'hui à changer le monde et que vous avez en l'occurrence entre les mains euh, le média qui est le plus euh, favorable à changer les états d'esprit. Si tant est que les jeunes euh, effectivement euh, voient les films, et je crois que de toute façon on est tous d'accord là-dessus, euh, où qu'ils les voient, ils les voient. Et, et, et donc euh, vous avez le média en or pour permettre euh, que ce soit de comprendre. La crise en Afrique du Sud, au Guatemala, enfin on le voit, tous les films qui ont parlé d'histoire, qui ont parlé de, de handicap, qui ont parlé, de, etc., ont rencontré un succès qui a permis aux gens de mieux comprendre le monde et de mieux se trouver aussi dans ce monde. Parce qu'en le comprenant mieux, on s'y trouve mieux aussi. Merci, moi j'ai envie de terminer sur ces, belles, ces beaux mots et sur la salle de cinéma en or. Merci à vous trois. Merci. Un immense merci. merci. Un immense merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis euh, particulièrement heureux qu'on ait pu euh, terminer sur cette note. Tout était, euh, tout était passionnant euh, ce matin. Et puis euh, là, on repart en se disant que c'est non seulement passionnant, mais en plus, ça peut faire beaucoup de bien. On en est tous convaincus, mais c'est encore mieux quand on s'en rend compte. J'aurais aimé qu'on puisse continuer. On... Un de mes gros stress dans cette matinée, c'était le timing. Alors, je suis désolé pour tous les animateurs que j'ai stressés. Mais euh, on m'a tellement dit, ça ne tiendra jamais, tout ce que tu as, t as plus d'intervenants qu'il que, n'est raisonnable. Euh, voilà. Finalement, on a réussi, il est 13h05. On va pouvoir aller déjeuner pour ceux d'entre vous qui peuvent se joindre à nous. Mais je voudrais quand même euh, adresser un certain nombre de remerciements avant de conclure euh, cette matinée. D'abord, euh, remercier euh, le CNC qui nous a immédiatement ouvert ses portes dès que j'ai émis euh, l'idée à la fin du mois de juillet. Et donc, c'était euh, très plaisant. Et puis, c'est quand même un cadre... Euh, Super, hein, comme, euh, comme infrastructure, c'est formidable et ça nous a permis d'associer à cet événement euh, tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube et puis surtout qui vont continuer à, à le suivre sur YouTube parce que notre consommation à nous, c'est plus du replay que du live en général parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui travaillent au milieu de la journée. Euh, je voudrais donc remercier les, les équipes du CNC, les équipes techniques euh, de Webedia, de Bob, du CNC qui nous ont euh, aidés. Je voudrais remercier euh, toutes, euh, tous nos intervenants et tous les participants parce que franchement ça a été d'une euh, qualité absolument euh, remarquable. Je vais reprendre mon bouquin en partant parce que je suis un petit peu gêné maintenant après toutes les bonnes idées supplémentaires que vous avez apportées. Et je voudrais euh, adresser un grand grand merci à mes équipes, aux équipes de Box Office Compagnie, aux équipes de Box Office Pro, euh, aux équipes euh, d'Allociné, euh, qui euh, qui m'ont suivi dans cette idée un peu soudaine de « et si on faisait ce forum, ça serait formidable ». Il m'a dit « mais ce n'est pas Cine Europe la même semaine et le congrès deux semaines avant ». Et ils m'ont suivi, ils m'ont accompagné avec une, une mention toute particulière pour, pour Alice Burger qui nous a rejoint il y a quelques jours et qui lui a dit « tu viens d'arriver, donc tu n'es pas encore débordé par tous les projets, tu vas t'en occuper ». Et elle a géré ça de main de maître. Alors tous les autres, je pourrais aussi les remercier. Et voilà, encore une fois, je voudrais remercier, puisque c'était le... Le prétexte de cette réunion, euh, mon livre, euh, je ne voudrais pas remercier mon livre, mais je voudrais remercier des équipes de, de Box Office Pro aux États-Unis, en particulier Daniel Loria, qui a énormément contribué au contenu de ce livre et avec lequel j'espère bientôt pouvoir sortir la version américaine du livre, parce que nous aussi, les Français, on peut s'exporter même dans la publication, et qui sera sûrement encore plus riche parce qu'on va pomper tout ce que vous nous avez dit ce matin. Et euh, donc voilà, un grand merci à toutes les équipes, merci à vous tous, et puis ravi de prolonger cet échange avec ceux d'entre vous qui peuvent rester avec nous. Merci. Et merci, et merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et vous pouvez aller déjeuner aussi. Merci.